T'as eu l'occasion d'écouter les podcasts euh, un peu mécaniques, ouais, j'en ai, ai écouté quelques-uns, ouais. ouais. tu sais que tu, tu, ne seras pas, euh, tu ne seras pas accusé si jamais c'est pas non, 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 ouais. vraiment j'en ai, ai écouté quelques-uns parce que t'as as des invités de... de choix. De choix, et eh bien j'essaye, j'essaye, je suis content, je suis, euh, comme dirait, je suis grateful, euh, comment on dit euh, en français Grati gratifiant. Comme bon. je le disais hier, en plus, euh, j'ai eu des retours positifs euh, de, de certains de tes invités qui disaient que tes questions étaient euh, pertinentes. Ouais, écoute, on essaie de, de l'être. Il, il y a toujours des cons pour se dire, pour se dire ah, pourquoi il a posé cette question, pourquoi il n'a pas posé cette question. Euh, mais j'invite tout le monde à, à faire ce travail et de voir un petit peu à quoi ça ressemble de discuter avec des gens et d'avoir les bonnes questions au bon moment. C'est pas trop facile. Après, moi, je suis venu juste parce que tu m'as payé, hein, c'est tout. <laughs> oui, pas cher, 2 euros en plus. <laughs> euh, bon, alors, on est, euh, on est toujours à la balle Time Chamber euh, ici. Ouais. Alors, c'est moi qui vais gérer un petit peu le setup, les caméras, tout ça. Je, je le dis pour les gens qui nous regardent. Hop, on a une caméra centrale, on a, on a la caméra sur, sur Neville, sur mm -hmm. juste ici. Euh, et sur moi. Donc je vais essayer de faire ça bien. Euh, ça fait longtemps que je voulais te recevoir donc sur le podcast. Euh, ton associé Antoine Fombonne était venu il y, a, il y a un an et demi quelque chose comme ça. J'avais enregistré en distanciel avec lui. Euh, je l'ai croisé à la ici à la Chamber il, il y a quelques mois, mais on n'a pas eu le temps de, de enregistrer un autre podcast ou quoi. Il était, euh, on s'est entrecroisé, on va dire. Et euh, ben, je suis content, on va pouvoir parler de pas mal de trucs, parce que la science de l'entraînement, ça, ça 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 fascine euh, et ça intéresse pas mal de monde, surtout ici sur ce podcast. Parce que qui dit science d'entraînement, de on parle d'entraînement, de, no de nutrition, euh, la récupération, euh, les compléments aussi. Il y a deux camps, j'ai enregistré avec euh, Flo Marek il y a pas si longtemps, il y a un petit peu deux camps, ceux qui sont full pratique, un peu, tu vois, dans la, la mentalité, ceux qui sont un peu full théorie dans la mentalité. Euh, en fait, je te rends compte que c'est un croisement des deux, hein, c'est qui, qui, qui fonctionne le mieux. Euh, mais toi, t'es branché quand même science, notamment avec euh, Bayesian. Enfin, je pratique aussi, quand même. Et tu pratiques Il <laughs> <laughs> faut, faut le pratiquer. Tu pratique, euh, dans le coaching, mais aussi. Euh, à titre perso. À titre perso, ouais. Ok. Euh, tu fais du surf aussi. Ouais. Alors, ouais. On a discuté un peu au requin, peut-être qu'on aura le temps d'y revenir, c'est toujours, euh, toujours assez sympa. Euh, et voilà, je me suis noté comme d'habitude quelques petites questions. Tu vois, c'est pas facile hein, de gérer tac tac et de... Ah, je vois, et de je trucs, donc j'essaie de faire ça le, le mieux possible. T'inquiète, une fois que tu vas me lancer, tu vas rester sur le 1, ça va être tranquille. Voilà, tu es <laughs> capable de parler pendant à peu près deux heures. Non, euh... je, vais, je vais essayer de faire attention. T'as quand même été étonné euh, de savoir qu'il fallait au moins se prendre deux heures pour ces podcasts-là. ouais c'est vrai, parce que moi sur mon format, sur mon podcast, parce que j'ai aussi un podcast, euh, je suis plutôt sur un format plus court, euh, aux, aux alentours d'une heure, on va dire. Bon, eh ben moi j'aime bien. Je, ce que je dis toujours, c'est que c'est à partir d'une heure qu'on commence à s'amuser, que le, les esprits un petit peu se lâchent, qu'on oublie un petit peu ce qui se passe avec le micro, les caméras, tout ça, et que ça commence à devenir intéressant. Euh, et d'ailleurs, j'ai un les... dis à toutes tes femmes. <laughs> non, pas toutes. <laughs> je vais sélectionner. Et, euh, et, et c'est ce que c'est ce que j'avais remarqué même parce que j'avais enregistré avec Céline Tran. Euh... Oui. Voilà, tu vois qui c'est. Il y a quelques épisodes de cela. Et c'est vraiment. et Je l'ai encore une fois ressenti. C'est vraiment après une heure. Que euh, en fait, tu, tu vas dans des sujets, tu, tu creuses, etc. Et malheureusement, elle n'avait pas plus de teintes consacrées que ça. Et, et euh, moi, je m'étais rendu compte, à, à titre perso, que c'est à partir d'une heure que tu sais qu'il y a vraiment des trucs qui se, qui se. On est moins dans le convenu, moins, les réponses sont moins, sont moins surfaites, etc. Et qu'on commence un à se. Un peu sur ta fin Un peu, mais bon. Je vais te laisser te présenter, okay. euh, simplement, parce que je, je demande toujours à mes invités de le faire. Donc, je m'appelle Nevin Barnett. Euh... <coughs> Excuse-moi. Je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France, euh, je suis ingénieur de formation, euh, j'ai démissionné de mon poste d'ingénieur en 2016, j'ai lancé Bayesian avec Antoine euh, en 2017 et c'est ce que je fais depuis mm -hmm. et aujourd'hui je, je gère Bayesian euh, et j'ai aussi euh, du coaching euh, à côté, donc euh, j'ai deux activités principales. Donc Bayesian et le co quoi, coaching perso ouais. Coaching one-to-one, j'ai quelques coachs qui bossent avec moi sous, euh, sous la marque Fitness Logique. Voilà. Euh, quelle différence entre Bayesian et toi finalement Puisque tu es impliqué dans les deux, donc euh, c'est quoi C'est que toi, euh, toi c'est que toi Et sinon, enfin, je veux dire, quel intérêt il y aurait à venir te voir que toi si tu es déjà sur Bayesian par exemple ah, Bayesian, ça a rien à voir avec euh, mon activité de coaching euh, Bayesian, c'est une formation pour les gens qui veulent devenir coach ou pour les gens qui sont déjà coach et qui veulent améliorer leurs connaissances en sciences de l'entraînement de la nutrition psychologie okay. euh, etc et euh, le coaching que je donne c'est vraiment du coaching pour des gens euh, euh, tu vois j'ai fait beaucoup de compétiteurs j'ai fait euh, des gens qui veulent euh, euh, se remettre en forme j'ai fait et là je me focalise plus euh, dernièrement sur euh, sur des gens qui ont plutôt mon âge euh, tu vois genre euh, 35 plus euh, as 35 ans 36 36. Okay. Euh, tu couperas ça d'ailleurs en montage. <coughs> tu, 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 tu sais bien que non. <laughs> j'ai signé un NDA juste avant le, le podcast, ça vous savez pas. Euh, et, euh, et ouais, je me focus un petit peu plus sur cette population maintenant parce que je me rends compte que, euh, que c'est un peu la demande que j'ai dans mon entourage et je trouve que ça fait sens, tu vois, des gens qui ont perdu un petit peu leur leur physique d'antan, jeunes pères de famille qui sont concentrés sur leur carrière, qui sont un peu laissés aller, etc., mais qui ont potentiellement un passé de sportif, qui veulent soit récupérer leur, leur physique, soit se débarrasser un peu de tout ce qui est euh, douleur, problématique physique, tu vois, genre pour performer, mmh. et, euh, et ouais, se remettre en selle et tout. Se remettre en forme. Ouais. Ok. Alors toi, t'es ingénieur de base je, je fais toujours mes petites recherches, je regarde. Alors, Alors, je le savais. Mais non, mais de temps en temps, j'écoute ton podcast aussi. Il y a un des invités qui me qui me parlent. T'en sors pas beaucoup. Pas Ouais, t'as pas une ouais, assez bah, dur de faire Bayesian, <coughs> coaching, un podcast, une chaîne YouTube. Ouais, bien sûr. Les réseaux sociaux, c'est les reels, c'est tout. Pour ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, et donc, donc, t'es ingénieur. Euh, est-ce que tu penses et je pense que oui mais que ça a eu un impact sur la façon dont tu t'entraînais au tout début tu vois quand tu as commencé à t'entraîner est-ce euh, que cette euh, euh, si tu es ingénieur de base ça veut dire que tu as un, un esprit un peu cartésien rationnel que tu aimes bien comprendre le A plus B égal ceci euh, est-ce que directement tu l'as mis euh, tu as voulu mettre en place dans ton entraînement de comprendre exactement comment ça fonctionnait ouais dès le début toute mon approche euh... Euh, du fitness en général euh, et a toujours été de, de cette manière-là en fait. Euh, <coughs> ça, ça a dicté euh, ma pratique, euh, mon parcours, euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est super important pour moi. Super important de comprendre euh, le pourquoi du comment, les bases, euh, comment on y arrive. Euh, mais il faut aussi avoir une ouverture d'esprit dans le sens, euh, tu vois, tu parlais de théorie et de pratique. C'est que euh, la science est limitée d'une certaine, man certaine manière et il y a plein de questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. On aura peut-être tu vois dans les 10 20 100 ans à venir et parfois il faut aussi prendre des décisions et ça ça peut être basé un petit peu plus sur le côté euh, euh, expérience anecdote et c'est ça en fait bayesian, c'est ça en fait Bayesian c'est ça vient du théorème euh, de bayes de, euh, qui en fait tu prends une décision basée sur toute la data et les recherches scientifiques que tu as et euh, la probabilité que tu as une bonne réponse à la question mais du coup la probabilité, c'est basé euh, potentiellement sur euh, sur euh, sur un, 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 un choix subjectif, en fait, tu vois. C'est-à-dire que tu vas dans cette direction parce que tu penses que c'est la réponse à ta question, mais tu n'en es pas sûr à 100%. Et c'est ça aussi, euh, euh c'est-à-dire qu'on prend tout ce qu'on a à disposition, on regarde tout ce dont euh, on a une, une réponse, mais après, il y a certains trucs où, tu vois, genre t'es obligé de prendre une décision quand même, parce que sinon, t'avances pas. T'as un exemple euh, bah la nutrition c'est un bon exemple en fait d'une certaine manière tu, tu sais euh, sur euh, quelqu'un euh, tu... on entend de tout là hein? ouais bien <laughs> sûr bien sûr mais parce que les gens ils, ils lisent pas la littérature scientifique donc euh, on entend tout malheureusement S'ils se formaient avec nous ils verraient que il y a aussi euh, beaucoup de réponses à, à certaines de leurs questions tu vois hier j'ai posté un un réel sur sur l'insuline, mais encore aujourd'hui, t'entends des trucs. C est, c est, moi, je me tape la tête par terre sur ouais, euh, attention à vos pics d'insuline, attention aux IGO, etc. Et tu dis mais attends, gros, ça, ça fait 20 ans que qu'on n'est plus dessus quoi. Hum. Euh, qu On va y revenir sur d'autres trucs comme ça. Je me suis ouais. noté. Donc tu vois par exemple, tu sais que quelqu'un qui veut développer euh, sa masse musculaire, tu vas avoir besoin d'un apport en, en protéines adéquates, donc, euh, on va dire, tu vois, genre, aux alentours de 1,8 grammes de protéines par poids de corps, donc ça tu le sais, donc tu l'implémentes avec, euh, avec tout le monde, il n'y a pas vraiment une interindividualité euh, là-dessus, mais après, euh, euh, le reste de la nutrition, ça va être super individuel, ça va être euh, basé sur euh, comment la personne réagit à, à, à la nourriture. Euh, quelles sont ses intolérances, euh, tu vois, tout ça. Et, mmh. et même si tu as des grandes lignes directives, tu as quand même un choix à faire, en fait. Tu as un choix qui, qui va être par rapport à l'individu. C'est ça aussi la beauté du coaching. Et tu ne et peux pas, euh, théoriquement, savoir absolument tout de la personne sans tester. Tu vois Sans, pas, sans passer par de la pratique. Ouais, tu vois, genre par exemple, <coughs> si, je te, si je te fais une diète parfaite, mais que la personne, elle est intolérante au lactose et que je lui ai mis euh, des produits laitiers dans sa diète, bah, j'ai faux, en fait, tu vois. Mmh. Est-ce que la science, elle n'est pas toujours en retard par rapport à la, à l'empirisme Tu sais, on, 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 euh, on différencie un petit peu les deux, ce, ce qu'on a appris par l'expérience, par la pratique, par le vécu, euh, même par le coaching d'autres personnes. Tu sais, il y, y a vraiment beaucoup de coachs qui ouais, sont là-dedans mais... et qui regardent pas du tout ce que fait les études, et qui pourraient dire, par exemple, de toute façon, la science est toujours en retard parce qu'elle vient démontrer ou elle vient apporter une preuve considérée comme scientifique à quelque chose qu'on sait, qu'on a expérimenté, et dont les datas euh, personnelles nous ont déjà fourni euh, le, la réalité. Non, je suis pas d'accord avec toi, parce que... Ah, mais c'est pas, pas moi qui le dis, hein. <laughs> moi je me fais le, la transmission okay. euh, d'autres... Euh, euh, le problème, c'est que tu as plein de biais, en fait. Tu as plein de biais cognitifs qui vont potentiellement te confirmer dans l'anecdotique, dans l'expérience, etc., en te, en te faisant croire que tu sais parce que ça a marché sur toi, alors que tu pas sûr... Enfin, tu vois, genre, l'effet placebo, c'est un truc qui est super fort. Euh, tu verras dans les prochains jours je vais poster un réel sur euh, sur l'effet placebo et l'impact euh, de stéroïdes qui étaient en fait pas des stéroïdes sur les performances euh, ah ouais ouais en termes de force sur des athlètes euh, de force tu vois des, des powerlifters et, et c'est super intéressant c'est que en fait euh, en gros ils devaient se préparer pour une compétition euh, et euh, le deal, c'était que la personne qui allait le plus progresser sur les sept semaines de préparation à la compétition allait recevoir un nouveau stéroïde euh, encore euh, pas utilisé sur le marché euh, donné par leur coach. En fait, c'est leur coach qui leur disait ça. Donc les mecs, ils ont progressé de ouf. Et ensuite, euh, les personnes qui ont été sélectionnées ont reçu euh, ce stéroïde qui était en fait un placebo, donc c'était juste une pilule de sucre. Et euh, ils ont réussi à tripler leur gain de force. Après avoir, euh, après avoir participé à cette, à cette compétition et cette préparation, juste parce que l'effet placebo de savoir qu'ils pensaient prendre des stéroïdes, tu vois. Quel intérêt de leur dire que c'est uniquement euh, certains sélectionnés qui vont y accéder Bah parce que c'était en fait pour leur faire, c'était le buy quoi, c'était pour leur faire croire à tout le processus d'une certaine manière. Ok, que genre c'était sérieux et, et qu'il fallait le mériter pour l'avoir. La, pour non et, et puis surtout ils voulaient qu'ils se poussent sur cette préparation en fait, tu vois. C'est-à-dire que c'était seulement les personnes qui allaient se pousser le plus et qui allaient le plus progresser sur ces sept semaines de préparation à la compétition qui allaient recevoir ce stéroïde. Parce que sinon, tu pourrais dire, ouais, bah, ils vont tous le recevoir, ils ne vont pas se pousser suffisamment pour euh, essayer de, de maximiser leur, leur performance. En fait. Et une fois qu'ils avaient reçu euh, donc leur, leur pilule de sucre, ouais. donc ces sept semaines après, c'était les, les meilleurs, ouais. euh, comment être sûr qu'ils vont continuer à se pousser ben en fait, c'est ça la beauté de l'effet placebo, c'est que rien que le fait de penser qu'ils étaient sous stéroïdes, leur, leur, leur... Ils ont monté de force. Ouais. Monté de force. Et, et ce, qui est, ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois qu'on leur a dit que c'était placebo, ils n'ont pas été capables de répliquer leur performance. Le... La magie s'effondre La magie s'effondre, mais pourtant c'était des performances qu'ils avaient déjà faites. Ouais. Et surtout, c'est des performances qu'ils ont déjà faites en sachant qu'ils l'ont fait sans stéroïdes. Et pourtant, oh. malgré ça, ils n'étaient pas capables de répliquer ces performances. C'est ça la il pouvoir il de l'esprit. Même en se disant, ah ben putain, c'était des conneries. C'est rien que moi. C'est moi qui l'ai fait ça. uniquement moi. J'arrive pas à le refaire. J'arrive pas à le refaire parce que je suis pas. Euh, parce qu'ils étaient convaincus d'avoir euh, la potion magique. C'est ça. Euh, astérix. Ouais. Donc tu vois, les, euh, ce type de biais en fait peut vraiment te pousser. te Tu vois, te, si, si, si on te vend et que tu, tu, tu crois vraiment sur une méthode d'entraînement, etc. Et que tu performes super bien et tu fais des super progrès, bah, clairement, tu vas dire, mais c'est la meilleure méthode d'entraînement possible. Et forcément, ça doit être la même chose pour tout le monde. Et t'y crois. Et ça veut pas dire que tu vas pas avoir des bons résultats avec. Mais est-ce que ça veut dire que ça va marcher pour tout le monde s'ils ont pas, justement, ce, ce biais? Cette euh... croyance, ouais. ouais exactement. Je, je, alors, je suis pas, je suis surpris de l'anecdote parce que tu sais, on se dit toujours, putain, c'est quand même incroyable ce que l'esprit le, humain est capable de faire. Ouais, le cerveau, c'est fou. Et en même temps, je ne suis pas non plus surpris parce que ça fait quand même des années, euh, que ce soit à travers ce podcast, à travers mes expériences personnelles et les, les consultations que je faisais avant. Euh, je le vois bien, le, le pouvoir du, du placebo, le pouvoir de l'auto-suggestion, de s'auto-convaincre euh, d'un résultat, d'un apport de quelque chose, ça a un, un impact absolument énorme. Euh, et et d'ailleurs, c'est marrant parce que les études tendent à, le montrer, tendent à montrer de plus en plus que, euh, euh, mais que le placebo est presque plus puissant qu'un médicament qui aurait réellement un effet euh, physiologique quoi. mais là dans ce cas là euh, c'était la force qu'ils avaient pris on peut s'imaginer que on peut s'imaginer euh, que le cerveau quand il croit dur à quelque chose il va être capable d'envoyer plus d'influx nerveux euh, qu'il va être capable de, de soulever plus lourd d'améliorer de, 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 la technique enfin de, de s'auto-convaincre pour améliorer la technique ça je, je pense que ça peut être concevable enfin moi je le conçois tu vois. mais par contre en termes de masse musculaire ils n'avaient pas, pas pris là dans ce cas là parce que Autant le cerveau peut te faire pousser fort, est-ce que le cerveau peut te faire prendre de la masse musculaire uniquement par le, par le fait de vouloir prendre de la musculaire, tu vois Je veux dire. Bah, alors dans, la, dans cette recherche spécifique, c'était pas mesuré ou pas de façon euh, euh, assez bonne, tu vois, pour, pour vraiment savoir euh, quels, avaient, quels avaient été les développements euh, en termes d'hypertrophie. Mais si, je pense que tu vois, genre, à partir du moment où, où tu crois sur quelque chose et tu vas développer ta force et tu vas le faire sur le temps, euh, tu vas avoir, euh, tu vas avoir une, une croissance musculaire qui va suivre. Donc, euh, si, si, absolument. Tu, tu as juste à regarder, par exemple, des rémissions de maladies sans traitement ou des choses comme ça, juste avec la pouvoir de, le pouvoir de l'esprit. Donc, euh, ton esprit va impacter mmh. ton corps. Il hein. y a des choses qui sont un petit peu dangereuses là-dessus, c'est qu'on entend de plus en plus, tu vois, des différents types de régimes qui guérissent des cancers mmh. ou quoi. Euh, euh... Ça, c'est dangereux. C'est comme tout, je pense qu'il y a un peu de bon, il y a des choses qui ressortent, des choses qui, dont, dont il faut faire attention de ne pas se laisser avoir par des biais, justement. Euh... mais tu vois, un autre truc sur la masse musculaire, euh, je vais faire un petit coucou à Nassim, euh, qui a quelques années, où je, je sais plus, enfin, euh, je sais plus si c'est lui qui l'a dit exactement, mais ce truc de se dire, tiens, je vais prendre une barre à vide et je vais tellement me concentrer, euh, la fameuse contacts, contraction volontaire, etc., que je vais réussir à développer ma masse musculaire. Bon. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire Est-ce que la science montre que même si t'es convaincu au maximum de prendre de la masse musculaire, il va falloir à un moment donné mettre des poids, quoi. Enfin, il va falloir qu'il y ait une, une charge. Bah le problème c'est que c'est difficile d'y croire parce que tu euh, t'es formaté en fait à, à te dire que bah je peux pas prendre de muscles sans prendre de poids en fait. Il faudrait que tu puisses effacer toutes ces pensées limitantes de ton esprit et d'être absolument biaisé euh, dans le fait que tu, tu peux le faire. Après, il y a des recherches qui montrent que euh, juste euh, le recrutement en fait de, de muscles, même à vide, etc., peuvent développer euh, ta masse musculaire. Tu as aussi le fait de euh, t'as le, euh, je me rappelle plus du terme exact, mais euh, par exemple, si tu es blessé sur un membre et que tu entraînes l'autre oui. membre, tu vas conserver ta force dans le membre blessé. Tu vois, t'as mm -hmm. plein de trucs comme ça qui sont euh, le résultat de bah. Le système nerveux, il y, a, il y a plein, encore une fois, il y a plein de trucs qu'on n'explique pas forcément. Et euh, alors, je ne suis pas forcément familier avec ce dont tu parles sur euh, ce que Nassim avait, avait présenté. Mais... Non, mais je, 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 je lui mets à lui, mais je sais pas si c'est lui qui a... Je me mais, mais ouais, effectivement, en fait, euh, rien que le fait de penser à avoir euh, des contractions musculaires, etc., potentiellement, euh, dans les recherches, ça a montré que tu avais un, un recrutement qui était plus important que si tu le faisais pas du tout, en fait. Donc, est-ce que ça va vraiment faire une différence visuelle en termes de développement musculaire Ça, je pense qu'on n'a pas vraiment la réponse. Mais euh, il mais y, a, y a quand même euh, y a quelque chose. Quoi. Et euh, je pense que c'est sur une histoire de, de neurones miroirs, quelque chose comme ça, c'est sur le, la symétrie. C'était une des premières fois que je l'ai entendu ça. Enfin, la symétrie, le fait d'entraîner un côté. Ouais. Euh, même si tu n'entraînais pas l'autre côté, il mmh. y avait quand même un petit effet qui se faisait. Ouais. Il me semble que c'était Michael Gundil, en euh, dont tu en avais parlé, soit dans une vidéo, soit dans un un podcast c'est juste le cerveau qui euh, qui c'est un, un un phénomène d'adaptation pour garder une symétrie du corps en fait d'une certaine manière tu vois c'est à dire que ah bah si je m'entraîne d'un côté il faut que je reste plus ou moins symétrique pour sans doute conserver mon centre de gravité au même endroit enfin il y, mmh. y a plein de process euh, qui se mettent en place quoi tu vois qui c'est euh, Don Pierre Albertini oui, oui bien sûr qui est le euh, bah, Associé de, de Christophe Bonnefond à Dubaï. Ouais, ouais. Enfin, à Dubaï. Ils, ils habitent à Dubaï actuellement. Je parle souvent avec lui. Ouais. Ouais. ouais, moi aussi, on est, on est resté bien en contact depuis l'épisode qu'on avait fait ensemble. Ils doivent passer à Bali, les deux. Alors, j'arrive je, je, pas à leur dire. Je, je les chauffe euh, aussi. Tu les chauffes Ouais. Ah, moi, je les chauffe bien. Hein. Christophe, j'envoie des. Bah, je, je peux pas le dire ici, mais je lui envoie des trucs pour, pour le chauffer. Euh, et, euh, et lui, par exemple, tu vois, il s'est pété la clavicule il y a pas si longtemps que ça. T'as ouais. dû le voir. Ouais, on en a parlé ensemble. Ouais. Et euh, il faisait ce truc-là de. Euh, il s'entraînait un côté pour. Euh, pour, pour aider, vite, hein. ouais, voilà pour aider à récupérer de l'autre côté. Ouais. Ouais. Et euh, il est allé plus vite, voilà. Et ça fait, ça faisait euh, râler, je pense. Je pense qu'il y en a qui râlent en, en story. Ouais, mais tu vois, les, les gens qui râlent, c'est les gens qui sont. Euh... En fait, c'est marrant, c'est que. Euh... Mais que... ça part de bons sentiments, hein, à mon avis. C'est attention, ouais, mon père ouais. va pas trop vite. Euh... Ouais, peut-être, mais euh, encore une fois, c'est des pensées limitantes d'une certaine manière. Et, et j'en ai, j'en ai eu euh, plein, tu vois, tout au long de ma carrière dans le fitness entre guillemets, parce que. Quand tu viens justement d'une euh, euh, d'une culture super cartésienne, super rationnelle, etc., c'est difficile parfois de s'ouvrir à, à à la spiritualité. <laughs> bah oui, clairement. Moi, c'est c'est quelque chose qui est c'est c'est toujours un challenge pour moi. Mais même sur des choses qui sont pas forcément bon, vérifiées, tu vois. Genre dans le sens où euh, ok, il euh, y a des résultats, il euh, y a de l'anecdote, etc. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre Est-ce que j'accepte de de prendre le risque entre guillemets ou de ou, ou de l'essayer tu vois alors moi j'aime bien essayer aussi tu vois genre il euh, y a plein de trucs que j'essaye sur moi pour essayer de de voir et c'est vraiment ces dernières années j'ai réussi à me détacher à être un petit peu plus ouvert sur sur certains trucs qui sont potentiellement trop durs à tester dans les recherches pour l'instant en, en tout cas avec les, les formats de euh, le, le la méthode scientifique qu'on a actuellement mais qui euh, je l'ai vu euh, m'a amené des résultats personnellement et euh, a amené des résultats à mes clients, tu vois. Et encore une fois, c'est peut-être des trucs sur lesquels on aura des réponses dans, dans plusieurs années, mais aujourd'hui, euh, genre, c'est quand même des choses que j'applique. Donc tu vois, j'arrive quand même à, à me détacher de, de ma casquette de scientifique et d'accepter d'implémenter de, des trucs où j'ai pas forcément de data dessus. Quoi. Mmh. Et alors donc, pour revenir, c'était une des questions euh, initiales. C'était euh, lorsque tu as commencé à t'entraîner. Euh, toi, tu voulais absolument tout savoir. Enfin, euh, tu voulais bien connaître les choses comment elles se passaient avant de t'y mettre. Est-ce que euh... j'avais pas envie de perdre du temps en fait moi, Oui, ben, ça, ouais. mais c'est l'argument, c'est l'argument. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais à Flo hier. C'est l'argument de ceux qui aiment bien euh, utiliser la science ou en tout cas euh, comprendre les choses. Euh, c'est éviter les pertes de temps. C'est éviter les erreurs qui auraient pu ben, être évitées justement. Ouais. En fait, tu vois, surtout en musculation, tu vois plein de gens qui font ouais, ben moi. Euh... Euh, j'ai essayé sur moi et tout, les mecs qui sont pétés de partout, ou c'est genre euh, ouais, bah, j'ai fait ça, et enfin euh, tu vois, genre, ça les a impactés négativement parce que ça a été un petit peu le, le soldat qui teste tout, et, et tant mieux, tu vois, on a besoin de certaines personnes comme ça, mais quand tu as déjà des réponses disponibles, pourquoi euh, en fait euh, perdre du temps, pourquoi euh, euh, se mettre en péril physiquement ou mentalement ou quoi que, quoi que ce soit, tu vois, alors que potentiellement tu n'as pas besoin de le faire. Mmh. Bon, alors que dit la science sur le dos rond. Sur le quoi Le dos rond. <laughs> dos rond au soulevé terre Est-ce qu'on peut trancher une dernière fois Je sais parce qu'à chaque fois que je pose ces questions, que j'amène ce sujet sur la table, ça arrive pas tout le temps, mais. <coughs> Pardon. Quand on est autour des thématiques un peu de l'entraînement et de, 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 de l'anti-blessure, forcément j'aime bien savoir. Et c'est toujours bon, alors est-ce qu'on peut avoir un point final Et ça à chaque fois, tu vois. Donc il ouais. euh, y aura probablement jamais de point final ou je sais pas, mais. Euh... Non, mais je pense que c'est un peu. Je trouve que c'est un débat un peu euh, dépassé, mais euh, mais oui, ça commence à, en fait, c est, c est... à être obsolète. <laughs> c'est un peu c'est genre doron ou pas doron, alors qu'en réalité c'est quand tu regardes des athlètes élites euh, qui sont exposés à une certaine flexion du tronc euh, avec les charges euh, utilisées et avec les années d'entraînement, bah tu vois. Euh, tu vois que le dos s'arrondit, tu vois. Et c'est, c'est une adaptation euh, normale, entre guillemets, sur, sur des efforts euh, maximaux. Après, est-ce que ça veut dire que tu dois coacher les gens? Nevin à... est un zététicien, très bien. <laughs> <laughs> est-ce que après, ça veut dire que tu, tu dois coacher les gens à, à soulever de terre dos rond? Moi, je le ferai jamais, tu vois. Genre, je vais pas prendre un débutant et lui dire, oh, bah, ok, t'inquiète. Garde ton dos rond et tu peux, et tu peux, et tu peux faire ton soulever de terre comme ça. Non, je vais leur apprendre euh, à avoir un bon positionnement du rachis pour euh, tu vois genre commencer comme ça et une fois qu'ils ont qu'ils on, qu ont été exposés euh, tu vois genre à des années d'entraînement potentiellement etc et que euh, ils peuvent explorer euh, d'autres amplitudes et tout il n'y a, a pas de souci et après c'est aussi la modalité d'une certaine manière c'est-à-dire que il y a une différence entre euh, ramasser un objet euh, ou tu vois genre euh, s'exposer graduellement à, à faire des mouvements en endorons ce que d'une certaine manière on devrait faire tu vois mais est-ce que ça veut dire que T'es soulevé de terre, tu dois, tu dois les faire comme ça, bah c'est peut-être potentiellement... Euh, je ne sais pas. C'est pour, pour moi, c'est pas forcément l'approche, mais je la comprends, tu vois. Je la comprends qu'on doit prendre certaines positions pour, pour faire accepter au corps et au système nerveux de prendre ces positions. Mais, euh, mais aujourd'hui, oui, je vais pas je vais pas coacher un débutant à, à, à faire un soulevé de terre d'euro. De toute façon, la grande question sous-jacente par rapport à ça, c'est jusqu'à quel point le corps est capable de s'adapter et la sous-question, c'est est-ce que plus qu ne le croit euh, certainement. Et est-ce que euh, la sous-catégorie, la, la sous c'est est-ce que toutes les structures anatomiques du corps s'adaptent de, de la même façon, à la même vitesse euh, et avec la même force. Et par exemple, un, un épisode que j'avais adoré enregistrer parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qui a fait des études là-dessus, c'est euh, De Neville. Euh, J'oublie son prénom évidemment. J'oublie toujours les prénoms. Les gens le savent, c'est pas grave. Euh, Jean-Philippe, voilà, ça me revient. Jean-Philippe De Neville. Euh, qui a fait, euh, bah, qui a beaucoup eu, euh, étudié le disque intervertébral okay. vois, et euh, qui expliquait. Et en plus, c'est un pratiquant de CrossFit, hein, c'est un kiné aussi. Euh, et euh, voilà, qui expliquait dans l'épisode euh, que euh, bah, que le disque, en fait, s'adapte, mais pas aussi vite, euh, pas autant qu'un muscle, et que il va y avoir à un moment donné, un moment Exactement. de rupture. Et que finalement, en fait, ça permet de se dire, on peut faire du dos rond. Et la vraie question, c'est jusqu'à quand, jusqu'à quel poids. Et alors, il y a ceux qui disent, mais on peut monter 100 kg tant que c'est petit à petit, ça s'adapte, ça s'adapte. Et puis, on va avoir l'autre camp qui va dire, bah, t'auras beau faire ce que tu veux, le disque, il ne va pas s'adapter autant, et, ou en tout cas, ça va être extrêmement lent, et c'est beaucoup trop risqué de faire ça, ça ne sert à rien. Ouais, enfin, euh, clairement, euh, à un moment, euh, plus tu vas vers l'extrême, c'est un rendement décroissant, c'est une courbe log logarithmique, en fait. Tu vas te rapprocher de ton point de rupture ou de ton point maximum... Euh, et du coup, bah, tu vas potentiellement transférer euh, une partie de la charge de euh, ce que j'appelle la, la fonction du corps, donc les muscles, etc., vers la structure. Donc tout ce qui va être effectivement euh, bah, tout ce qui est structurel, donc euh, les os, les articulations, les tendons, etc. Et comme tu l'as dit, c'est des, c'est des, euh, c'est des, c'est des parties du corps qui sont moins irriguées, donc avec un, une vitesse de récupération qui est moindre c'était d'accord d'ailleurs une grosse problématique enfin tu vois genre en musculation dans le sens où souvent on se base sur la capacité de récupération du muscle dans dans les programmations d'entraînement en se disant ouais bah ton muscle qui peut récupérer en 24 heures donc donc tu peux t'entraîner donc tu peux t'entraîner tous les jours etc même tous les deux fois par jour ouais c'est ça et potentiellement certains athlètes qui qui optimisent leur récupération qui récupèrent peut-être mieux que d'autres qui ont qui sont sous produits dopants etc vont pouvoir faire ça, mais pas forcément tout le monde. Et euh, surtout, euh, tu vois, par exemple, il euh, y a aussi le, le côté technique. Et potentiellement, si ta technique elle est pas euh, parfaite, même si la technique parfaite n'existe pas, euh, et que tes muscles récupèrent, mais que ton tissu conjonctif ne récupère pas aussi vite, et eh ben tu vas avoir, euh, au fur et à mesure, tu vois, genre une dégénérescence de celui-ci, même si tes performances elles baissent pas. Et après, tu vas accumuler retrouver... un crédit, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, tu vas te retrouver un petit peu dans un bah, avec euh, peut-être des problèmes, des, des douleurs un petit peu chroniques, etc. En disant, bah, je comprends pas. Euh, pourtant, euh, je récupère bien. Euh, regarde mes performances, elles augmentent, etc. Et c'est totalement possible. Mais euh, t'as pas laissé de, assez de temps à ta structure entre guillemets pour, pour récupérer, quoi. Hmm. Bon, tout ça, c'est un peu des défauts. Des, des des... Enfin, attention, c'est plus des débats d'ego finalement que des débats de, de fond euh, sur l'entraînement d'horons. Bah, en fait, enfin, la, la, la plupart du temps. Hein. Clairement, c'est le problème, c'est que moi, je, je réfléchis toujours à OK. Euh, la personne qui regarde ça, euh, comment ça peut lui servir en fait Tu vois, genre les, les mecs qui regardent ces 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 débats, t'en as deux, t'as les gens qui sont là pour le drama et justement euh, qui <laughs> kiffent le sang, euh, <laughs> ça, euh, ce, ce, ce combat d'ego et puis t'as les autres euh, qui disent non mais attends mais qu'est-ce que je dois faire en fait tu vois? Et, et c'est là où je pense que c'est un peu limité euh, sur le côté doron, c'est que c'est que oui. Euh, la littérature montre que c'est possible, on peut le faire, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux mettre en avant de vas-y euh, que les mecs qui débutent, euh, ils, ils, ils disent ouais, on s'en fout de la technique à partir du moment où j'y vais progressivement. Parce qu'un débutant même progressivement, il comprend pas forcément ce que c'est, tu vois. Si tu penses que progressivement, c'est passé de 40 à 60 kilos d'une séance à l'autre, parce que tu dis ouais bah euh, c'est que euh, c'est que 10 kilos en plus de chaque côté. Ouais, c'est que 10 kilos en plus de chaque côté, mais euh, c'est 50% d'augmentation euh, sur... Euh, sur la charge totale, tu vois. Mmh. Donc, c'est clairement pas progressivement, tu vois. Mmh. Est-ce que tu es en train d'augmenter d'un pour cent ta charge par, euh, à chaque fois Il y a peu de gens qui le font. Et puis, il y, y a un autre truc aussi c'est quel intérêt est-ce qu'il y a vraiment un intérêt Alors, tu, euh, savoir euh, avoir un dos qui est fort, qui est solide, tu vois, pour éviter les, les douleurs lombaires, pour éviter de, de, de se faire mal, pour avoir des, un, bon, un bon équilibre musculaire, bon, ça d'accord mais, mais ce qu'il y a d'idéologie, de toute façon. Est-ce qu'il y a besoin d'aller jusqu'à 50, 60, 70 ou 100 kilos en Jefferson Curl, Curl pour avoir un dos qui résiste au quotidien Je pense que si... Tu... Enfin, je sais si, pas, tu, pas, si tu euh, arraches tu... des racines ou des arbres, peut-être, mais... mais... Qui, 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 qui <laughs> arrache des racines des On arbres. est d'accord. Bah, c'est ça, c'est ça. <laughs> non, mais voilà, ça. si c'est juste pour, pour être pour en santé, avoir un, un dos fort, euh, je pense que euh, rien que faire du soulevé terre à 50 kilos euh, gainé... C'est bon, je veux dire, ton dos sera suffisamment fort pour un petit peu les exercices de la vie de tous les jours. Oui, je En pense tant qu'athlète euh, amateur, euh, oui, je sans pense. sans ambition. Bon, sur les études, euh, alors un autre truc aussi, c'est que on, on, je suis un peu parti du principe quand on a discuté euh, que les études, bon voilà, elles montrent des choses, voilà, c'est etc. Mais si on creuse un petit peu cette histoire-là des études, c'est qu'en fait, les études, on a un peu l'impression qu'on peut, peut leur faire dire absolument ce qu'on veut. Que c'est en fonction, tu vas me corriger, tu vas me dire, c'est en fonction de qui fait l'étude en fonction de ce qu'on a envie d'en ressortir, en fonction de comment on l'interprète, en fonction de ce qu'on interprète de celui qui l'a interprété, de ceux qui ont décidé de l'interpréter. Euh, et il y a un truc de dire, tu vois, une espèce d'entité comme ça, les études ont raison, les études ont montré que, ah ok, c'est un peu la parole divine. Et d'ailleurs, c'était euh, euh, un épisode que j'ai fait avec euh, Syllabus, que tu dois connaître peut-être sur YouTube, bon sur YouTube euh, qui, qui, qui est scientifique et qui aime bien les études etc et c'est très intéressant ce qu'elle fait et elle aime bien avec la science apporter des résolutions à des problèmes ou essayer de comprendre un peu comment fonctionne le euh, le, le le monde euh, donc on a l'impression que c'est tu vois quand l'étude a dit que c'est un peu euh, Dieu qui s'est exprimé en exprimant la, la la loi universelle de la réalité tu vois euh, mais quand on creuse dans les études en fait les études c'est un bordel absolu faut savoir les lire faut savoir qui les a fait ben, voilà je me répète euh, est-ce que si on prend ça en compte, on se dit pas merde, ça va commencer à être difficile de, de faire ressortir une vérité finalement ah, C'est pas un travail facile, hein. c'est pour ça qu'on qu simplifie tout ça euh, au sein de, de notre formation Bayesian en fait. Euh, on fait tout ce travail euh, de recherche, d'analyse, euh, d'interprétation. Euh, de... C'est toi qui fais ça C'est moi et puis euh, le reste de, de l'équipe. Euh, donc on a plusieurs chercheurs qui travaillent avec nous au sein de l'équipe bayésienne, ok, et, euh, et on décortique tout ça, on regarde, on analyse toutes les nouvelles, euh, bah on prend tous les journaux scientifiques qui publient, on regarde tout ce qui sort, on regarde ce qui est bon à prendre, ce qui est pas bon à prendre. Euh, Comment tu fais pour savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon? Faut se former avec nous pour pour savoir. Je vais pas te je vais pas tout te donner. Moi, je suis là pour essayer d'en soutirer le plus possible. Non, bien sûr, je rigole. Non, mais évidemment, on va pas faire, on va pas refaire tout bahisien là en un podcast. Non, non, mais non, non, mais c'est tout ce que tu dis, c'est des points valables en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la méthode scientifique, c'est la répétibilité. Putain, j'arrive pas à le dire. Oui. Dans le sens où une une recherche n'est pas suffisant pour prouver un point tu vois c'est est-ce que tu arrives à le à le répliquer en fait tu vois est-ce que répliquer le résultat qui ça. la démonstration de ça. quelque chose c'est pour ça que quand il y a une nouvelle recherche qui sort c'est des informations qui potentiellement nous montrent euh, quelque chose et qui nous nous, nous dirige dans une certaine direction mais tant que ça n'a pas été répliqué, tant qu'il n'y a pas d'autres euh, recherches qui confirment ce qui a été trouvé, ça va être difficile de, de vraiment d'implémenter. Valider, Oui, voilà, c'est ça. Mais alors, combien de fois ça doit être confirmé, validé co À partir de combien d'études bah, qui vont dans le même sens, on bah, considère ça... que c'est une, une vérité absolue Bah, c'est c'est pas facile de répondre à cette question parce que ça va dépendre de la population étudiée, ça va dépendre de de, de quel est euh, euh, quelle est la conclusion en fait euh, par rapport à quoi tu te bases Est-ce que c'est de la nutrition Est-ce que c'est de l'entraînement Est-ce que c'est de la psychologie Enfin, tu vois, il y, y a plein de trucs euh, qu'il faut prendre en compte. Euh, ensuite, après, tu parlais aussi euh, de qui a fait l'étude et tout, parce que ça, ça a son importance aussi, tu vois. Comme tu le disais, euh, malheureusement, il euh, euh, y a des bah il y a des gens qui payent en fait euh, des labos ou des trucs comme ça pour faire ressortir des choses qui vont leur permettre de vendre plus ou de d'appuyer un point qu'ils ont envie de mettre en avant etc et c'est c'est ce côté un petit peu euh, malhonnête qui ternit un petit peu tu vois genre euh, le la méthode scientifique alors que c'est déjà c'est une euh, euh, c'est une minorité tu vois mmh. euh, et mais mais ça existe et ça ça, ça alimente les théories du complot ça ouais bien sûr bien sûr mais en fait c'est des choses qui sont pas forcément difficiles à avoir, en fait, dans le sens où euh, la plupart des gens qui sont sérieux aujourd'hui, quand ils publient euh, une recherche, ils publient aussi toutes les données euh, qui, sont, euh, qui sont analysées dans la recherche. Et en fait, ça permet à d'autres chercheurs indépendants ou d'autres euh, équipes de recherche de réanalyser, en fait, les données mmh. et de voir si, comme tu disais, les conclusions et euh, les interprétations qui ont été faites à partir de ces données sont justifiées. Okay. parce qu'en fait, il y a, y a un gros truc euh, qui est incompris euh, dans le cadre de de l'approche evidence-based, donc euh, science-based, qui est basé sur sur la science et les données. C'est que c'est beaucoup de statistiques en fait. Okay. tu prends beaucoup de points d'entrée, tu t'essayes d'avoir un maximum de données sur un sur un sujet, et ensuite tu viens analyser tout ça, tu viens euh, faire des interprétations, etc. Et à partir de ces interprétations, tu vas tu viens faire des conclusions et potentiellement prendre des décisions, donner des directives, etc. Tu vois et et aujourd'hui encore une fois les gens qui sont sérieux ils donnent tout ça à disposition et, et il y a souvent des revues en fait euh, tu vois genre euh, de de certaines autres personnes pour valider en fait euh, les choses quand c'est beaucoup plus opaque quand c'est genre ouais ben on a trouvé ça mais euh, non, euh, on peut pas partager les données, etc. Bah ça, c'est un petit peu euh, red flag, tu vois. On dit ah, pas transparence. On se dit qu'est-ce qu'ils ont à cacher. C'est ça. Euh, pareil pour euh, les la transparence au niveau de, des fonds qui ont été, euh, tu vois, genre euh, qui a payé pour l'étude, etc. C'est des trucs euh, mm -hmm. donc, euh, qui encore une fois qui sont. On va pas parler des vaccins. <laughs> ouais. Ça c'est ça c'est super intéressant. Euh, tu ah, sais, bah, que... je sais bah, tiens, je vais je me le noter. Tu sais que par rapport à ça, c'est euh, euh, on n'a jamais vu autant de. Euh, je ne sais plus comment. Le problème, c'est que je travaille beaucoup en anglais et qu'il y, y a pas mal de termes français qui me qui par, parfois. Mais oh, euh, on, on va dire on va dire, oh, il fait son Jacques claude devant le, ça. Là, non euh, Mia euh, <laughs> Mihafray. Mia la référence <laughs> est encore meilleure. Mia Fry. <laughs> euh... euh mais en fait, il euh, y, a, y a plein d'études qui ont été euh, retirées en fait euh, bah, des euh, suites, tu vois, genre à l'évolution un petit peu de, de, de tout ce qui est euh, vaccins, augmentation des, des, euh, des morts euh, sans explication sur certaines démographies de la population, etc. Ça fait beaucoup de bruit en, en Australie d'ailleurs en ce moment parce que les populations vaccinées étaient proches des 95% un truc comme ça et il y a plein de trucs qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Enfin bref, euh, on se on part un petit peu du sujet non, de je, base. Je, je me note sur le côté, on y reviendra plus tard si il y a besoin. Ouais, ouais, ça, ça sera intéressant. Euh, mais, euh, donc... Oui, les études, les interprétations des études. Ouais, bien sûr, mais c'est... Les revues qui, qui ouais, qui publiques qui sont transparentes. Ouais. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à... à... Euh, en fait il y, y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas en fait dans le dans la structure de comment est publiée une étude euh, revue par les pairs euh, que c'est publié dans un journal scientifique qui est euh, tu vois qui a un certain euh, une certaine note en fait de de sûreté entre guillemets par rapport au, au à ce à ce qui est publié euh, tout ça c'est des trucs qu'il faut prendre en compte quand tu quand tu regardes une recherche et effectivement après euh, le, le plus gros qu'on voit aujourd'hui c'est les interprétations un petit peu à la va vite de euh, j'ai lu un titre, j'ai lu une conclusion, ça va dans mon sens, donc je le mets en avant et et les personnes ne vont pas regarder justement les détails de la de de l'étude. Moi, le, le truc qui m'a le plus euh, chagriné <laughs> ces dernières années, c'est qu'il y a une équipe française qui a sorti euh, une recherche épidémiologique sur euh, les édulcorants et euh, en gros euh, le titre c'était euh, la consommation d'édulcorants euh, augmente le risque de cancer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bah, j'ai essayé de contacter l'équipe. En plus, ils français. Je me suis dit, trop bien, on va pouvoir faire un podcast ensemble. On va pouvoir regarder. Et parce que tu y croyais, ou c'était quoi? Quel, quel objectif t'avais sur ce, ce contact? Bah, pour moi, ça allait à l'encontre de toute la littérature scientifique. Ah, euh, Tu voulais les confronter? Ah, bah oui, de fou. Okay. Euh, et, et en fait, la plupart des, des chercheurs, ça, c'est des trucs que les gens comprennent pas. Mais euh, nous, avec l'équipe, on échange souvent, tu vois, avec euh, des gens qui publient. Parce que c'est des gens qui sont intéressants, euh, intéressés, euh, qui, qui veulent euh, justement débattre potentiellement de leur travail. qui sont passionnés par leur truc. En vrai, tu fais pas de la recherche aujourd'hui si n'es pas passionné, parce que c'est tu fais pas beaucoup de thunes, hein, euh, Clairement en, en tant que chercheur. Tu n'as pas beaucoup de reconnaissance non plus. Ouais. Tu e dans l'ombre. Euh. Exactement, tu vois. Donc c'est pas toujours... de reconnaissance, pas d'argent. <laughs> ouais. Donc c'est toujours cool. Tu On vois. De... Il de, de vouloir continuer. <laughs> de d'échanger avec eux et euh, et donc j'ai contacté. La passion euh, quoi. J'ai contacté l'équipe etc. Zéro retour tu vois. Genre et pourtant c'était pas une attaque hein. c'était vraiment genre ouais j'étais euh, vraiment intéressé par par votre étude j'aimerais bien qu'on en parle ensemble pour voir potentiellement les limites euh, ou, ou les choses dont on peut discuter et, et ouais pas de réponse tu vois bah, pas le temps ils sont pas ils sont occupés ils ont pas le temps de de faire un podcast avec un youtubeur euh, mais mais enfin tu vois genre euh, avant, je, je avant donne de, la version qui pourrait euh, qui, avant qui avant, de faire, avant de faire le podcast t'as aussi juste un échange mail tu vois genre même pas une réponse de mail genre je suis j'ai pas le temps genre non pas et j'ai j'ai tout essayé j'ai essayé Instagram mail enfin euh, pour essayer de, parce que je pensais que ça allait être vraiment très cool et donc tu vois c'est c'est ça qui m'embête un petit peu tu vois c'est que du coup je me dis bah c'est quoi c'est tu sors une recherche comme ça et du coup tu fais vachement polémique tu sais que ça va faire beaucoup de bruit et potentiellement, euh, tu vois, genre, euh, avoir beaucoup de traction vers, vers ton travail, etc. Euh, euh, faire de la pub, en fait. Euh, et oui, bah, c'est quoi la conclusion finalement C'est que euh, l'étude était biaisée euh, qu bah, Qu'est-ce qu que toi tu dirais bah, En fait, c'est ça qui est super important, euh, intéressant avec euh, ce genre de choses. C'est que je ne dirais pas que l'étude est biaisée. C'est juste que, en fait, euh, l'interprétation des résultats, euh, malheureusement, est, est trop. Euh, euh, en fait, c'est que oui, tu, tu vas voir que les personnes qui consomment euh, potentiellement des édulcorants ont un risque de cancer plus élevé. Mais en fait, tu sais, tu peux pas dire si c'est euh, une causalité ou euh, tu vois, c'est-à-dire que c'est parce qu'ils consomment des édulcorants qu'ils ont un risque plus élevé de, 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 oui, de, de, cancer. de, de cancer ou, euh, ou c'est parce que il euh, y a plein d'autres facteurs confondants qui rentrent en jeu. Et qui vont affecter en fait ça parce qu'en fait c'est une recherche épidémiologique donc en fait ce qu'ils font c'est que euh, ils regardent en arrière ce que les personnes elles consomment quelles sont leurs habitudes etc et après ils drivent des conclusions à partir de ça mm -hmm. mais c'est pas euh, c'est pas deux personnes c'est pas comme s'ils avaient pris des jumeaux oui, et qu'il et qu y en a un qui prend des ailes du pendant des années, et puis l'autre non, et puis à la fin on fait le bilan, quoi. Et la réalité, c'est que souvent les gens, malheureusement, qui consomment des ailes du Coran, c'est des gens qui sont souvent en surpoids, donc qui sont conscients, en fait, du fait qu'ils doivent perdre du poids. Donc quand es en surpoids, généralement, c'est que, malheureusement, ça s'accompagne d'un mode de vie qui est pas toujours sain. Euh, des habitudes alimentaires qui sont pas toujours saines. Et tout ça, ça peut être, euh, tu vois, confondant sur euh, la conclusion de, ah oui, bah, c'est juste à cause de l'édulcorant ». Non, ça se trouve, c'est parce que aussi, euh, il y a d'autres euh, choses. choses à prendre en compte, en fait. Et c'est ça qui est intéressant de discuter, tu mmh, C'est d'arriver à trouver le, le, la causalité. de, de et, si et, et pour si moi, vraiment, une conclusion de genre, bah, c'est ça, c'est un parti pris, tu vois. Les, tu peux nous rappeler un peu ce que, ce que sont les édulcorants euh, les... Comme Alors, ça, parce que comme ouais. ça, tout le monde se dira, ce que j'arrête d'en prendre. Enfin, Alors, ouais. tu as des édulcorants euh, euh, naturels, donc euh, par exemple du miel, du sirop d'érable, des choses comme ça qui te permettent d'édulcorer, de, de sucrer, en fait... De euh... donner du goût Ouais. ouais C'est juste ouais. du sucre. C'est juste le goût C'est côté... plus le, le côté sucré. Est ouais. sucré. Euh, et après, tu as des édul édulcorants euh, artificiels, euh, qui sont euh, l'aspartame, le sucralose, mmh. la stevia. Euh, monk fruit, monk fruit extract euh, qui <laughs> bon appétit, <laughs> bon appétit. Euh, qui te permettent de dédulcorer une boisson sans calories en fait. Donc là on alors, en parle fait, vraiment le, ben, le coca Zero quoi. Ouais coca zéro par exemple. Ouais. C'est incroyable, c'est incroyable. Euh, alors deux choses sont incroyables. Le goût okay. Coca-Cola Zero, Alors moi je suis pas fan du tout. Hein. J'aime pas, enfin je suis pas, je suis pas en boire mais je veux dire j'aime pas ça, j'en prends jamais. Mais par contre le goût c'est le même que le Coca-Cola. Est, tu te dis, c'est quand même incroyable d'avoir deux mêmes boissons qui, sont, qui ont exactement le même goût. Il y en a une, elle a zéro calorie, l'autre, elle a, elle, a, elle a des calories. C'est fou. Euh, ça, c'est le premier truc que je trouve ouf. Et le deuxième, je l'ai perdu en cours de route. Donc, on va rester sur, <laughs> on va rester sur le premier. Euh... Bah, c'est la beauté, en fait. C'est ouf, quoi. Et, mais tu vois, il y a plein encore d'idées reçues. Donc, euh, j'ai fait une vidéo YouTube euh, là-dessus, euh, mais... Euh... Tu vois, tu as, as des gens encore qui disent, ouais, euh, attention aux édulcorants parce que ça va créer un pic d'insuline même s'il n'y a pas de sucre, etc. Et tu dis, mais t'as rien compris en fait. Parce que si tu penses ça, euh, alors que les édulcorants à la base ont été euh, mis en place en particulier pour les diabétiques, tu vois, pour leur permettre de, de consommer des, des boissons sucrées, il n'y a pas de sens, tu vois. Un diabétique qui va pas prendre une, une substance qui va justement lui créer un, un pic d'insuline, tu vois. C'est complètement délirant. Euh, euh, moi, je serais plus, tu vois, de de, 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 me, de me placer d'un côté un peu plus naturopathique. Je ne suis pas du tout naturopathe. Hein. Voilà. Mais de me dire, euh, ok, peut-être c'est très bien, l'édulcorant c'est mieux que le sucre parce qu'en fait, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de truc insulinique. Ok, bon, très bien. Ouais. Mais enfin, est-ce que c'est mieux que l'eau Mais non, mais je prends du recul et je me dis, attends, 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 attends. est-ce que juste on peut prendre du recul et se dire, une boisson qui a un goût de sucre et qui ne contient pas du tout de sucre, elle est où l'arnaque Il est où l'effet secondaire elle est où, la conséquence Est-ce que tu te brosses les dents Jamais. OK. <laughs> bah pour les gens qui se brossent les dents, il y a des édulcorants dans les, dans les dentifrices. Pourtant, ils ne sont pas en train de flipper tous les jours à chaque fois qu'ils se brossent les dents, deux à trois fois par jour. Mais tu les avales pas. Ils ne rentrent pas à l'intérieur de, de, du sang, des cellules. Ouais, mais ou quoi alors... Quoi alors déjà, non, mais... Excuse-moi, juste, je termine. La question, sous, la question qui, qui, qui suit, c'est quelque chose qui ressemble exactement à une chose délétère qui en a mais non mais oui je veux dire elle est, elle est où l'arnaque ou euh, c'est même pas l'arnaque c'est euh, c'est comme les médicaments je veux dire, il y a des effets secondaires il y a des effets indésirables il y a des trucs alors on essaie de les limiter mais quelque chose qui a exactement le même goût que le sucre et qui n'a pas qui n'est pas du sucre il faut s'attendre à quoi derrière tu vois c'est un peu comme la cigarette électronique, hein. euh, Je veux dire, c'est absolument formidable. Les gens, non, non, mais les, les, les gens euh, fument Se quelque chose qui ressent... Moment, mais... Qui... Attends, mais je, je, je vais jusqu'au bout du truc. Je veux dire, ça paraît absolument formidable. C'est-à-dire que tu as le même geste, euh, tu as la même sensation, sauf qu'il n'y a absolument pas de produits. Il euh, euh, y a pas, il a pas de, alors tu peux les choisir sans nicotine. Il n'y a pas de produit de combustion, signal, etc. Euh, moi, je suis toujours en train de me dire, je, quand c'est trop beau. C'est qu'il y a une arnaque, et peut-être que dans 20 ans, on comprendra l'arnaque que ça a été, tu vois. Et peut-être les éducants, je me dirais la même chose, je me dirais, mais comment c'est possible que ça soit exactement pareil, que ça offre le même truc dopaminergique, euh, le même goût, la même sensation, euh, et qu'au final, ça soit du vent C'est ce quand même très bizarre. En fait, ça revient à comprendre les mécanismes de, du. Et c'est peut-être ce... parce que je ne les ai pas compris, justement. Ouais, mais c'est pour ça que, tu vois, toujours à chaque fois, c'est ça, c'est quand tu comprends pas quelque chose, il faut essayer de repartir sur les bases. Et, et, et de comprendre le fonctionnement du truc avant, tu vois, de, de, de partir sur des conclusions. C'est genre, OK, qu'est-ce qui crée, en fait, euh, cette sensation sucrée dans la bouche ben En fait, sur euh, dans ta langue, en particulier euh, sur l'avant de ta langue, tu as des récepteurs de sucre, en fait. Mm -hmm. Et la plupart de ces édulcorants de, de synthèse, en fait, ils vont venir stimuler ces récepteurs et ça va t'envoyer un, un message au cerveau sur le fait que ce que tu es en train de consommer, c'est sucré. OK Mais. En fait, c'est c'est juste ça et en fait le sucralose, c'est une molécule qui est super proche euh, du sucrose donc le sucre de table en fait. Le seul truc c'est que ça n'a pas de calories. Donc ça vient euh, impacter tes récepteurs de la même manière donc tu as l'impression que c'est sucré mais pourtant tu les ingères et ça n'a pas de calories en fait. Donc ça passe à travers toi et tu les pisses ou euh, sans tu vois genre sans problème. Après il y a plein de il y plein de il y a plein d'édulcorants différents comme comme on l'a dit et chacun va être spécifique et chacun va avoir potentiellement des effets et des effets secondaires spécifiques, en fait, tu vois. Ce qui est souvent intéressant, c'est que ce qui est mis en avant, c'est souvent, ah, bah, la stevia, c'est naturel parce que ça vient d'une plante, etc. Alors, mmh. la réalité, c'est que entre la plante stevia et l'édulcorant stevia, bah, il y a plein de processus un qui sont pas si naturels que ça. <laughs> mmh. Et surtout, la stevia, ce serait potentiellement le seul édulcorant qui a un impact. Alors, j'ai pas dit un impact négatif, j'ai dit un impact sur le microbiote intestinal parce que ça, ça impact mais comme, pas mal de. Enfin, pratiquement tout ce que tu manges, en fait, a un impact. Est-ce que c'est un impact positif ou négatif On ne sait pas trop, mais on voit des changements. Alors que les autres euh, édulcorants comme l'aspartame ou le sucralose, n'impactent pas, en fait, le microbiote euh, euh, intestinal. Euh, c'est. Pour ça que généralement ils sont plus utilisés ou enfin il y, y a aussi le goût de la stevia il y, y a un peu d'amertume sur la stevia que, que les gens aiment pas trop le sucralose c'est vraiment le pour moi le l'édulcorant magique parce que c'est vraiment comme du sucre en fait c'est ce qu'il y a dans le coca zéro euh, alors ça c'est intéressant mais ça dépend des pays euh, et généralement c'est un mix de sucralose et K. donc c'est les deux les deux édulcorants qu'ils utilisent à l'intérieur pourquoi ils en utilisent deux je sais pas mais ce qui est intéressant par contre, c'est que le, le Coca-Zero a justement été introduit pour changer un peu le côté marketing, parce que le Coca-Light, c'était un peu trop... Euh, c'est surtout. <laughs> bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, euh, c'était un peu trop à destination des femmes, donc euh, ils avaient du mal en termes de marketing à vendre du light euh, aux hommes parce qu'ils disaient ouais bah je suis pas une meuf et tout. C'est ouais, vrai, coca. Pas Voilà, c'est ça. C'est pour ça que le coca zéro. histoire peu... de masculinité. Toxique. Ouais. Et c'est pour ça que tu peux encore acheter les deux hein, d'une certaine manière. Le light existe toujours. Ouais, ouais, le light existe toujours. J'entends que j'ai pas eu. Et le sucralose, ça a été aussi un. Euh, euh, Lancé pour justement euh, euh, le sucralose, en fait. Parce que c'était vraiment une copie du coca. Et c'est difficile de différencier un coca normal d'un coca euh, zéro, zéro, parce que ça utilise justement le sucralose. C'est incroyable. Et c'est à se demander, mais le coca va disparaître, finalement. Parce que si euh, les deux, l'une est sucrée, l'autre non, et que c'est exactement le même goût. C'est que je parle. Oh, bon, ben, terminé, le coca normal. Euh, J'ai un, un peu plus. Euh, de, de, là. Guillaume qui a, qui a fait une transformation euh, extraordinaire juste en, en arrêtant de boire. Enfin. Pas en arrêtant de boire du coca mais en passant du coca classique sucré avec les calories à du coca zéro et il a perdu je crois 30 kg un truc comme ça donc euh, incroyable et, et en fait j'en parlais avec lui et, et il me dit bah je kiffe le coca zéro etc mais il me dit il y a quand même une différence et je dis mais mais sur un blind test arrive à dire il me dit oui en fait c'est la sensation en bouche et, et ça je pense que c'est vrai c'est que vu que tu as du sucre ça, au niveau de la sensation en bouche et le résidu que tu as sur tes dents, etc. Mmh. est pas le même entre du coca zéro et du coca normal. Mais après, en termes de goût, c'est trop difficile, à mon avis. Les gens qui disent, ouais, moi, j'arrive à faire la différence, etc. C'est genre, OK, fais un blind test. Ouais. Moi, ce que je fais, généralement, c'est que je fais un blind test et je leur mets que du coca zéro. Entre, euh, je mets quatre verres. Du ouais, toi, que... t'es un de scientifique, <laughs> Tu sais exactement comment les avoir. C'est ça. Et je mets quatre <laughs> et je mets quatre verres de coca-coca zéro. Et après, ils me font ouais, bah celui-là c'est du coca normal. Et ils sont sur deux, etc. Et je suis une ah, Tu les, je les fais, pièges. Bah non, en fait, il n'y en avait pas. <laughs> ah. Mais ça veut dire que l'étude sur les édulcorants dont, dont tu faisais part, euh, elle n'est ouais. pas entièrement fausse, puisque s'il y a plusieurs types d'édulcorants, il y en a qui sont plus mauvais ah, pour ça. la santé. Et toi, ce que tu voulais leur dire, c'était. Euh... Non, certains, non, non 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 là, non Là je te parlais de de toute la littérature scientifique. C'était pas juste basé sur euh, leur recherche, mais leur recherche elle est intéressante parce que c'est un point de c'est un point d'entrée. C'est des données et tout qu'ils ont qu'ils ont. Et en vrai, euh, euh, la manière dont ils ont mis en place euh, le, la recherche était très bien faite. Moi je trouvais tu vois. Mm. Genre euh, ils ont vraiment poussé le truc. Euh, ils ont été super sérieux sur euh, la récupération des données et tout. C'est pour ça que je pensais vraiment qu'on allait pouvoir avoir euh, une discussion avec eux. Euh, c'est juste pour moi ce qui m'embête, c'est l'interprétation et la conclusion de l'étude, Qui sont très, cas, alarmistes, va, va trop, ouais. très alarmistes. Il va trop, Très alarmiste, il faut bien en faire, faire parler. Ouais, c'est ça. Mais, mais du coup, ça, ça dessert desserre un petit peu, à mon avis, tout leur travail, tu vois. Et il a été vachement critiqué par. Euh... C'est qui, qui, qui qui en a fait ça euh, Je me rappelle plus. Il faut que. Oh, c'était l'année dernière. J'y crois pas. <laughs> c'est pas grave. Euh, tiens, j'ai vu récemment sur une autre historique, c'était relié à l'Inserm. Euh, très bien. Ouais. Euh, bon on leur passe le gougou -gou. euh, oui, t'as une petite dent aussi contre Anthony Bourbon le mec de Fid oui ah celui ah qui a ouais, fait Fid ouais, euh... ah ben je sais tout j'essaie je, je de toujours taper au bon endroit si t'as pas envie d'en parler on en parle pas non hein. non pas du tout pas du tout moi j'ai pas Et de en fait, bah, y a pas de tabou euh, et pour être honnête, euh, ben je savais pas. Et tu vois, ça me fait, ça me fait me dire que dans le milieu scientifique des preuves et de la, enfin, je veux dire il y a énormément de conflits scientifiques. At... Hein, non, non, non. Oui, oui bien sûr, non. Mais là, je, je parle uniquement de toi. Du fait d'avoir des, des choses, des, des choses à dire. Enfin, il y a un paquet de conflits d'intérêts. J'imagine que euh, ton histoire avec euh, avec cette étude-là, enfin, ton, ta non-histoire finalement avec euh, l'étude des élus du Coran c'est pas la première fois. Quand tu es confronter ou quoi, c'est qu'il y a il y, y a des conflits il euh, y a des intérêts sous-jacents des choses comme ça euh, qui fait que tu dois te mettre du monde à dos ouais après c'est peut-être une erreur que j'ai faite euh, c'est que euh, bon, ça c'est un petit peu peut-être mes problèmes perso mais j'aime pas trop tu vois genre me mettre euh, trop de gens à dos tu vois euh, c'est bah pas plus mal hein. ouais c'est mais le, le truc c'est que sur les réseaux c'est ça marche vachement de, de créer de la tu vois de la polarité et tout euh, après euh, voilà, sur, sur, sur certains trucs comme ça, là, euh, clairement, j'ai mis des tirs parce que ça me. Ça me Ça, ça m'énerve, voilà. C'est quoi le problème avec feed alors euh, Parce que. Alors, feed, ce sont les bars. Euh, alors, à C'est pas, pas protéiné. Hein. Ah, si, à la base, c'était oui. un. Le, le tout premier produit, en fait, c'était des, des boissons oui. euh, qui étaient censées remplacer un repas, en fait. Oui, Et qui, en gros, qui contenait euh, tout, quoi. C'est ça, voilà. C'est ce qu'ils vendaient, c'était qu'en fait. Tu pouvais consommer euh, ces boissons, euh, remplacer un repas, et c'était aussi bien parce que euh, tu avais toutes les vitamines, que tout était sain. Macro, que... nutriments. C'est ça. Et en fait... Le, le futur, quoi. Ouais, c'est ça. C'était juste une copie d'un produit qui existait déjà aux États-Unis. Euh, je, je me rappelle plus comment ça s'appelait, euh, le premier produit qui était sorti comme ça. Euh, et en fait, en gros, euh, le produit, c'est euh, de la farine d'avoine... Euh, quelques protéines de poids euh, des graisses végétales et euh, des additifs euh, de vitamines etc. Et ils te vendent ça, euh, la poule aux odeurs. Alors que en gros, euh, bah, la, la vidéo YouTube que je faisais, c'est que je présentais ça et je montrais en, en, en quoi, euh, ok, enfin tu vois genre ça marche, mais c'est clairement pas qualitatif et surtout ça vaut pas le, le prix auquel c'est vendu. Et, et leur, leur marketing est super bien ficelé, mais c'est pas du tout euh, un produit, euh, tu vois genre. Euh, je montre à l'écran là pour ceux qui regardent ouais. sur, sur la vidéo. Donc après, c'était vraiment le premier produit. J'ai pas suivi leur évolution. Je sais qu'ils ont plein de produits différents maintenant. Qu'ils ont une, une grosse gamme de produits parce qu'ils ont réussi à se développer et tout. Mais euh, mais en gros, c'est ce que je mettais en avant dans la <laughs> dans la vidéo et je faisais une comparaison sur le fait que la composition était proche de Coco Pops en fait. Et pourtant, les gens ils regardent pas les Coco Pops comme euh, un produit qualitatif, tu vois. Coco, Coco Pops ou Choco Pops. Ouais, Choco Pops ou Coco Pops, euh, <laughs> je sais plus. Attention, attention, attention. Je crois, je crois que c'est Choco, Choco Pops en France et Coco Pops euh, à l'étranger. C'est quoi, c'est les céréales, quoi Ouais, c'est ça, les céréales Kellogg's. Les Kellogg's, ouais. Ah oui, bah t'as raison, c'est peut-être Coco. Ah, ah oui, il y a Choco ah. et Coco Bell, les deux, tu ah. vois. Voilà, j'ai toujours raison, Jérôme. <laughs> <laughs> je rigole T'as toujours raison, <laughs> sauf quand je décide euh, que c'est pas le cas, puisque ça, ça sera coupé au montage. <laughs> non pas du tout, rien n'est coupé. Ça non, il y a les deux, il y a les deux. <laughs> Mais qui, euh, et le, le niveau de. de et en fait, euh, <laughs> quand j'ai sorti la vidéo, euh, bah, en fait, j'ai reçu des mails de menaces de, de feed et en particulier de de cette personne, euh, et j'ai même été assigné en référé pour euh, sorti, pour euh, enlever la vidéo. Et à l'époque, il y avait aucune vidéo qui critiquait Phil parce que je pense qu'ils attaquaient tout ce qui sortait de négatif sur la toile, tu vois. Euh, donc ça, ça m'a un petit peu embêté parce que sous la pression, j'ai dû enlever la vidéo parce que franchement, j'avais pas envie de partir en procès avec une entreprise, tu vois, genre. Mais est-ce que ce que tu disais était faux Non. Bah alors, techniquement. Ouais, mais enfin c'est un processus, c'est de l'argent engagé, euh, c'est du temps euh, que j'avais pas forcément envie d'investir là-dessus, tu vois. Et c'est le c'est la loi de la censure en fait, tu vois. parce que si c'est souvent les gens qui ont plus d'argent, euh, ils, oui, ils peuvent sûr, censurer, sûr, tu vois. Bien sûr, c'est un peu David contre Goliath de toute façon, ouais, ouais, carrément. Parce que même si admettons euh, tu te défends, tu prends un avocat, tu payes des milliers, et des milliers d'euros pour euh, pour cette ouais, histoire-là et que, que tu gagnes, en fait ils te remboursent tes frais d'avocat. Mais je me demande quand en, ensuite tu peux pas les. Ouais, et puis surtout en attendant, euh, t'as pas le droit de garder la vidéo en ligne, etc. Ouais, ouais c'est compliqué. Et, et lui, donc lui, lui, euh, est... finalement t'as bien la vidéo quoi. Ouais c'est ça et après j'ai même eu des gens euh... Euh... ouais non je vais, je vais pas parler de ça, ça ça me fout dans la merde <laughs> Je coupe t'inquiète je coupe près. Dis-moi tout. Non non ça je peux pas. <laughs> même pas un, même pas un indice. En off si tu veux. Ok mais bah, ça y est on est en off là. <laughs> non, je ne <le> crois <laughs> pas du tout. <laughs> Bon, ok. Et t'as jamais eu l'occasion d'en euh, parler avec, euh, avec lui, de l'avoir en contact ou même des équipes euh, non, euh, quelques, quelques euh, mois, quelques euh, années plus tard J'ai hein. vu, vu qu'il a eu une réussite, euh, une très belle réussite dans l'entrepreneuriat. Euh, je sais que j'ai même des amis, tu vois, genre entrepreneurs qui sont allés le voir et qui, qui étaient très impressionnés par ce qu'il avait à présenter, etc. Donc, euh, je pense que euh, il est sans doute très fort dans, dans ce qu'il fait, mais, mais euh, voilà, pour moi, je ne pense pas que c'est. Quelqu'un d'honnête, je pense pas que c'est quelqu'un qui a une approche, tu vois, de bienveillance. C'est quelqu'un qui a une approche euh, business pure, euh, euh, money making. Euh, à, tu vois, genre euh, coûte que coûte, en gros, d'une certaine manière, ce qui fonctionne super bien quand tu de d'être euh, entrepreneur business. Mais euh, mais voilà, au coup, enfin, tu vois, genre euh, c'est, je, je sais pas. Et même toute son histoire, il y a, y a des trucs, moi je, c'est quoi, je quoi qui un peu en cause. Toi, c'est quoi qui te qui te façonne euh, ou qui te guide C'est la recherche de vérité, euh, c'est euh, c'est la science, c'est le c est, c est qui a raison euh, parce que là tu ouais, c'est euh... la santé, c'est ça, c'est que les gens aient accès à la santé et accès euh, à l'information. C'est quoi qui te guide, qui te lead Bah moi c'est euh, tu vois c'est un, un truc que je me suis souvent posé mais en vrai la réalité c'est euh, c'est aider mon prochain en fait d'une certaine manière tu vois c'est impacter les gens positivement pour euh, leur permettre de euh, pas forcément faire les erreurs que j'ai faites pas perdre le temps etc c'est vraiment ça qui m'anime c'est comment est-ce que je peux avoir un impact positif sur un maximum de personnes en fait c'est c'est le seul truc qui m'anime parce que c'est le seul truc qui me rend vraiment heureux tu vois genre quand j'ai j'ai une discussion avec quelqu'un et que elle me dit que j'ai eu un impact positif sur sa vie ça c'est c'est beaucoup plus fort pour moi que euh, un gain monétaire ou quoi que ce soit tu vois quelque chose qui est qui est passager l'argent ça vient ça va tu vois genre c'est c'est quelque chose qui aide au quotidien clairement je je vais pas le je vais pas le nier tu vois genre quand t'as de la thune c'est la vie est plus facile mais est-ce que ça te rend heureux non je je pense pas tu vois c'est quoi les erreurs que tu as fait tu me dis j'ai pas envie que les gens ils fassent les mêmes erreurs que moi bah, par exemple plus bah tu vois genre en termes de fitness euh, au début euh, moi j'étais j'étais un peu un petit gros tu vois euh, en grandissant et euh, et du coup je voulais perdre du poids euh, ça a pris du temps avant que je comprenne euh, que en fait c'est pas si compliqué que ça tu vois quand tu quand tu comprends les bases de les nutrition et je me tuais à faire du cardio comme un ouf tu vois j'allais courir je faisais du RPM 7 fois par semaine et tout c'est bien pour la dépense calorique alors oui mais si tu fais rien euh, au niveau de ta nutrition en fait tu te tu te crames quoi tu vois et tu perds du temps en fait des trucs que j'aurais pu faire tu vois genre ça m'a pris des années alors que j'aurais pu le faire en quelques mois tu vois et être beaucoup plus satisfait beaucoup plus vite et tout comme quoi par, par exemple bah je te dis revoir ma nutrition tu vois genre euh... concrètement euh, c'est quoi arrêter le coca zéro ah ben non il y a pas de calories non mais à, à l'époque j'avais vraiment pas, euh, pas de connaissances donc je ne comprenais pas le concept des calories tu vois donc euh, pour moi, à partir du moment où tu faisais du sport, bah ça voulait dire que mmh. potentiellement tu t'avais perdu du poids. Et je comprends. Et il y a aussi ce côté de, euh, tu vois, genre c'est pas parce que tu manges sain que t'es forcément en déficit calorique et que tu vas perdre du poids aussi, tu vois. Donc il euh, y, a, y a, tous ces trucs de base. Euh, tu vois, je, je faisais du RPM, donc euh, RPM c'est c'est du vélo indoor, indoor cycling là sur de la musique et tout. Ouais. C'est vraiment physique. Ah bah ça t'en fait dépenser des calories. Mais c'était mardi. Et mardi c'était pizza étudiant chez Domino's. Euh, Domino's <laughs> n'importe quoi. Chez Domino's. <laughs> Domino's c'est des cadavres. Oui exactement. exactement. Mais c'est pas loin. Hein. Et du coup j'allais me do... faire une pizza parce que je me disais ouais non mais je me suis éclaté là. Je, je peux je peux manger une pizza tranquille. Ça j'ai perdu du poids les tu vois. Les calories que avais Ouais qu avais mais, mais sans doute plus tu vois par rapport à ma dépense calorique. Parce que j'ai dû dépenser peut-être 400 calories euh, 500 calories sur ma sur ma séance. Peut-être sur, sur le vélo de, pendant ouais, une heure pas. là. Oh, plus que ça non. Non. Calories, ah non, je t'assure. Et t'en un, Je t'assure, un effort intense, c'est 0,1 calories par gramme, par kilo de poids de corps, par minute. Mais, Nevin, la science ne dit pas oui. que euh, même quelques heures après, tu continues à brûler des calories L'époque. <laughs> euh... Je sais pas, c'est quelque qu'on entend beaucoup aussi. Ça. Ouais, l'époque. Euh, je... E, -P -O -C, euh, je me rappelle plus euh, pourquoi pour c'est le cycle. C'est un truc qu'on débug dans, dans, dans Bayesian pour montrer que c'est tellement marginal que tu peux pas le prendre en compte, en fait. De quoi La, la dépense calorique post-entraînement Ouais, c'est ça. C en, que, en fait, le, c c le délai… C réel, en euh... fait. C'est réel, ouais. mais euh, ça va. Enfin, c'est l'histoire de, de quelques dizaines de calories, en fait. Donc, euh, c'est. OK, parce que ça je pense que c'est même dans le crossfit ou dans le bah, tout ce qui est les activités hit, ça a beaucoup été utilisé comme argumentation, ouais. c'est de dire ouais, bah, vous faites un entraînement qui va durer euh, 15-20 minutes extrêmement intensivement, extrêmement intensif et euh, vous allez continuer de voilà, de la vous graisse, allez brûler de la graisse dans les heures qui suivent parce ouais. qu'en fait euh, vous avez tout activé le, le métabolisme ouais. etc C'est un argument euh, devient une fournaise à brûler des calories, tu vois. Ça donne, ça, envie, ça, ça donne envie. Hein. Ouais, ça donne envie, malheureusement. Et surtout pour 15, 15 minutes d'effort par jour, tu te dis euh, pourquoi s'emmerder à faire une heure et demie de sport Bizarrement, euh, l'athlète moyen de CrossFit ne ressemble pas euh, au mec des CrossFit Games. Tu dures. Réaliste. J'aimerais bien pouvoir le montrer à l'écran, mais ça, ça va être <laughs> difficile de taper athlète euh, CrossFit moyen. <laughs> bah, image. dans n'importe quelle box de CrossFit, hein, tu vois. As... Oui, bah, comme en salle de sport. Hein. Ah ben bah, écoute, mais je, je, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Ouais. Mais souvent quand tu parles au, au... Ah, j'ai rien contre le crossfit. Hein. Vraiment, et, et donc je... ça c'est véritablement une connerie de se dire euh, un entraînement très très intensif euh, ne va pas, ça va, ça, ça, ça pas un impact euh, énorme sur le, tu vas pas transformer en fournaise dans les dans l'heure qui suit quoi. Ah non, ça, ça t'imagines. Si tu pouvais faire 15 minutes de cardio hit et en fait ça équivaut à à une heure. À, à une heure, enfin, euh, tout le monde ferait ça en fait, d'une certaine manière. Mmh. Ça, pas éco... ça place le huitième. Hein, moi, j'en fais. Hein. T'as écouté l'épisode que j'avais fait avec. Euh... Alors, je pense pas. Euh... Je sais pas si t'apprendras beaucoup. Tu dois. Mais si si, t'apprendras des choses euh... avec Jack. Jack Steam. Tu vois qui c'est? sur euh, quelles sont un peu les, les, meilleures, euh, les meilleures méthodes pour perdre du poids, mais on, on s'est vraiment orienté sur la discussion sur euh, euh, les différentes zones, tu vois, zone 1, zone 2, zone 3, okay. zone 4, euh, sur la manière de faire du sport pour purer des calories et, et comment, comment faire en sorte qu'il euh, euh, y ait une bonne adhérence aussi, tu vois. Euh, C'est vraiment intéressant. Euh, on parle de tout ça, on hein, autour. Tout, tout ça, c'est sans doute intéressant. Je sais pas, j'ai pas entendu le, le podcast, mais... Qui, qui marche très fort, d'ailleurs. Et juste, rapidement pour les auditeurs, euh, il marche très très fort cet épisode, vraiment à long terme. Et, euh, et j'ai beaucoup de retours, et Jack aussi a des, a des retours. Et, euh, et, et voilà, c'est ça fait partie des épisodes où euh, des mois et des mois après, il euh, y a beaucoup ah, de, La perte beaucoup de, poids, de téléchargements. je pense que c'est ça attire vachement. Et, euh, euh, et puis, il est très intéressant... Euh, mais le le problème c'est que tu vois genre tu peux faire autant de hits encore une fois que tu veux et dans les zones que tu veux mais si tu pas en déficit calorique tu es pas en déficit calorique et tu perdras pas de poids tu vois. Ouais. Donc mais ça c'est vraiment en... l'erreur toi que tu as eu. Hein. Mais c'est c'est l'erreur que tout le monde fait et qui continue à faire en fait tu vois genre <laughs> genre tu peux implémenter tout ce que tu veux tu peux t'entraîner aussi dur que tu veux etc. si tu pas en déficit calorique alors que ça soit un déficit calorique qui soit drivé par ton alimentation ou par ton activité physique parce que potentiellement tu manges exactement la même chose mais tu augmentes ton activité physique et tu arrives en déficit calorique tu vas perdre du poids mais si c'est pas le cas tu peux faire ce que tu veux en d'entraînement, tu vas pas perdre de poids en fait. Mmh. Et ça, les gens, ils veulent pas le comprendre. La chrononutrition. Le fait de se oh dire shit. je. je, je t'écoute. <laughs> euh, ouais, c'est. Le fait de se dire je mange en fonction des heures, ça va avoir un impact qui va être ouais, pas, pas forcément énorme, mais en tout cas, ça va, ça va avoir un petit impact. Bah en fait, c'est, tu vois, c est, c est, là, c'est des raccourcis euh, mécanistes. Euh, on, on, on pense, c'est exactement la même chose que pour l'insuline, tu vois. On pense qu'on comprend une hormone et que du coup, euh, on peut changer des trucs, etc., qui, qui permet de manipuler notre corps à fonctionner mieux ou différemment ou optimiser. Le corps, il est. Il est Largement mieux fait que ça en fait. On, il est déjà à des années d'avance de, de ce qu'on arrive à comprendre, en particulier sur l'insuline. On pense comprendre l'insuline, mais il y a tellement de trucs qui rentrent en jeu dans l'insuline. J'ai écrit un article euh, qui m'a pris plusieurs mois à écrire, euh, écrire là-dessus, et, et tu vois, c'est effet duning kruger c'est que tu, tu dis ouais, bah j'ai quand même bien approfondi le truc, mais en fait tu te rends compte qu'il y a encore plein de trucs que tu sais pas en fait euh, sur le sujet. La chrononutrition, c'est tu pars du principe que t'as euh, des variations hormonales euh, au au cours de la journée et que du coup en fonction de quand tu manges tu vas pouvoir euh, optimiser ça mais j'ai entendu des trucs genre euh, ah bah vu que euh, euh, l'après-midi euh, je sais plus tu as une baisse du cortisol ou un truc comme ça c'est ah bah tu peux manger autant que tu veux du coup euh, euh, ça va pas stocker en graisse etc et encore une fois genre si es en surplus calorique tu vas stocker du gras est-ce que c'est pas euh, un peu de la dérive scientifique c'est euh... exactement ça c'est ouais, c'est de la pseudo-science en fait parce que c'est prendre une étude ou une, une un, un mécanisme un, un, mécanisme. Mécanisme. Bah, un mécanisme physiologique et venir euh, l'extrapoler sur des sur des grandes décisions c'est ça dire oui mais alors puisqu'il y a le cortisol et qu'on sait que... c'est un peu est-ce que tu te souviens en fait en philosophie compris, c si ça égale ça alors ça égale ça et tu te rends compte que le entre le A et le C ça n'a plus rien à voir tu vois c'est la différence entre je sais plus on appelle ça en philosophie ce que ouais. je parlais de tout à l'heure c'est la différence entre causalité et corrélation en fait tu vois et, et c'est toujours marrant dans 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 Bahésian, on on a des courbes en fait qui montrent la différence entre causalité et, et corrélation. Et t'as des trucs qui sont complètement loufoques en fait, où t'as des t'as des courbes sur les années qui montrent euh, euh, la consommation de glace et les attaques de requins en fait. Et c'est des courbes qui se matchent parfaitement en fait. Du coup, mm -hmm. ça, du coup, tu regardes ça, tu dis ah bah si la consommation de glace augmente pendant cette période là, ça veut dire que le, le le nombre d'attaques de requins va augmenter aussi. Alors qu'en fait, c'est généralement bah t'as une augmentation des consommations de glace quand il fait plus chaud ah ouais. et que les gens potentiellement ils vont plus dans se baigner quand il fait plus chaud. Et là, il y a une corrélation, mais c'est pas une causalité. C'est pas parce que tu manges plus de glace que tu vas te faire attaquer par un requin, tu vois. T'as vu, je suis oui. très requin. Oui. Ouais, mais c'est bien. C'est ma, c'est ma phobie numéro un les requins. Je ne savais pas, donc il, il faut le savoir. Euh, c'est une espèce de sophisme. J'ai tapé sophisme par hasard. Argument, raisonnement faux malgré une apparence de vérité, c'est dire. Bah tiens, le cortisol euh, diminue euh, le stockage. Euh, il y a plus de cortisol en début d'après-midi, donc on stocke moins d'après-midi. En après-midi, donc on peut manger beaucoup plus en, en début d'après-midi. Exactement. Voilà, ça, ça serait le le, pro, ça. le procédé rhétorique. C'est ça. Et il y en a plein et tu en entends tout le temps en fait. Dans toutes les sphères euh, et et en fait le problème c'est que c'est de la pseudo-science donc ça paraît scientifique ça paraît fondé euh, surtout quand un mec il y croit dur comme fer et te présente ça etc les, les gens ils adhèrent vachement ils, mmh. et tu, tu prends un mec qui a un bon physique qui est sûr de lui qui te présente euh, des pseudo sciences comme ça pff, bingo tu vois genre les mecs ils adhèrent euh, de ouf mmh. et ils le remettent pas en question parce qu'ils savent pas comment le faire euh, et, et ils disent bah il serait pas en train de mentir tu vois mmh. et ça marche sur lui regarde son physique CQFD. Intéressant, intéressant. Bon, chrono, nutrition. Euh, D'accord. Attention, euh, attention à ce qu'on entend. Euh, bon, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Non, c'est pas tout le monde qui fait tout ça. Tout le monde qui fait ça. Je veux dire, on pousse le bouchon aussi un peu là sur les sur les extrêmes. Qu'est-ce que alors sur les sur les IGO, IGBA, tu vois, je me le suis noté, ça quand même parce que c'est intéressant. Ouais. Euh, bon, moi, toi, là tu où j'ai attention j à tes IG, toi. à mes IG, pourquoi Tu fais que des IGBA, non euh, je <laughs> J'ai pas compris la vanne. <laughs> non, mais en fait c'est ça, c'est que les gens ils, ils font attention à l'indice glycémique de, des aliments qu'ils mangent et ils favorisent les IG bas pour pas avoir de pic d'insuline. Ouais, en fait. ouais. je, non, je, je, je suis pas nutri nazi, comment dirait. Euh, okay. je J'en suis pas là. Moi, là où j'en suis resté en termes d'information et de savoir, c'est euh, donc les IG hauts, effectivement, ça augmente le pic insulinique et les ouais. IG bas. Donc, donc, a priori, ça serait mieux de manger euh, des, donc des, des glucides à index glycémique euh, bas pour avoir, pour avoir beaucoup moins de pics d'insuline qui engendreraient de la fatigue, euh, qui engendreraient des pics. Des choses comme ça. D'où tu sais que ça engendre de la fatigue et, et pourquoi c'est négatif d'avoir des pics d'insuline Alors, je n'en ai aucune idée. Moi, je Éver suis resté là-dessus. aucune idée, c'est pas moi. C'est moi qui pose les questions. <laughs> <laughs> non, mais j'en suis resté là dans le sens où euh, c'est un peu les informations qui me, qui me semblent le plus récent ou le plus... Euh, voilà, de ce que j'ai entendu. Et euh, c'est la raison pour laquelle on évite les sucres euh, très rapides, euh, surtout quand il n'y a pas d'effort derrière, voilà, euh, d'effort physique. Euh, et voilà. Alors, tu as, aurais tendance à, à revenir sur ça un petit peu. Tu peux m'expliquer Et puis, je, je vais peut-être... Euh, Contre-argumenter ou essayer de comprendre un petit peu plus. Ouais, bah, Qu'est-ce qui est faux Qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans bah, En vrai, tu peux manger les Kinder Bueno à foison alors <laughs> ça, ça change rien. Bah, avec Kinder Bueno, as beaucoup de lipides donc euh, tu auras, auras un pic euh, d'insuline mais pas aussi important que si tu manges du pain blanc par exemple ou, euh, ou, euh, ou du sucre de table ou quelque chose comme ça. Tu vois Parce que les lipides qui, sont, qui, qui arrivent avec euh, le Kinder Bueno vont justement limiter euh, cette. Euh... Bon bah alors on peut en prendre alors. <laughs> Ça, en fait. euh, non mais tu vois ça ça part du genre les gens ils disent ouais les pics d'insuline c'est c'est dangereux et tu leur dis bah pourquoi bah parce que euh, ça crée des fringales bah non en fait c'est le contraire genre plus t'as un pic d'insuline et moins t'as faim euh, derrière tu vois ça c'est c'est ce qui est montré okay. dans dans les recherches donc t'as ça et après tu dis ouais mais euh, euh, ouais mais quand même enfin euh, tu vois genre il faut limiter euh, euh, les pics d'insuline parce que on voit que chez les diabétiques c'est problématique bah oui, chez un diabétique en fait, mais, dia mais un diabétique, il a déjà une gestion de la glycémie qui est bah, problématique, c'est pour ça qu'il est diabétique. Toi, tu es quelqu'un de sain, en bonne santé, euh, tu vois, genre, euh, tu fais du sport. Peut-être en prédiabète, tu le sais pas. Hein. Bah, tu, tu peux être en pré -diabète. Ah, Je vais venir chercher la bête. Là. Non, 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 mais tu peux être en prédiabète, mais euh, euh, c'est rare d'avoir quelqu'un qui est en bonne forme physique, euh, avec euh, une composition corporelle saine, qui est en prédiabète. En fait, tu regardes les prédiabétiques, c'est des gens qui sont en fort surpoids. Euh, qui s'alimentent mal, qui ont un mauvais euh, lifestyle. Euh, lifestyle, etc. Tu vois. Euh, je te parle de diabète de type 2. Hein. Diabète mmh, de type mmh. 1, c'est des trucs qui sont déclarés beaucoup plus jeunes, etc. Et qui sont, tu vois, genre une anomalie génétique entre guillemets euh, et qui se manifestent beaucoup plus tôt. Et, et ça, euh, c'est différent en fait. Tu vois. Il euh, y a un autre truc, c'est que les gens ils disent ouais, mais euh, euh, du coup, euh, fais attention euh, justement à certains aliments qui ont un indice glycémique haut, etc. Mais ils prennent pas en, en compte euh, la charge glycémique. Donc, euh, tu vois, ça veut dire aussi euh, euh, potentiellement euh, la quantité de l'aliment que tu, que tu ingères et, et, et en, en combien de temps ça va t'impacter. Il y a aussi le fait que tu manges rarement un aliment de manière isolée. Donc, tu vois, genre, euh, c'est euh, Ah ouais, bah, les galettes de riz, IGO, euh, attention. C'est genre, ouais, mais c'est rare les gens qui mangent des galettes de riz euh, juste avec des galettes de riz. Alors, ça peut arriver. J'en connais. Je, non, mais oui, ok. Je l'ai déjà fait. Hein. Non, mais ok. <laughs> et, et, et tu vois, genre, bah, potentiellement, tu vas avoir un, un pic d'insuline. Et alors, encore une fois, tu vois, <laughs> on s'en bat les couilles. je vas-y, j'ai un autre truc. Après. Et, et, et le dernier truc aussi, c'est que euh, bah, les protéines sont super insuline, insulinogènes, tu vois. Donc ils vont provoquer des pics d'insuline euh, tout autant que les glucides. Et pourtant, tu jamais des gourous euh, de l'alimentation dire, ouais, bah attention aux glucides, euh, aux protéines, tu vois, genre, euh, les mange pas de manière isolée, etc. Bah, si Mais tu... est-ce que, est que ça, ça provoque un pic insulinique aussi grand que... Un celui shaker de whey, c'est aussi important que, 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 tu vois, genre, euh, que 50 grammes. Euh, les études le montrent... De quoi co comment, comment les études montrent ça Il faut faire des, des bilans sanguins toutes les heures à des gens qui mangent, euh, différencier le repas euh c'est super enfin c'est super facile tu vois genre les diabétiques en fait ils se piquent le doigt ils regardent leur taux de glucose sanguin en fait c'est ça c'est une variation de la glycémie donc une augmentation du sucre dans le sang mm -hmm. et l'augmentation de la sucre, du sucre dans le sang ça va enclencher un processus dans le pancréas qui va venir relâcher de l'insuline pour réguler mm -hmm. ça en fait parce que ce que tu veux c'est que tu un, un taux de sucre dans le sang qui soit le plus plus constant constant possible euh, en fait moins varié. Ouais. Ouais. Et Et bien bien. justement, ça, ça va dans le sens de se dire. Euh, mais c'est bien d'avoir si un pic d'insuline si t'as beaucoup de glucides parce que ça veut dire que ton système, il fonctionne bien, en fait, parce que ça te régule. Ok, alors, tr très bien. Je, je vais en venir à, à ma réflexion. Tu vas me dire si elle est, euh, si elle est euh, rétrograde euh, ou si elle est dépassée. Moi, de ce que j'avais appris, c'était <coughs> donc le, le effectivement, c'est le pancréas qui euh, sécrète de l'insuline lorsqu'il y a autres. du. Majoritairement. Majoritairement, ouais. Et qui d'autre qui... Il y a d'autres euh, cellules au sein du corps, même euh, au niveau de, euh, du muscle, etc. où tu as des petits... Euh, qui relâchent un petit peu d'insuline aussi. Ok, mais quoi Globalement, on ouais, d'accord globalement, c'est est le premier. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a du sucre qui rentre dans l'organisme, euh, qui passe dans le sang. Ça fait augmenter le taux de sucre dans le sang. Euh, le corps n'aime pas ça, surtout le cerveau. S'il y a beaucoup trop de sucre, c'est délétère. Euh, voilà, typique diabétique, tu vois, à long terme, il a, il a une glycémie trop, trop élevée. Euh, ça détruit les neurones, ça détruit, euh, ça détruit les cellules. Donc euh, l'objectif du pancréas, c'est en relâchant l'insuline, en, en sécrétant de l'insuline, ça va permettre de faire diminuer le sucre dans le sang, en faisant rentrer le sucre dans les cellules et donc en le faisant diminuer dans le, 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 le compartiment sanguin. Euh, le pancréas, plus... Il va avoir, c'est un peu, c'est moi j'en étais resté là un peu dans les études ou dans la façon de, de procéder, de, de voir la physiologie. C'est que plus tu vas lui envoyer euh, des aliments qui vont lui faire des pics euh, insuliniques, donc des pics insuliniques, plus le, 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 le pancréas va travailler, va travailler, va travailler, va travailler, ce qui va au fur et à mesure euh, déjà le fatiguer et les tissus. C est, c est, c est, là, ça devient un peu compliqué. En plus, je suis pas scientifique, donc pour l'exprimer, c'est pas facile. Euh, les tissus environnants vont se désensibiliser à la présence d'insuline. Et qui vont être de moins en moins capables de se dire ah tiens l'insuline vient ouvrir ma porte pour faire rentrer le sucre euh, pour le faire diminuer dans le sang et donc en, en fait ils deviennent résistants insulino résistants et, et, et petit à petit ça conduit au diabète donc le fait d'envoyer beaucoup de sucre euh, et euh, d'un coup donc avec des, des, des IGO euh, entraînerait des pics d'insuline qui favoriserait à la longue donc on est vraiment sur quelque chose de chronique de, de, de mois d'année en année une désensibilisation des tissus à l'insuline et donc S'ils sont désensibilisés, ils ouvrent au moins la porte pour faire entrer, la, pour faire entrer le, le, le sucre dans la cellule, et donc le niveau de sucre serait de plus en plus haut dans le sens, ce qui amènerait à un prédiabète et ensuite un diabète. Voilà le, le schéma physiologique sur lequel j'étais moi lorsque j'ai quitté les études, ou en tout cas les dernières choses que j'avais vues. Donc, pour faire une petite analogie, plus tu fais des curls biceps, qu'est-ce qui se passe Tu développes ton biceps. Donc ton biceps devient plus résistant, plus endurant. T'as un meilleur biceps. Oui ou non Ouais. Est-ce est que Pourquoi, pourquoi est-ce qu'en entraînant ton, ton pancréas, ça serait différent, en fait Est-ce que il euh, n'y aurait pas une limitation Je ne sais pas, c'est une, une question. Est-ce qu'il y a une le... limitation sur ton biceps aussi hein euh, ouais, 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 Mais est-ce que l'organe euh, n'aurait pas une, 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 une. Si tu n'aurait pas une durée de vie qui fait que si, tu le, si ah. tu le stimules trop, en fait, tu vas le fatiguer plus vite que nécessaire C'est toujours une. une une question de dose, effet, récupération potentiellement, mais euh, parce que euh, tu peux pas euh... non si je te laisse finir pardon euh, en gros tu vois genre le, le cette idée que que plus tu vas le faire plus ça va être euh, plus ça va le fatiguer plus tu vas créer une résistance à l'insuline etc Oui, c'est ça ouais en fait, encore une fois, il y, y a plein de trucs à prendre en compte. en fait. C'est-à-dire que si tu as une alimentation euh, saine, si tu as un lifestyle sain, si euh, tu es, es quelqu'un en bonne santé, il euh, n'y a aucune raison que ça soit problématique d'avoir des pics d'insuline. Maintenant, si tu consommes que des aliments hautement transformés euh, qui, euh, qui provoquent ces pics d'insuline, mais qui amènent pas les nutriments et les micronutriments euh, qui sont intéressants pour justement euh, favoriser le fonctionnement de ton corps, au fur et à mesure et au fur et à mesure des années, comme tu le dis, tu vas avoir une dégénérescence globale de l'organisme, en fait, pas seulement du pancréas, de tout, en fait. Tu vois? Et alors, comment se manifeste un diabète de type 2, alors Bah, en fait, tu. Si, si ça n'a rien à voir avec le. Bah, GGO Ou même le sucre bah, en en fait, en fait c'est ça. Un, un diabète de type 2 ou un pré-diabète, c'est comme tu dis, c'est euh, une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que, en fait, euh, tu viens euh, ingérer. Euh, quelque chose qui va créer euh, euh, une augmentation de ta glycémie, ok, euh, et tu vas avoir des, tu vas avoir une sécrétion d'insuline qui est de plus en plus importante parce que malheureusement le corps réagit mal euh, à l'insuline parce que comme tu dis il est insulino résistant et et du coup bah c'est dans les extrêmes et, et ça fonctionne pas etc et après tu commences à bah, avoir tous les problèmes de, de prédiabète ça peut être tu vois genre euh, pas se sentir bien avoir des petites infections euh, des trucs comme ça tu vois genre qui Enfin, tous les signes entre guillemets euh, euh, d'un diabétique, d'un prédiabétique. Mmh. Mais, euh, mais encore une fois, c'est un dysfonctionnement général et c'est généralement des gens qui ne sont pas dans une bonne santé générale. Quoi. Tu vois, c'est pas. Euh, tu, tu vois rarement un, un mec qui est, euh, qui est diabétique euh, tu vois, qui, qui, qui est en bonne santé. Euh, donc, euh, encore une fois, il faut regarder le truc de manière un petit peu plus euh, ouais. holistique. C'est ça, c'est. Mmh c'est tu c'est pas juste le pic d'insuline c'est aussi tout ton lifestyle qui va avec et toutes tes habitudes alimentaires qui sont délétères en fait donc ça serait quoi ça serait encore une fois, les fois. si tu prends quelqu'un qui s'alimente bien qui est sportif etc qui consomme suffisamment de protéines il va avoir plein de pics d'insuline en fait tu vois genre par exemple tu prends Flo ok Flo t'es pas en train de lui dire ouais attention mange pas trop de protéines t'as des pics d'insuline etc tu ça, sais je, que, que, je fais que lui dire tu sais <laughs> qu'il est tu sais qu'il est en bonne santé tu vois qu'il a une composition corporelle tu vois genre d'athlète etc Bien sûr. et tu te fais pas de soucis par rapport à son diabète par rapport à lui tu vois mais ce qui est très difficile ce qui est très difficile c'est que alors juste pour finir pas, en non, fait, non, juste ouais. pour finir euh, le truc c'est que encore une fois ça c'est une corrélation c'est que souvent les gens ils se disent euh, ah ouais, mais regarde euh, tout ce qui est IGO, c'est des aliments qui sont transformés, pas très bons pour la santé, etc. Euh, alors j'aime pas faire des catholiques bons, pas bons mais on, on s'entend sur le sens qu'il y a des trucs qui sont plus intéressants et moins intéressants. Les Coco Pops, c'est moins intéressant en termes de, Choco, de... Choco Pops. Les Choco Pops, <laughs> c'est moins intéressant en non, termes de, les deux, les deux. de santé que des fruits, tu vois par exemple. Ouais. Ok. Donc euh, pourquoi Parce que les, les fruits, tu vas avoir euh, des sucres. Mais tu vas avoir aussi des fibres, des micronutriments, des vitamines, etc. Machin. De l'eau. Ouais, c'est ça. Donc c'est plus intéressant et surtout c'est plus difficile d'être en surplus calorique si tu consommes des fruits que si tu consommes des coco-pops. Okay. Oui, parce que tu as aussi le pouvoir euh, s'assiettant. Exactement, qui, qui a son rôle dans, dans, dans le cadre de l'alimentation et de la régulation de l'apport calorique. Et c'était beaucoup Anthony Fardé, d'ailleurs qui disait Vous vaut mieux un fruit entier qu'un qu jus de fruit. » Ouais, je suis euh, d'accord. Pour, pour toutes ces raisons-là, d'ailleurs. Je suis d'accord. Sauf si tu essayes de faire une prise de masse. Euh. Voilà, ça dépend de l'objectif. Mais euh, ouais, ouais, non, mais euh, oui. Donc, donc voilà. mieux les fruits que les chocos ou les, les, choco, les coco pops Ouais, donc en fait, aussi quand tu regardes ça, tu te dis, bah ok, mais quand tu fais attention à l'IG de tes aliments, souvent tu vas te retrouver à manger des aliments qui sont plus sains, entre guillemets. Et du coup, encore une fois, c'est une corrélation. Là où ça va trop loin, c'est quand tu, tu vois, c'est genre, je mange pas de riz, euh, je mange pas de pommes de terre parce que c'est IGO. Tu te dis, mais gros, des pommes de terre. Genre, détends-toi. <laughs> Mange tes pommes de terre avec ton steak, t'inquiète, ça va bien se passer. Alors faut les faire cuire, hein, parce que si tu les manges crues, tu, tu risques d'avoir des problèmes. <laughs> Mais j'ai vu des trucs aussi, genre tu fais cuire ton riz. Euh, euh, alors je sais. Ouais, je crois que si tu le si tu réchauffes du riz, ça fait augmenter euh, l'IG de oui, du bah, riz. Manger, oui, bah ça j'avais vu aussi manger chaud, c'est l'index glycémique, c'est l'index. C'est dur à dire. Un index glycémique est plus haut qu'un repas froid. C'est ça. Donc du coup, euh... on même manger des pizzas le lendemain, quoi. <laughs> le diable. <laughs> Donc voilà, tu vois des trucs comme ça, c'est c'est complètement. Euh... Ça, ça, ça c'est des conneries, ça. Mais oui, mais enfin. En fait, mais en fait non, 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 non je pense c'est pas, pas des conneries, des conneries mais ça n'a pas du tout l'impact qu'on lui, euh, qu lui, qu lui donne. Ouais. C'est exactement ça. C'est que c'est pas des conneries c'est que scientifiquement c'est c'est démontré mais euh, enfin, l'impact okay, 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 sur ton okay, physique okay. ou okay. sur ta santé zéro mm, mm. et puis le, alors le marketing vient s'y mêler parce que il voit une euh, ben, c'est ça c'est le sophisme en fait c'est euh, c'est manger euh, manger plus de d'index glycémique haut euh, provoque plus de pic d'insulinique. Euh, donc le, le, le repas chaud donc est, est plus mauvais. est plus haut que le repas froid donc le repas chaud est plus mauvais que le repas euh, froid donc il vaut mieux ça pour perdre du poids et ça, ça, on, ça revient à ce que quoi. tu disais tu vois sur le le fait que bah, pic d'insuline ça veut dire euh, euh, l'hypogénèse accrue euh, l'hypolise diminuée donc euh, ça veut dire que je fais plus de gras ça veut dire que si je fais ça bah du coup il faut que je limite euh, les pics d'insuline parce que je vais être euh, tu vois genre en déficit mais c'est c'est tu vas avoir des pics d'insuline à chaque fois que tu manges en fait tu tu c'est tu peux tu peux pas faire autrement en fait tu peux pas avoir zéro insuline dans ton corps ah bah non mais bah sinon t'es en, fait. es en es, tu, sinon tu tu fais une hyperglycémie ah c'est ça bon ça donne des idées euh... <laughs> Qu ce que tu qu'est ce que tu retrouves toi en termes de en termes de, de absolu euh, des, des choses qui restent encore quoi, enfin qui restent bah, en fait c'est cyclique c'est ça qui est terrible c'est que tu as l'impression que bah tu vois genre j'ai fait un réel euh, là sur les sur les galettes de riz et sur euh, sur les ig etc moi je pensais que c'était passé et en fait tu as encore des gens qui sont qui sont bloqués là dessus quoi donc euh, c'est cyclique tu as des trucs qui reviennent euh... est ce que ça veut dire quelqu'un qui est en santé, qui s'alimente normalement. Oh, on prend normalement, deux jumeaux. De normalement, non, ça veut rien dire. Je sais. Ouais, oui. Bon, euh, je vais aller. prendre deux jumeaux. Tu vois, on va faire vraiment le, le, le principe. Tu vas me dire. Les jumeaux, euh, c'est ma passion. C'est ça. Bon, passion jumeaux. <laughs> Très bien. Euh, un, ju un, un jumeau qui euh, fait du sport, qui mange de la meilleure des façons euh, pour ah, sa ouais. santé. Euh, un petit peu de tout. Bah, tu, tu vas me dire d'ailleurs ce qu'il faut faire parce que entre les régimes carnivores qui sont passés là récemment sur le podcast, on, on, a, on, on en perd un petit peu son latin. Euh, expression des années 90, ça fait longtemps que je n'avais pas sorti celle-là. Donc il fait absolument tout ce qu'il faut au niveau de la nutrition, euh, voilà. Et l'autre jumeau qui fait pareil, qui a le même lifestyle, le même alimentation, sauf que tous les jours il va manger séparément une galette de riz, un, un index à index glycémique très haut. On les suit pendant 20 ans, il n'y aura aucune différence entre les deux. Zéro. Est-ce que ça, par exemple, t'en es sûr ou ça l'a ça été démontré Je, je... Ça n'a pas été démontré parce que, enfin, t'imagines, juste pour montrer l'impact d'une galette de riz, ça serait... Ouais, mais tous les jours, tu vois, tous les jours, t'as as ce, ce pic insulinique. Ouais, mais euh, encore une fois, l'autre, il va quoi? avoir des pics insuliniques, euh, enfin, tu vois, genre, s'il s'alimente correctement, donc par exemple, euh, qui limite les aliments transformés, qui mange, tu vois, des bonnes sources de protéines, euh, tu vois, genre des viandes, des poissons, des crustacés, euh, des œufs, des produits laitiers, s'il n'est pas intolérant au lactose plein de végétaux des légumes des fruits etc peut-être des oléagineux des choses comme ça des trucs sains et, et, et tu, tu, y, potentiellement euh, certaines sources de céréales du riz ou des, des trucs comme ça euh, euh, potentiellement euh, tu, la différence euh, de quelqu'un qui va manger euh, même 10 galettes de riz euh, sur, euh, sur sa journée enfin euh, tu vois genre ça, ça... aucun impact bon ouais. ok euh... Que dit la science sur la meilleure façon de s'alimenter pour être en santé et en performance Est-ce qu'il faut enlever les légumes parce qu'ils contiennent euh, que des antinutriments Et attention, tu vas pas te, te faire que des amis si tu réponds à cette question, tu le sais. Euh, parce que en fait, le, le grand débat ça a été euh, avec euh, Nico de Paoli, donc j'avais reçu sur le podcast il y a, il y a quelques semaines de, de cela qui est sorti, il y a pas si longtemps là, mais. Euh, les commentaires ont été très divisés, tu vois, entre il a raison, c'est une façon de s'alimenter, ça lui va très bien, ou alors il est carnivore. Il est carnivore okay. ouais. Enfin, il mange quasiment pas de, de glucides, euh, essentiellement de la viande, beaucoup de viande par jour, et ça a fait bondir euh, bah, pas mal de nos auditeurs euh, qui, euh, qui qui me l'ont fait savoir et qui m'ont dit oui, je suis pas d'accord avec ça. Il faudrait que t'invites un, un vegan pour pour contrecarrer le discours. Parce que c'est pas bon, manger que de la viande, etc. Et, et je, je l'ai dit à, à Flo la dernière fois, je dis, mais il me semble pas que Nico dit que ça soit la meilleure nutrition pour tout le monde. Il me semble qu'il explique bien qu'il a expérimenté énormément de choses et que c'est ce qui aujourd'hui semble lui convenir le mieux. Voilà. Parce qu'il est moins lourd, parce qu'il est plus performant, etc. Bon. Dans, quel, dans quelle mesure ça pourrait être euh, euh, placebo, ça, ça serait intéressant de, de savoir. Parce qu'on a, a vu que ça avait un impact assez important. Euh, mais donc, ça a fait réagir et euh, on en est toujours en 2023. En train de se demander quelle est la meilleure diète. Euh, je vais peut-être pas non plus te lancer euh, sur le jeûne intermittent, parce que là aussi, Jack en parle très très bien dans l'épisode, et puis on doit se reprendre dans un épisode futur sur un petit peu l'alimentation anti-inflammatoire, anti l'alimentation anti-cancer, tout ça. Euh, mais néanmoins, je te pose quand même la question, parce que tu es là pour ça. Hein. Euh, que dit la science sur l'alimentation Comment on doit s'alimenter euh, C'est une question qui est super vaste, comme tu le sais. Euh, on a un chapitre entier dans dans Bahésienne sur la science de la santé tu vois genre où on aborde absolument tout euh, toutes les différentes catégories alimentaires euh, <coughs> euh, le poisson les céréales et tu vois on, on aborde tout, tout ces toute cette question là euh, comme tu l'as dit aussi c'est individuel donc tu vas avoir ce côté-là où certaines personnes vont avoir des intolérances, euh, des allergies, euh, des choses qui vont pas forcément digérer correctement. Il y a il y a le problème des FODMAP. Je sais pas si tu t'es si au courant de ça. C'est la gestion de ça me parle pas. certaines fibres par par l'organisme. Euh, en fait c'est Oligo, Disaccharide, Monosaccharide et poliol, donc les sucres d'alcool, etc. Et en fait, c'est des fibres qui sont euh, traitées par l'organisme dans euh, à la fin dans le gros intestin. Et il euh, y a des personnes qui parce qu'en fait, ça doit être fermenté pour être digéré. En fait, ça passe euh, l'intestin, le, euh, l'estomac, enfin l'estomac, l'intestin, et ça arrive dans le gros intestin. Et c'est là que ça doit être fermenté pour pouvoir euh, euh, les décomposer et utiliser euh, euh, ce, qui, ce qui est à l'intérieur. Et chez certaines personnes, ça peut être problématique, irritant. Tu vois, tu peux avoir des diarrhées, tu peux avoir euh, tu vois tous les problèmes de IBS, ISS, tu vois genre Crohn, de des choses comme ça okay. chez, chez certaines personnes, colon irritable. Voilà, c'est ça. Euh, et en fait euh, donc tu vois ça c'est c'est à prendre en compte en fait. Donc par exemple, quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'intolérance au FODMAP euh et qui veut être végan, ça va sans doute être extrêmement compliqué pour lui, tu vois. Mais là, on parle de quoi en termes de, de population Quel type de pourcentage bah, sur les Non, sur les maps c'est beaucoup plus important ce que qu'on qu pense. Et en fait, il y a plein de catégories différentes. Et tu peux très bien, euh, certaines fibres, parce qu'encore une fois, tu vois, tu as, as plusieurs catégories. As, euh, euh, donc, oligo, enfin, euh, 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 plusieurs, tu vois, euh, disaccharides, monosaccharides. Euh, donc, tu as, as 4, 5... Euh, ouais. groupe en fait avec euh, plein de différents euh, végétaux à l'intérieur et t'as certaines personnes qui vont très bien euh, tolérer certaines catégories ou même certains aliments hein, au sein de ces catégories ça tu peux que le savoir euh, par en faisant des tests mais tu des gens qui ont des problèmes euh, euh, tu vois de de digestion pendant des années sans vraiment comprendre en faisant de l'élimination etc mais oui les fameuses intolérances que tu as et que tu te rends pas compte une fois que tu l'enlèves tu te rends compte Oh, je me sens tellement mieux quoi exactement et en fait il euh, y a des gens qui sont plus intolérants que d'autres et, et ça c'est des trucs que tu dois tester et donc euh, en termes de science de la santé c'est c'est pas forcément qu'un aliment il est pas sain mais c'est que tu le tolères pas en fait tu vois donc c'est encore une fois c'est différent donc ça c'est à prendre en compte après je pense qu'une alimentation saine entre guillemets ça ça, ça se rapproche plus de euh, je pense que le, 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 la, la diète en gros qui se rapproche le plus, à mon sens, d'une alimentation saine, ça serait sans doute euh, l'alimentation paléo, tu vois. On va dire. Donc un peu de tout. Donc un peu de tout, le moins transformé possible. Euh, je pense que ils ont un petit peu peur, enfin euh, en paléo un petit peu peur de tout ce qui est euh, euh, glucides. Donc, enfin euh, ça dépend. Moi je trouve que certaines glucides sont sont cool, tu vois, genre les pommes de terre, les patates douces. Euh, euh, le riz, tu vois, ça c'est des en paléo, c'est bon Général... ça non Ouais, mais généralement il coupe un petit peu ça, c'est ah ouais? un peu plus, un petit peu plus restreint en termes de, de glucides euh, sur le truc classique classique. Mais c'est un peu ce que je, ce que je mettrai en avant. Euh, J'éviterai les huiles végétales à part, tu vois, genre l'huile d'olive euh, euh, qui, est, qui est très bonne et que, que, que je mettrai en avant. Mon problème avec par exemple une diète comme une diète carnivore, alors. Il y a carnivore et carnivore. Donc, euh, je ne sais pas ce que Nico y fait exactement, euh, j'en parlerai avec lui. Mais euh, moi, de mon expérience personnelle, anecdotique, <laughs> euh, Sortie des études <laughs> Non, non, justement. Personnel. Non. Personnel. Oui, mais bah, sorti, je veux dire, en dehors, ah, des, en dehors, études, des, en dehors études. des études, qu'est-ce okay, okay. que je voulais dire euh, euh, Toutes les personnes avec qui j'ai travaillé qui étaient carnivores, euh, en faisant des bilans sanguins, tu vois, genre euh, tous les 3 à 6 mois, euh, C'est des gens qui sont en très bonne santé au début, et ensuite, euh, sur le plus long terme, euh, un an, deux ans, euh, tu as des marqueurs de santé qui partent un petit peu euh, en cacahuète. et en particulier les lipides sanguins, tu vois, genre euh, euh, cholestérol, etc. Parce euh, que trop de graisse animale, pas assez de graisse végétale bah, euh, Sans doute, le, le, le rapport des graisses est, est un petit peu inversé. Donc, euh, effectivement, beaucoup de graisse saturée, pas, de, pas beaucoup de, de graisse euh, mono-insaturée. Euh, donc ça dépend Qu on retrouve euh, dans l'huile d'olive notamment exactement voilà, dans totalement dans l'huile d'olive dans certaines noix un petit peu plus importantes que dans d'autres genre euh, macadamia ou des trucs comme ça mm -hmm. mais c'est toujours un rapport tu vois euh, entre les trois euh, et mais ça dépend parce que je connais aussi des gens qui font du carnivore mais qui faisaient attention à ça quand même en, 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 en ingérant euh, par exemple tu vois genre euh, certaines sources de, de lipides un peu spécifiques des graines de chia euh, euh, des graines de lin, tu vois des, des trucs comme ça qui sont, enfin, tu vois, qui sont considérés par des purs carnivores comme ça le fait pas mm -hmm. euh, donc il faut voir aussi qu'est-ce qu'il intègre exactement mais c'est vrai que sur le, sur le, sur le long terme euh, de mon expérience personnelle c'était pas toujours euh, pas toujours santé santé en fait mais après il y a des gens qui, qui sortent un petit peu de voilà, qui, qui, c'est des animaux qui je, fonctionnent je, mieux comme ça. Quoi. Voilà, et puis tu l'as expliqué. Il y en a certains, ils vont avoir plus d'intolérance, ils vont fonctionner d'une certaine ça. manière. Donc, bon, pourquoi pas. Ce qui serait intéressant avec Nico, si on, si on reste sur lui, c'est de voir dans d'ici. Euh, alors, je, je me souviens plus quand exactement il a, il a pris ce, cette façon de s'alimenter. ce qui serait intéressant, c'est de voir dans deux, trois, quatre, cinq ans, est-ce qu'il est toujours sur ce régime carnivore, est-ce que cela, cela, lui apporte toujours autant de bienfaits, est-ce qu'il en est revenu, pour quelles raisons. Euh, c'est la fameuse phrase. On verra dans 20 ans. Ouais, et ouais. c'est ce que disent aussi beaucoup euh, bon, certains anti sur les dorons. C'est très bien, mais on en reparlera davant ans parce que le temps donnera toujours raison. Et je suis pas complètement contre cette façon de penser. C'est-à-dire, à l'instant T, euh, tu vois, bah, très bien, mais tant tu 20 balais, tu fais ce que tu veux, tes trucs, très bien, vas-y. De, de toute façon, l'impact n'est pas. C'est ce que je disais à Nico, tu vois. Je dis mais est-ce qu'à un moment donné, l'impact, il est différé aussi, tu vois Et est-ce qu'on a beau se sentir extrêmement bien à l'instant T euh, c'est peut-être pas ce qui va arriver à l'instant T, euh, à l'instant T plus 10 Ouais, et puis c'est des trucs qui prennent tellement longtemps à se à se mettre en place. Tu vois, genre euh, par exemple avec le véganisme, t'as plein de gens qui, qui démarrent sur une diète végane avec peu d'expérience et peu de connaissances et et qu'ils me regardent. Euh, je suis en super bonne santé, euh, euh, j'ai pas de problème, euh, j'ai fait une prise de sang. Mon médecin il m'a dit que j'étais sain. Euh, le médecin il a rien testé du tout, il a juste regardé euh, ouais. <laughs> vitamine D, euh, cholestérol. Il me fait ouais vas-y go. Il a même pas fait, tu vois, genre un test complet sur, 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 sur le reste. Et après, tu te retrouves avec des gens qui sont anémiques, qui sont obligés de faire des, euh, des prises intramusculaires de vitamine B12 parce qu'ils sont pas supplémentés, parce qu'ils savaient pas, etc. Et c'est ah ouais, bah en fait j'ai fait une erreur et tout, mais ça a pris trois ans. Et bah ouais, mais là t'es dans la merde maintenant. Enfin es dans la merde. Ouais. ouais, ouais. Tu vois, genre ta santé a pris un coup et, euh, et potentiellement t'as eu euh, voilà, tu t'es mis un peu plus en danger quoi. Hum. Je pense que c'est l'effet aussi lune de miel c'est euh, tu sais où tu découvres une alors un nouveau et ça marche avec tout hein avec un nouvel entraînement une nouvelle diète je sais pas une nouvelle façon de récupérer une nouvelle j'en sais rien et puis il il dit, rencontre. Euh, une rencontre exactement une moi rencontre moi Jérôme voilà non, on est en lune de miel voilà, je, on est alors ça se voit pas mais nous sommes remplis d'ocytocine pour, <laughs> pour rester dans la science euh, mais non ça ça marche très bien et tu vois pour faire bah, le rapport sur les, sur les relations euh, c'est il y a toujours la lune de miel quand es avec une nouvelle copine et que ça se passe bien c'est tout est formidable et c'est avoir après quelques mois lorsque quand elle commence à te casser Non, mais lorsque la chimie laisse place à un petit peu plus de raisonnement et voir un peu comment tu t'en sors. C'est pour ça que Begbédé disait que l'amour en dure trois ans. Bon, passons. Ce n'est pas forcément l'exemple du.. Non, mais pas lui que je vais voir pour des conseils de couple. Non, Begbédé, alors je sais pas si tu as lu son dernier bouquin. Je suis arrêté à 99 francs, donc il était très bon. Alors, Frédéric Begbédé fait partie des auteurs français que j'apprécie le plus. Ceux qui sont inscrits à la newsletter du podcast le savent parce que je, je donne mes recommandations, je dis un petit peu ce que je lis de temps en temps. Et d'ailleurs si vous n'êtes pas inscrit, bah c'est l'occasion pour moi de, de vous proposer, c'est euh, biomechanicpodcast.com slash lettres, donc à tous les auditeurs qui écoutent. Euh, le lien c'est le dernier qui se trouve dans la description, c'est facile, vous vous inscrivez. Une fois par mois j'envoie euh, sa la newsletter, tu pourras t'inscrire comme ça tu verras, mais un truc ouais. un peu les, les coulisses du podcast, euh, des anecdotes que je raconte pas. Euh, des recommandations, des, des, des trucs, des trucs pour la santé aussi que je découvre, euh, des bouquins, euh, des, des, des films, des, des vidéos, des trucs que j'ai lus euh, qui me semblent intéressants, des sondages aussi, je, je, je fais pas mal de, euh, et puis de, de, des petites surprises de temps en temps, des, des petites collabs que je fais avec des gens et il euh, y a des surprises donc euh, ça mange pas de pain inscrivez-vous hein, c'est euh, gratos. Euh, cet instant promo étant fait, je recadre sur toi. Je sais plus où c'est qu'on on était avec cette histoire. Euh, on a fini sur le carnivore diet. <coughs> ouais, bon, le mieux c'est de manger un petit peu de tout. Apparemment, pour la généralité de la population, on est, on serait d'avoir un peu. En le... effet, euh, on a la chance de pouvoir manger un peu de tout, tu vois. Mm. Euh, du coup, euh, ouais, je pense que, que c'est bien de, de, de saisir cette opportunité, entre guillemets. C'est pas difficile, ça, en termes d'études scientifiques, d'arriver à prouver euh, qu diète la, est mieux qu la bonne nutrition. Parce que comme il faut durer sur des années, en faisant des tests sur des années. Ça fait pas partie ce que des. C'est vraiment les limites en fait, euh, de la science actuelle. Est-ce que c'est est que... le, est -ce est le domaine le plus compliqué à étudier La nutrition non, la... je pense qu'il y, y a des. <laughs> la physique quantique, c'est encore plus compliqué non, que. Non, en termes vraiment d'amélioration de, de, de santé, de performance, tu vois, entre euh, l'entraînement, entre la récup, entre euh, la nutrition, entre tout ça, est-ce que la nutrition, ça, ça, ça serait pas la chose la plus difficile Ouais, sans doute. Et la plus soumise au biais aussi. Ouais, parce qu'en fait, euh, en termes de contrôle, c'est beaucoup plus compliqué parce que, tu vois, genre, encore, tu peux prendre deux groupes, les entraîner de la même manière, tu vois, genre, les isoler, tu vois, genre, par exemple, ici, on pourrait faire une étude, en vrai, tu vois, genre, tu prends les mecs, euh, tu, tu les cadres, tu peux voir leur entraînement, c'est quoi, c'est une à, une à deux heures par jour d'entraînement pour la plupart, tu, tu ouais. fais leur programmation, Comment? etc. Euh, alors que la nutrition, en fait, faut les suivre 24 heures sur 24, d'une certaine manière. Tu vois c'est genre euh, être sûr de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils déclarent, tu peux enfin tu vois tu peux tu pourrais les faire manger euh, euh, toujours dans un cadre contrôlé mais c'est compliqué mm. combien de personnes parce que si tu peux contrôler cinq personnes c'est cool, tu vas avoir des résultats mais l'échantillon il va être euh, limité pour euh, extrapoler tu vois. Mm. Donc euh, si tu veux contrôler tu vois genre comme euh, la recherche qu'ils ont fait sur euh, sur les édulcorants euh, tu vois genre euh, je sais plus combien il y avait de personnes mais je crois que c'était 10 à 10 à 20 000 personnes. Euh, c'est beaucoup de travail, de récupération des données, de savoir s'ils font ce qu'il faut, euh, euh, de ce qui est-ce ce, qu'ils ce qu déclarent. C'est effectivement ce qu'ils ce qui mange. Mm -hmm. parce que ça, c'est un gros problème aussi. <laughs> il y avait, Entre ce que tu dis, est ce que tu. Ouais, il y avait, avait une recherche assez assez extraordinaire euh, en Angleterre. Euh, je sais plus. Je crois que c'était Oxford qui avait fait. Euh, où en fait ils suivaient le journal alimentaire des personnes pour euh, pour étudier la sous déclaration alimentaire en fait. Donc en fait ils utilisaient une eau euh, euh, double labeled water. C'est c'est euh, c'est une c'est une eau avec un isotope carbone et en fait ça vient traquer exactement le nombre de calories que tu que tu consommes en fait les salauds. Donc tu peux, tu peux pas mentir en fait. Ouais. Et les gens ils le savaient. Donc en fait le truc c'est qu'ils essayaient même pas de mentir sur leur rapport alimentaire. Ils essayaient vraiment de tenir leur journal alimentaire. Aussi proche qu'ils pouvaient de ce qu'ils faisaient. Et c'est ben, pas le cas. Ils sous-déclaraient de 40% le rapport calorique. Donc c'est même pas qu'une question de mauvaise foi, c'est aussi une question de, de, de perception, quoi. Ouais. Ou de, de connaissance, de ne de, de pas se rendre compte que euh, bah, le café que tu n'as pas comptabilisé avec ton lait et ton, ton sucre, etc., bah, c'était euh, 150 calories là, et puis mmh. ça tu ne l'as pas compté, et, mmh. et, et, et au fil du temps, bah, ça s'accumule, ça, ça, ça en fait. Tu vois. Genre, ah, tu as mis de la sauce. Ah, mais il doit y avoir 20 grammes de sauce, alors que tu en as mis 60. Enfin, mmh. tu vois, genre, c'est que des petits trucs comme ça, en fait. Tes huiles de cuisson, c'est des trucs qui... qui... Que tu vois pas, que tu ouais. vois pas, a priori, ouais. et qui Donc, comptent. tu vois, souvent, quand entends quelqu'un dire, ouais, bah, je mange 1200 calories et je perds pas de poids, et bah tu pourrais partir potentiellement du principe que, bah, c'est 1200 calories plus 40% en réalité. <rire> mmh. <rire> tu vois? Mais bon, c'est pas quelque chose à implémenter, hein. C'est juste pour vous donner une, une idée. Et, et le problème, c'est que si quelqu'un ne perd pas de poids à 1200 calories, eh ben, la réalité, c'est que, soit que, que, ça soit, que ça soit 1200 calories euh, théoriques ou pratiques, la, la différence, ça ne sera pas. Enfin, si tu veux perdre du poids, il n'y a, a pas d'autre <laughs> choix que de. Que de diminuer la. Bah, soit diminuer, soit augmenter ton activité physique. Tu vois? Ouais, Mais ouais. c'est toujours la même chose. Il va, il va falloir que tu mettes en place un déficit calorique. Qu Est-ce est -ce que c'est vraiment égalitaire? Euh, augmenter la fréquence, augmenter le, la dépense calorique ou diminuer. Par exemple, si tu augmentes la, la fréquence, euh, la dépense calorique par le sport de, admettons, 200, 200 calories par jour, ou alors que tu diminues de 200 calories via l'alimentation, est-ce que ça revient exactement au même euh, Attention, je. Ouais, alors, ça revient au même en quoi euh, En termes d'impact sur, sur la poids, prise de poids. Ouais, ouais. Euh, en termes de poids oui. Parce que si on est très très mathématique, voilà, très cartésien, à ingénieur. Ouais, alors, <laughs> on va se dire, ah ben, c'est exactement ouais. pareil, ça fera pareil. Et puis, euh, il y a alors, la loi qui dit, ben non, ça, non, 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 ouais, alors, désolé, quand alors, tu fais du c sport, le, ça, ça, ça a un c autre impact. C'est le premier loi de la thermodynamique, c'est que euh, l'énergie va quelque part, en fait, tu vois. Alors, tu peux pas, enfin, euh, ça se dissipe, ça, ça, ça va quelque part. Et ça part du principe que l'organisme est un système fermé, ce qui n'est pas le cas en réalité, parce qu'il y a, y, a, y a des déperditions euh, énergétiques, euh, tu vois, genre, euh, euh, multiples, entre guillemets. Mais oui, il y aurait potentiellement pas de différence en termes d'évolution de poids, ça c'est la réalité. Même, tu vois, genre par exemple, tu pourrais aller plus loin et extrapoler le truc sur quelle que soit l'alimentation, en fait. Genre, tu pourrais avoir vraiment de la... quelqu'un qui consomme de la merde et quelqu'un qui consomme une bonne aliment... une alimentation avec le même déficit calorique, potentiellement l'évolution en termes de poids sera la même. Après, l'évolution en termes de composition corporelle, là, on aura sans doute des différences. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un qui fait de la musculation et qui crée un déficit calorique de 200 calories, et quelqu'un qui fait pas de musculation et qui crée un déficit calorique via euh, une restriction alimentaire de 200 calories, les résultats euh, au bout de 6 mois ne seront pas les mêmes. Bah non, il y en a un qui ah. sera plus musclé que l'autre. C'est ça. L'autre, ça sera une feuille. C'est ça. Mais qui courra plus vite. <rire> <rire> qui courra plus vite C'est bon. Vide, parce il, sera, bah, il sera plus léger, j'imagine. <laughs> bah non, 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 c'est ça que je te dis. C'est qu'en termes de poids, t'auras sans doute pas de différence. Ah, t'auras pas de. Hmm. Ah, je te challenge. Mmh, attends, je mets cadre <laughs> Je te challenge. Et tu peux m'expliquer comment ça se fait Bah, c'est juste qu'en fait, les demandes que ton corps il s'adapte à ce que à au stress que tu lui imposes, à la demande que tu lui imposes. Si tu lui imposes pas de maintenir ton euh, ta masse musculaire ou même de la développer, parce qu'en fait, ça c'est un truc que, que les gens ne savent pas forcément, mais tu peux construire de la masse musculaire en déficit calorique, parce que le corps est bien fait, il peut utiliser oh. en fait. Euh, les calories qui sont euh, utilisées par euh, la, la lipolyse. Euh, oui, pour les mettre au, au bon endroit. Euh, exactement, aux endroits ouais. référentiels. Donc tu peux euh, potentiellement avoir une évolution du poids. Voilà. <laughs> Mais tu, justement, tu vois, sur cette histoire de, de calories, de dépenses caloriques, euh, d'apports, de déficits, etc., il y a un truc qui avait été beaucoup euh, pris, c'était le, avec les films. se dire euh, Avec les films avec l'IFIFIM ou films sur macro. Ah, oh, ok. IFIM C'est ça film Oui, je peux me... bon, sur macro, oui. Ouais, pardon. Euh, de se dire, euh, ben, c'est pas qu'une question de calories. C'est pas qu'une question de calories parce que 2000 calories de Kinder Bueno, ça n'a pas le même impact physique que 2000 calories de Barbac, par exemple. Bah, en fait, euh, c'est ce que je te disais avant, c'est que. Euh, si les macronutriments sont les mêmes, donc par exemple tu consommes euh, du sucre pour les glucides, du beurre pour euh, les lipides et euh, des protéines en poudre pour les protéines, et tu arrives à un total calorique et une décomposition macro qui est équivalente, l'évolution corporelle sera équivalente sur une certaine période. Après, le problème, c'est que tu as tout, euh, tous les micronutriments qui vont te, te, est ça. Et sur le tu vas te désagréger. voilà <laughs> Et sur le long terme, ça ne sera, ça sera pas le même résultat, en fait. OK, mais alors là, tu prends en compte euh, si les trois macros sont les mêmes en termes de quantité. Maintenant, hmm. tu vois, là, j'ai pris l'exemple de Kinder Bono, donc il y a que du sucre et que du, de, ah bah, des lipides. Ouais, ben, et de notre côté, que des protéines et pas l'inverse. Bah, euh, tu auras pourtant... une perte de poids. Genre par exemple, tu prends et... deux personnes obèses. Okay ouais. Tu en as une qui a une, une alimentation... Euh, euh, intelligente entre guillemets avec un bon rapport entre les macronutriments et euh, des des aliments sains entre guillemets mm -hmm. et l'autre qui est avec le même déficit calorique donc par exemple 300 euh, calories de déficit mais qui mange que des Twinkies c'est quoi ça les Twinkies c'est des trucs américains j'ai utilisé Twinkies parce que c'est un il y a y vraiment un mec qui a fait ça il y a vraiment un mec qui a fait ça T'as t'as plusieurs mecs qui l'ont fait. T'en as un qui l'a fait avec euh, des glaces Ben Jerry's ça en mangeant que des glaces Ben Jerry's et en prouvant le poids que tu peux quand même perdre du poids en mangeant que des glaces Ben Jerry's. Et y a un mec qui a mangé exclusivement des Twinkies tous les jours. Ça a l'air dégueulasse. <rire> <rire> enfin, je sais pas. Mais... Espèce de, ça n'aurait même petit... pas envie de le faire, quoi. Tu vois. C'est un espèce de petit. Euh de petits gâteaux fourrés à la crème. Ouais, euh, ça a l'air dégueulasse. Mais dans tous les films américains, ils sont obsédés par les Twinkies. Je sais pas si tu as ah ouais. Bah les donuts, moi souvent. Euh, J'ai remarqué, les donuts ils sont. T'as pas regardé ça. Zombieland Si, si, si. Je te rappelles Zombieland. pas le mec, il est, il essaye de trouver les derniers Twinkies, etc. Non. Non, et je m'en souviens. Fait, je, ouais, souviens plus. Je, je veux trop trouver le dernier page de Twinkies et tout. Moi. Non, tu te rappelles pas Non, ça je me souviens il est pas. C'est génial ce film d'ailleurs. J'adore Zombieland avec euh, le Mark Zuckerberg euh, fictionnel. <laughs> Euh, Ducy Eisenberg, je crois qu'il s'appelle. Et du coup, euh, bah, le mec, il a prouvé le point que, que je te mets en avant, c'est que tu peux perdre du poids en mangeant euh, de la merde. Donc il a perdu euh, la même quantité de poids. Mais euh, il aurait ah perdu la même quantité de poids que le mec qui mange. Euh, ouais, ouais. Bien. alors il l'a fait tout seul, donc euh, il n'avait pas un jumeau pour comparer. Mais en gros, euh, c'est juste pour prouver que le déficit calorique, euh, c'est le seul truc qui va dicter euh, ton évolution de poids, en fait. Quels que soient le, les aliments que tu manges. Et au niveau de, de, de sa santé, enfin d'autres paramètres ah, qui sont autres que la, la prise de poids Est-ce qu'il y a des choses qui ont été C'est pour ça que je te dis, après, sur le long terme et en termes de santé, longévité, etc. <laughs> clairement, manger de la merde et, et, et des Twinkies, bah, on sait que ça n'aura pas un impact positif parce que tu vas, tu vas manquer de plein de trucs. Mais, Mais est-ce que le mec a pas perdu, a pas perdu plus de muscles euh, que celui qui se ce sera Potentiellement. Mais là, on parle de, de poids, en fait. C'est quand même, euh, c'est marrant parce non, que hein, c'est de des gens... maths qui en même temps c'est des, y a, y a des plein paradoxes de quoi. Ouais, il y a plein de gens qui ont du, qui ont du mal à comprendre ce concept de, de composition corporelle aussi, tu vois. Dans le sens où ouais le poids c'est une composition de tout, il y a du gras, il y a du tissu musculaire. Donc ça, ça veut dire que eaux. ce mec-là qui aurait fait ça, il aurait remanié sa composition corporelle de sorte à ce que le poids qu'il a perdu est, égale, est, est, est égal à celui qui, qui, qui aurait fait un régime normal, enfin qui aurait mangé normalement, mais avec le même niveau de déficit. Sauf qu'il aurait remanié, c'est-à-dire qu'il aurait perdu plus de, de, de protéines. C'est comme si le corps se disait Tiens, je vais perdre mathématiquement, il y a ça qui va perdre, mais je vais le répartir différemment euh, par rapport à ce déficit-là. Je ne sais pas si je suis clair. Bah, en fait, euh, euh, la nourriture, les calories, c'est l'énergie dont tu as besoin, en fait. Euh, c'est comme ça qu'on métabolise l'énergie pour fonctionner, mais pour tout, tu vois, pour faire fonctionner nos neurones, pour faire euh, du tissu, euh, ah. etc. Euh, et donc le corps, il a un certain besoin, et si tu lui apportes pas ses besoins, bah, il est obligé de, de sacrifier en fait euh, des, des, éléments. des éléments pour euh, recréer de l'énergie à partir de là. Donc tu, 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 tu fais fondre de la graisse pour récupérer l'énergie que tu as stockée, c'est le processus euh, le plus habituel mais potentiellement quand tu as plus de plus de graisse ou que potentiellement tu bouges pas suffisamment et que tu dis pas à ton corps bah j'aimerais bien maintenir ma masse musculaire celle qui se barre tu vois si 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 tu euh, si tu ta masse musculaire tous les jours ton ton corps il va essayer de la maintenir le plus longtemps possible en fait mm. en sacrifiant ce dont il a pas mm. besoin et généralement ce dont il a pas besoin c'est les stocks de graisse qu'il a qu'il a qu'il a mis en place rappelle-toi que le corps en fait on est encore une fois on essaye de, de de compliquer les trucs etc mais c'est juste une machine à survivre en fait quand tu pars de ce Constat là, c'est que ton corps il veut toujours que tu survives le plus longtemps possible. Si tu obligé de courir euh, euh, pour t'enfuir d'un tigre tous les, tous les jours, bah il va pas sacrifier les muscles de tes jambes parce que potentiellement si tu es en train de courir, etc., ton corps il comprend que c'est un besoin vital. Ok Il va pas dire ah ouais bah non. Là, je conserve ma masse graisseuse, mais par contre, t'es mu, je les enlève parce que, Balek, bah non, tu, tu vas mourir donc. Euh... C'est d'ailleurs, on se rend pas compte à quel point le corps est résistant parce que quand on voit euh, certains qui se, qui se trimballent une obésité euh, pendant 30-35 ans en fumant des clopes, en bouffant n'importe quoi, moi je suis souvent surpris, certains, sur certains, enfin certains physiques, euh, sans dédain aucun, <laughs> ou presque, de voir et de me dire, mais c'est quand même incroyable que cette personne-là en face de moi à 150 kilos sans fil clopes et toujours vivant. Et là tu te dis l'organisme est quand même résistant. Hein? Et donc euh... ouais alors après il y a des gens qui ont plus de chances que d'autres tu vois. Aussi 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 et mais ça... mais ça te prouve que quand même il y a une résistance avérée. Et, et et quand tu vois ça ça te dégoûte un peu tu vois surtout quand tu vois je sais pas tu vois si t'as perdu un proche ou un truc comme ça tu dis bah putain c'est pas juste euh, il, prend, il prend même pas soin de de son corps etc. Mais moi ce qui me ce qui m'impressionne encore plus en termes de, de résistance c'est tu vois quelqu'un qui, qui est en obésité, euh, tu vois, qui, est, qui a 150 kilos, qui devrait être potentiellement à 70 kilos. Tu dis le mec, il se trimballe, de 80 fond. kilos, de, un sac de 80 kilos sur lui, de tout le temps. Mm. Essaye de te balader avec une barre de 80 kilos, de monter les escaliers, de t'asseoir, de te relever, et tout. Mais c'est c'est l'adaptation. Hein. Ouais, mais c'est dingue. Mm. Est-ce que les, des études, euh, les études ont, ont montré que euh, plus ça fait longtemps que tu as de la masse musculaire, que tu l'entretiens, plus elle va avoir du mal à partir, ou en tout cas elle va être considérée comme acquise euh, par ton propre corps et, et, et ce qui revient à la question, est-ce que la mémoire musculaire existe finalement tu vois? Alors la mémoire musculaire, ouais, clairement euh, c'est montré, c'est répliqué euh, euh, dans les études. Euh... Et même de manière anecdotique, c'est super facile à voir de quelqu'un qui, qui arrête de s'entraîner pour une raison ou une autre, qui se remet à l'entraînement et qui en 3 à 4 secondes euh, ouais. récupère super rapidement. Ce qui est fantastique d'ailleurs. Euh, c'est plus dur de créer du nouveau tissu, des nouvelles cellules musculaires, tu vois, que de récupérer en fait. Euh, c'est pour ça que les gens, ne devraient pas avoir peur du désentraînement trop, etc. parce que tu récupères très vite. Et... Euh, et, et pour répondre à, à ta question de, de est-ce que c'est acquis, etc., bah, encore une fois, c'est si tu ne l'utilises pas et que ça a un coût calorique élevé, bah, potentiellement... Ça euh... va disparaître. Même si ça fait 20 ans... Par exemple, ça fait 20 ans que tu fais du bodybuilding, ouais. un, un pro, que ça fait 20 ans qu'il ferait du body. Euh, on ne prend pas en compte tes produits dopants, Ça, ça c'est encore autre chose. Oui, mais là, si tu parles d'un pro, c'est super important. Bon, alors on ne parle, parle pas d'un pro, on posons, parle de mettre fait un athlète fait, naturel. Athlète bodybuilding, naturel, ça fait 20... 25 ans... Euh... Exactement. Ça fait 20-25 ans qu'il s'entraîne tous les jours pour sa santé, pour prendre un peu de, un peu de muscle et tout. Il ouais. est, voilà, le culturisme est naturel. S'il décide de s'arrêter, alors c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire conserver ta masse musculaire que ouais. tu as acquise est beaucoup plus facile que de continuer à progresser. Et on a des études qui montrent que euh, seulement un neuvième de ton volume d'entraînement est nécessaire pour euh, conserver 99% de ta masse musculaire sur 30 semaines. C'est-à-dire que tu bosses comme un acharné pendant 20 ans, et à partir de, euh, en gros, hein, à partir de 20 ans, tu peux en faire beaucoup moins et encore conserver les mêmes résultats que ouais. ce que tu as acquis. Ouais. Et à partir de combien de temps ça va partir si tu arrêtes, comparativement à quelqu'un qui aurait uniquement fait du culturisme pendant un an? Ça va mettre beaucoup plus de temps à, à disparaître parce que le corps va se dire, attends, ça fait 20 ans qu'il est là, non, est assez, donc est assez... est ça fait ouais. partie intégrante de moi. C'est là où c'est un petit peu bâtard, en fait, euh, en termes de, de conservation, mais si tu stimules pas, si t'as pas, euh, tu vois, ce, cette demande en fait de stimulus au corps de conserver euh, les acquis euh, et encore une fois le muscle c'est très consommateur d'énergie en fait donc euh, le corps il va euh, surtout quand quand es musclé etc il va s'en débarrasser et en vrai à partir de euh, à partir de 10 à, à 15 jours tu, tu vas commencer à, à perdre de la masse musculaire si tu même le... après 20 ans vraiment ouais, si tu ouais, si tu le si tu si tu fais rien potentiellement tu te mets dans un lit ouais à partir de là tu vas commencer à perdre ouais qu'est-ce pour un gras mais encore une fois regarde oui c'est l'internet ouais mais t'as besoin de, de, de très peu d'efforts pour le conserver et même si tu le perds tu vas avoir besoin de faire très oui, peu oui, d'efforts oui, pour oui, le récupérer oui. donc c'est pas si ingrat en fait c'est juste qu'il est ton corps il essaye d'optimiser au maximum en fait tu vois genre tu l'utilises pas il se dit ouais mais attends là ça me coûte énormément en énergie euh, moi si je veux perdurer dans le temps et, et vivre aussi longtemps que possible bah j'en ai pas besoin en fait donc il et en même temps, il, ton corps, c'est marrant parce qu'il est très pragmatique, tu vois, tu t'en sers pas, je le perds, je suis désolé, mon gars, c'est comme ça, je veux dire, t'en as, as pas besoin, c'est qu'on d'énergie. énergie. Et en même temps, il est pas trop sale non plus. Il reconnaît les efforts que t'as fait pendant 20 ans et, et, il, et il se dit, bon, mais parce que tu peux une le conserver de... plus facilement, c'est-à-dire que c'est... Voilà, mais parce que c'est une question de survie encore, tu vois. C'est que si t'en as eu besoin pendant 25 ans, c'est sans doute important. Ouais. Et quand t'en aura besoin, il faut que tu puisses revenir à ce statut aussi vite que possible, potentiellement. Alors ça c'est hyper intéressant parce que ça me fait penser à quelque chose. Euh, Est-ce que ça voudrait pas dire qu'il faut faire attention aux conseils que donnent les gens qui ont plus de 20-25 ans d'entraînement par rapport à leur entraînement actuel parce que justement ils ne reflètent pas ce qui leur a permis de prendre du muscle mais ils reflètent uniquement ce qui leur permet de le conserver à l'instant T Oui euh, C'est une conversation que j'avais il y a pas longtemps avec un pote à moi sur euh, je sais pas si tu connais un mec qui s'appelle Kino Body, euh, Grégo Gallagher oui, je vois, je vois très bien tu qui c'est. Oui. Euh, naturel Je pense. Il, y a, il, y a beaucoup de, il a un physique de... de, de ouais, fou de, furieux. Mais je pense qu'il est natif. Ouais. Et euh, il est, c'est genre le mec qui s'entraîne depuis qu'il est jeune, euh, qui a... Enfin, qu on une, est tellement qui disent non, mais lui, jamais de la vie. Jamais de la vie. vie. Et pourtant, génétique. il, se, euh, ouais, qui a une il se dit naturel. Élite. Hein. Et si tu regardes, il n'a pas trop évolué sur, euh, sur les six dernières années, tu vois. Mm. Euh, dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus musclé, mais il n'a pas... Il n'a pas une variation, tu vois. Genre, euh, donc, moi, je pense qu'il est naturel. Euh, mais c'est un langage que moi, et je ne sais pas à 100%. Oui, hein. non, non, mais tu sens logique euh... Mais tu vois, par contre, là où je pense qu'il est... Alors, soit il ne sait pas, soit il est un peu malhonnête par rapport à ça. C'est que euh, là, il... dernièrement, c'est vachement genre... Euh, je vais essayer de le montrer à l'écran. Euh, ouais, bah, regardez. Euh, vous n'avez pas besoin de vous entraîner tant que ça. Vous pouvez être comme moi avec seulement trois entraînements par semaine, tu vois. Mm. Et c'est ça. C'est là la problématique, c'est que en vrai, quelqu'un qui démarre... il dit ça. Il dit, vous pouvez être comme moi. Bah en fait, ce qu'il vend, c'est euh, ouais, bah c'est ça. C'est son physique. Regard... Ouais, il a un physique de fou. Et déjà, euh, personne, enfin euh, il y a très peu de gens vont atteindre son physique déjà, hein, pour commencer. Hein. Même avec euh, 10 000 entraînements par semaine. Hein. On, on est d'accord, mais euh, mais c'est ce qu'il vend. Et du coup, euh, euh, les gens ils disent bah ouais, mais bah regarde, il s'entraîne vraiment que trois fois par semaine et regarde son physique. Ouais, c'est clair. Hum. Mais combien, quel a été son volume d'entraînement pour arriver là où il en est? C'est là où c'est parce que sa vie elle a évolué en fait, tu vois. Ouais. C'est passé du mec qui était euh, genre fan de musculation et qui faisait que ça et qui sans doute qui se butait pour arriver au physique qu'il a mm -hmm. et maintenant c'est un businessman euh, qui vont enfin euh, tu vois genre qui... En plus il a des compléments. Euh, ouais, c'est ça, il, il a, a un il petit a, il peu a plein tout de, trucs, le les accessoires, enfin euh, il fait plein de trucs et du coup sans doute il a moins de temps de s'entraîner et c'est peut-être pas forcément son focus et il s'est rendu compte putain mais avec seulement trois entraînements par semaine en fait, je m'en tiens easy, tu vois. Donc bah ça veut dire que c'est suffisant pour tout le monde. Alors que pas forcément. Donc, Je ne sais pas s'il le sait. Il est branché études, lui, euh, très euh, science-based tout ça Quand ça l'arrange, je crois. <laughs> bon, okay. je vais dire comme tout le monde. Hein. <laughs> ok. Ça t'est pas arrivé, toi, de, des fois, de de, 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 de de dire, ah putain, là, je me suis quand même un peu servi des études pour corrobor corroborer quelque chose que j'ai envie de faire passer non, parce que comme tu le disais tout à l'heure, la vérité c'est important pour moi. Euh, et bon, je voulais le montrer, j'arrive pas, la, la connexion ne fonctionne pas donc okay. je peux pas montrer le Kino Body, mais K-I-N-O K Body, ouais. euh, pour ceux qui veulent aller regarder, qui ne le connaissent pas, il est, il est, il est très présent sur le marché américain. Ouais, ouais de ouf. Euh, ouais, est-ce que j'ai été biaisé Alors, on est tous biaisés en fait d'une certaine manière. Tu vois, genre, euh, c'est le, le principe du biais, c'est que tu n'en es pas, en es ouais. pas conscient. Après, je me considère comme un vrai scientifique et je remets toujours euh, les choses en question et j'ai pas de mal, enfin, bon, ça, ça dépend parfois plus que d'autres, mais à, à admettre que j'ai tort sur sur un point. Tu vois, je pense que c'est important pour avancer. Euh, J'essaye de mettre mon ego de côté euh, autant que possible et tout, mais euh, mais ouais, j'ai fait des erreurs euh, comme tout le monde. Euh, j'ai euh, j'ai pris euh, Enfin, tu vois, j'ai mis en place des trucs, que ce soit dans mes programmations, euh, dans mes recommandations qui ont évolué aussi euh, dans le temps. Euh. Mm. Donc, euh, ouais, ça fait partie du truc. Je pense que si tu changes pas, c'est là où, où tu as un gros problème, quoi. Sur. Euh, alors, que, que dit la science, là aussi, sur la fréquence d'entraînement Que dit la science J'aime bien ce mot parce que, tu sais, ça résonne. C'est la dixième fois que tu le dis. <laughs> ouais, que que disent les études dit, probablement, <laughs> probablement le titre que je mettrai à cet épisode. <laughs> que dit euh, la science Que dit la science sur. Euh, mais sur la fréquence d'entraînement, sur le volume intensité, là aussi ça part dans Oula. tous les sens. Alors, euh, à chaque fois, je, je pose la question comme si l'invité allait avoir euh, la vérité absolue sur la question. Bon, là, il se trouve que je suis en face de moi, euh, que tu es. Hum, je suis vérité. <laughs> déjà, c'est un, <laughs> <'est> un biais. <laughs> euh, non, mais que, alors, en termes de fréquence, on entend deux fois par semaine, on entend plusieurs fois par semaine, volume intensité, euh, sur surcharge progressive. Bon ça c'est vrai ouais <laughs> j'aime bien tes questions euh, larges ouais, qui sont très larges qui euh, sont... en fait me Névine, les... ce, sont... Mal à toi. <laughs> ce sont toujours les questions que les gens se posent euh, je sais pertinemment que c'est un enfer d'y répondre quand tu la poses pas de cette manière-là, parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de, de facteurs à prendre. En compte. Ah ouais. On va juste parler. Euh... Non, 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 mais vas-y, vas-y. Non, je... mais pour une prise de masse, en gros, pour prendre de la masse musculaire, ce que 90% des mecs veulent lorsqu'ils vont en salle de sport. Ouais. Hein, je pense que c'est surtout ça, le physique de plage. Euh, en termes de fréquence, c'est quoi Une fois, deux fois par semaine chaque muscle, l'idéal Je pense que c'est 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 pas mal, tu vois, genre euh, euh, deux fois par semaine. Euh peut-être si es vraiment, euh, euh, ouais, je, je pense que deux fois par semaine, c'est, une bonne fréquence. Après, tu peux, tu peux augmenter si tu sens que tu récupères et que t'as, as, as l'expérience pour. Euh, moi, c'est généralement ce que implé enfin, ce que je dis à tout le monde d'implémenter, tu vois, d'avoir une fréquence de deux à peu près par semaine. Euh, et, et c'est pas mal ou un et demi tu vois si t'as un roulement qui dépasse la semaine parce qu'on aime bien ce, on aime bien avoir ce format de semaine mais en fait oui. euh, le corps il s'en fout euh, que oui, ce soit il se dit pas tiens on est lundi <laughs> on redémarre zéro quoi c'est ça <laughs> euh, ouais. mais c'est plus facile en termes d'organisation euh, après en termes de, de volume d'entraînement bah euh, je suis un petit peu plus euh, euh, comment dire conservateur qu'avant euh, c'est à dire bah, C'est-à-dire qu'avant j'avais tendance à, à envoyer la sauce sur le volume et maintenant je me rends compte que tu peux avoir euh, souvent des résultats qui sont très bons avec euh, peut-être un volume un petit peu en dessous de ce qui sort dans les recherches si tu as une intensité qui est, qui est, qui est suffisante. Mais ça euh, c'est parce que ça fait euh, plusieurs années que tu t'entraînes donc du coup c'est biaisé. Euh, non non mais je te, je te dis par rapport euh, aux résultats que j'ai avec les gens que je coach Ok. Ah, okay. tu prends en compte, tu prends bien en compte quand même le, le, une certaine forme de. De pratiques, d'expérience en dehors des études. Malade, bien sûr. C'est super important. Super important. Euh, mais, ça, ça va pas forcément à l'encontre. Euh, tu vois, genre, encore une fois, il, 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 les études, ça te manque des, des choses, mais le contexte est important, en fait. Donc, le contexte de l'étude est tel, et après, le contexte que tu peux appliquer sur une personne ouais, n'est pas forcément le même. Donc, euh, les résultats seront pas forcément les mêmes non plus. Ça t'oriente, mais, mais. Comment les études ont pu démontrer que. Euh, enfin, comment Ça se trouve, c'est très simple, tu vas me le dire. Comment les études ont pu démontrer que s'entraîner deux fois par semaine, euh, avec tel type de volume, c'était euh, ce qui était le mieux Bah, c'est. En vrai, c'est très simple. C'est qu'ils prennent deux groupes, ils font faire les mêmes entraînements. Euh, alors, potentiellement, tu vois, pour la fréquence d'entraînement, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils prennent deux groupes, euh, et il euh, y en a un qui va avoir une fréquence de 1, euh, ou même plusieurs groupes, tu vois. une fréquence de 1, une fréquence de 2, une fréquence de 3, avec les mêmes exercices, le même volume total, c'est-à-dire que par exemple, la personne qui a une fréquence de 1, elle fait 6 squats le lundi. La fréquence de 2, euh, il fait 3 euh, squats le, mmh. le lundi et 3 squats le jeudi. La fréquence de 3, bah, peut-être lundi, mercredi, euh, samedi, etc. Okay. Et après, au bout de X semaines, il regarde les résultats en termes de développement musculaire, euh, en termes de force, etc. Et c'est souvent fait sur des débutants, ça non Pas forcément, non. Non Ça Pas a été forcément. fait aussi sur des gens qui s'entraînaient depuis quelque temps déjà ça arrive. Alors, c'est, c'est, ça dépend de d'une recherche à l'autre. Parfois, c'est sur des débutants. Euh, parfois, c'est sur des gens qui ont un petit peu plus d'expérience. Parfois, c'est des gens qui sont un petit peu euh, plus âgés, etc. Donc, euh, tu, tu fais aussi avec avec ce que tu as. Et c'est des choses à prendre en compte en fait dans ton dans ton dans ton analyse. Tu vois. Et c'est pour ça que souvent les gens qui sont un petit peu anti euh, anti science parce que ça, je sais, je sais pas, je sais pas pourquoi tu peux être anti science en fait, mais euh, mais bref il euh, y en a qui le sont tu vois qui ah ouais mais les études les études euh, moi je suis pas comme euh, ces mecs euh, dans les études euh, je suis pas un vieux ou où... je suis beaucoup plus fort etc et et oui potentiellement mais ça veut pas dire que tu pas... Arrêtez de se branler sur des papiers euh, faut aller pousser <laughs> à la salle c'est ça ça veut pas dire que tu peux pas prendre des informations à partir de là et que ça t'oriente encore une fois euh, euh... Mais, mais 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 il faut accepter de sortir de son biais tu vois et là Surtout quand ça va à l'encontre de ce que tu crois, de ce que tu penses. Ouais. Oui, et, puis, et, et, et de ce que tu répètes pendant depuis, depuis plus de 10-15 ans, c'est encore ah ouais, plus ça difficile de revenir ça en arrière. C'est vraiment difficile. Ouais. Ouais. Euh, et là, sur ce cas-là, euh, ce que tu m'as expliqué là, c'est le cas de la... Mike, Mike O'Hearn. Tu connais Mike Earn ah, Bien sûr, je connais Mike O'Hearn. Nat <laughs> King. <laughs> lui, c'est vraiment difficile pour lui d'admettre qu'il n'est pas naturel. Ça fait 20 ans qu'il dit qu'il est naturel. Et ouais, ouais c'est le, le biais de, de je sais pas quoi. Pose euh... la question est-ce que Mike Hearn est naturel Jamais. Impossible. Impossible pour toi, c'est certain Impossible. Impossible. Et la physique de malade. Mike Horne. J'en ai discuté un petit peu avec euh, From you To God. J'avais fait l'épisode avec okay. lui, euh, 192, je crois, avec Efkan. Euh, avec euh, Monsieur Kurnaz. Il m'avait dit, il m'avait dit... Euh, <coughs> je sais plus si c'était lui ou un autre, non, mais il m'avait dit qu'il avait gardé un très bon souvenir. Euh, que ça s'est très bien passé avec lui. Il était très sympa. Euh, je crois. Bon. Euh, bah, c'est un cool. ricain en fait donc euh, il va être super sympa oui mais certains un peu plus tu vois une fois que la caméra s'arrête ils sont un peu plus ils, font, ils en ont un peu plus rien à foutre ouais mais je sais plus alors, autant, autant pour moi mais il faut aller écouter l'épisode je me souviens plus si c'était de lui qui parlait Mike Warren, ou si c'était notre avec qui il avait fait un feat aux Etats-Unis je sais qu'il s'était très bien entendu avec Lazar Angelov ok euh, très sympa mais euh, enfin bon sur ton étude là, sur l'histoire de la fréquence, donc euh, quand on fait trois trois squats le lundi et trois squats le mercredi, t'as plus de chances de, enfin t'as plus de chances. Tu prends plus de masse musculaire que si tu fais six squats uniquement le lundi. C'est ça que ça a démontré. Ouais, en fait, et, et, et ça s'explique un petit peu sur le sens que bah, si tu enchaînes six séries de squats. Alors c'est un exemple. Hein, les études elles, elles ont été faites un petit peu différemment de ça et avec d'autres exercices, etc. Mais euh, potentiellement en fait euh, tu vas pas avoir autant de capacité sur euh, sur tes trois dernières séries en fait okay? parce que tu es déjà fatigué de tes trois premières séries donc potentiellement le volume intra euh, série va être euh, plus faible que si tu le splits en deux en fait parce que tu auras plus d'énergie à chaque fois que tu vas faire ton squat mm -hmm. et c'est pour ça que splitter euh, ton volume avec une fréquence euh, différente va potentiellement te permettre D'avoir plus de volume en fait à chaque fois et plus de volume va potentiellement créer plus de croissance musculaire. Ok, et donc voilà, on n'est pas sur la force. Si je te demande de faire 10 séries de squat là, ou si je te demande de faire 5 fois 2 séries de squats, tu sais que tes 5 fois 2 vont être de meilleure qualité que si tu fais 10 séries d'un coup en fait, tu vois. C'est un, un peu pour ça que, que la fréquence a... Mais après, il y a le côté récupération aussi, tu vois. C'est-à-dire que potentiellement, bah, si tu squattes tous les jours, euh, est-ce que ton tissu conjonctif, euh, tes articulations, etc., vont réussir à récupérer Peut-être, peut-être pas. C'est un compromis. Il faut arriver à trouver l'équilibre entre la récupération de l'un, la croissance des autres, euh, sachant que tout ne se passe pas. ta récupération, même. tu vois, euh, ta récupération de manière individuelle. Euh, Quelqu'un euh, qui... Euh, et ici, euh, tu vois, qui, fait, qui respire, qui vit, euh, euh, tu vois, genre euh, entraînement, qui mange correctement, qui va au sauna, qui est relaxe, euh, pas de pression, etc., va récupérer, et qui dort bien, ouais. surtout, surtout ça, qui dort bien. Euh, va récupérer beaucoup mieux que quelqu'un qui habite à Paris, qui court à droite à gauche, qui a une mauvaise alimentation, qui euh, qui a beaucoup de stress sur son travail, etc. Tu vois T'as étudié toi bien la récupération aussi, c'est un truc qui t'a ah bah oui ça fait côté... partie de ah ouais. non mais c'est souvent le bah, alors c'est souvent le pilier qui est le moins euh, le moins respecté c'est le côté de que de récupération c'est le plus dur en vrai parce que c'est celui où c'est l'implémentation est plus difficile je trouve mais pour tout le monde hein, même pour moi c'est le premier truc on que parle, je sacrifie. On parle du sommeil là ou on parle pas que du sommeil ou d'autres choses pas que, pas que du sommeil, la récupération en général, c'est le truc qui est le plus sacrifié. Mais le sommeil, c'est le pilier de la récupération. Ouais. C'est hum. le truc le plus important et c'est le truc qui est le plus sacrifié par la plupart des pratiquants. Oui, parce qu'on n'en voit pas... Le... Alors des pratiquants, des non-pratiquants, on n'en voit pas l'importance ouais. à ce point-là. J'ai lu le, le bouquin ⁇ Pourquoi nous dormons ⁇ très récemment à l'éterniste. Ça crép pas avec quand hein, même, je m'attendais pas. Ah, à ça. Ouais. Ouais, euh, ouais. Bon, je l'avais sur ma, sur ma liseuse, mais ça m'a pris plus de temps que je, je ne le pensais. C'est vraiment intéressant. Je, ça explique vraiment le fonctionnement du sommeil. Beaucoup, euh, tu l'as pas lu Si, si. si vois, il y a beaucoup d'études, tu vois, ah ouais, il explique tout ça. Donc, c'est assez bien fourni et, euh, et, et expliqué. Après, il est beaucoup moins dans l'auteur, euh, hein, dans le, le conseil pratique il y en a du conseil pratique un peu à la fin. Il y a les, les grands principes pour bien dormir, pour bien récupérer. Mais c'est vraiment intéressant de voir que, euh, bah une anecdote, hein, euh, que quand t'as pas dormi, euh, c'est après 16 heures d'affilée euh, en, en éveil, euh, ton esprit, c'est enfin, ton, ton, ton cerveau, t'es un peu dans l'équivalent de la limite d'alcoolémie. Ouais. Et ça, non, personne mais... le sait. Tu vois. Non, mais... Et donc, ça fait plus de morts presque que d'alcool au volant euh, parce que bah, ça diminue tes réflexes, ça diminue ta, ta, vigi... ta vigilance, etc. Quoi. Mais c'est dingue ta capacité cognitive euh, quand, quand quelqu'un dort pas assez fou. et ça va assez vite. C'est terrible en fait. Et les gens ils s'en rendent pas compte, ils ont l'impression non, mais ça va, je me sens bien, etc. Mais en fait, t'es à <laughs> as 60% de tes capacités et tu le sais même pas en fait parce que c'est une fatigue chronique. Ouais. Le problème du sommeil, c'est que c'est un peu comme les calories d'une certaine manière. C'est que quand tu crées un déficit. Au fur et à mesure, c'est pas parce que t'as une bonne nuit de sommeil sur ta semaine que tu peux récupérer euh, ta semaine euh, de 5 heures de nuit en fait. Tu vois. Et oui, c'est le sommeil. Tu ne le rattrapes, euh, le sommeil manquant, tu ne le rattraperais pas. C'est ça. Disons. Et ça fait partie des. Euh, je fais mon plug pour notre newsletter aussi, euh, Jérôme. Euh, on a aussi, euh, je, je biprais, un, un mini un mini cours par euh, email pour Bison On a okay. genre vingt. Euh, 20... Sur le sommeil. Bah, en fait, il y, y, y a un des mails euh, qui reprend justement euh, l'importance du sommeil, et en particulier l'importance du sommeil pour euh, euh, la perte de graisse. En fait. Et en gros, tu as deux groupes, et donc là, c'était en, en, en essai contrôlé et randomisé, donc euh, vraiment deux groupes euh, que tu maîtrises avec euh, les, les heures de sommeil. Donc tout est identique, sauf, donc tout est identique au niveau de l'alimentation, la seule différence, c'est au niveau de, des heures de sommeil. Et en fait, tu as un groupe qui est... Euh, tu as une restriction du sommeil du lundi au vendredi et mmh. ensuite le samedi et le dimanche ils peuvent dormir autant qu'ils veulent mmh. et après l'autre groupe euh, je crois c'est euh, euh, peut-être 8 heures ou 8, un petit peu plus de 8 heures de sommeil par semaine mais tous les jours et l'autre c'est je crois 6h40 de, de moyenne en fait euh, sur la semaine et en fait sans, sur, sans rattraper le week-end bah en fait ils essayent de rattraper le week-end ok mais tous. Euh, bah ils font ce qu'ils peuvent en fait et en fait en termes de composition euh, physique sur euh, un kilo de poids perdu, ok. Euh, sur le groupe euh, qui euh, qui dort suffisamment, bah ils perdent environ 80% euh, de euh, de graisse et 20% de tissu, euh, alors pas forcément musculaire, mais du, du tissu maigre. Et c'est l'inverse pour les gens qui dorment pas suffisamment, donc ils perdent majori majoritairement du tissu euh, euh, de la masse maigre ouais. et, et que 20% de, de masse graisse, graisseuse. Et là tu dis ah ouais. Enfin si tu veux perdre du poids et si tu veux perdre du poids euh, et améliorer ta composition euh, corporelle, tu dis bah faut pas que je merde là-dessus quoi. Hmm. Ouais c'est important et d'ailleurs euh, tu j'avais vu c'était une de tes vidéos euh, où tu montrais des accessoires pour se... <laughs> pour se cacher des les sex toys. <laughs> sex toys. Non, c'était pas celle-là, ça c'était sur une autre vidéo. Euh... ça c'est <laughs> sur mon sur mon Patreon, sur mon <laughs> e fans. On donnera on donnera le nom après si tu veux. Non, pour se cacher les yeux, pour empêcher la lumière du bah, bah, hein. la lumière. T'es toujours, toujours avec. Ah, c'est comment il s'appelle ce, ce euh, truc Alors celui que je j'apprécie particulièrement, c'est Manta Mask. Ah oui, Manta Mask, voilà. Ouais, c'est pour moi. J'en ai essayé plein. J'en ai refilé à toute ma famille. À chaque fois, j'en je, achetais un, je l'ai testé j'aimais pas. Je ouais tiens, regarde, c'est un, un masque de sommeil. Et ça fait longtemps que tu l'as ce truc Ouais, de parce ouf. que cette vidéo, tu l'as tournée il y, y a quoi Il y a deux trois ans, non ouais trois, trois ans, ans. ouais, trois ans je pense. Trois ans. Donc c'est que ça tient. Ouais. Ça a résisté à l'épreuve du temps, ce qui est bon signe. Ouais, alors j'en ai racheté euh, j'ai racheté leur dernière version mais j'ai encore l'autre euh, que que je passe si euh, si quelqu'un en, en veut quand il vient dormir chez moi, ou un truc comme ça. Euh, la découverte que j'ai fait par contre euh, ces dernières années, euh, c'est euh, les bouchons d'oreilles euh, de la marque Happy Heels. C'est une marque suédoise et euh, et si tu utilises des bouchons tous les jours, c'est tellement plus confortable. Genre c'est incroyable, tu peux les mettre tous les jours et pas avoir de tous les jours quoi. h 24 non, Ou, non non uniquement quand tu dors. Quand tu dors ouais, ouais quand ouais. tu dors. Bah si tu veux euh, <laughs> si tu veux te t'isoler, tu peux aussi les mettre tous les jours tout le temps. Qu hein, comment, mais... comment tu l'écris happy heureux e c'est H A P Y ouais. et après E A R S. OK ah oui happy hours OK. Happy yeah. ouais. Ouais. Simple. Je récupère un, la connexion c'est un petit peu compliqué de, de comprendre comment les mettre au début c'est juste un petit coup à prendre mais une fois que tu as compris c'est le bonheur donc véritablement si tu t'empêches de voir de la lumière du jour et que tu t'empêches d'entendre euh, d'avoir de, du bruit avec ces accessoires là je peux mettre là tu je peux mettre là en plein milieu et dormir comme si j'étais dans une grotte quoi tu vois. et, et, et d'ailleurs ce qui était hyper intéressant dans le bouquin pour comme dormant c'est de, de voir que finalement évidemment le, le cycle euh, avec le, le soleil ça impacte le sommeil euh, mais pas tant que ça, c'est qu'on a un cycle, on a aussi un cycle interne, interne. Euh, mais qui, qui, qui et que veut. tu peux essayer de repro Et que c'était une expérience qui avait été faite, c'est qu'ils avaient mis, ils avaient mis des gens dans une dans une dans une cave où il y avait absolument pas de pas de lumière jamais, et que ils reproduisaient quand même un cycle de sommeil euh, avec une heure à peu près précise et une, une heure de réveil à peu près précise. Ce qui montrait que le, est là le où soleil a vont... une influence, mais mais pas euh, ouais. pas tant que ça, quoi. C'est là où ils sont 16 heures dans une euh, 16 heures par jour dans une euh, dans une chambre ou un truc comme ça, non? c'est carrément je, je stop? Sais plus, je sais plus. Je sais plus. Ouais, il y, y avait un truc qui montrait que, que quand les gens, ils peuvent dormir à l'infini, qu'ils ont rien d'autre à faire, qu'ils sont dans le noir, ils dorment, euh, à, à la fin de se réguler, ils dorment environ 8h40 par jour, tu vois. Donc quand les gens, ils disent, ouais, bah, moi, j'ai besoin de que de 5h, 6h de sommeil. Ouais, ouais. Et puis, euh, à peu près aux mêmes heures, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est que. Euh, Mais en fait, ton rythme circadien, il va être basé sur ton exposition à la lumière, comme tu l'as, comme tu l'as dit, euh, sur tes prises alimentaires aussi. Euh, donc euh, ça, ça, ça va avoir son impact. C'est pour ça que quand, par exemple, tu voyages et que tu as un jet lag, le premier truc à faire, c'est d'essayer de ré, euh, réinstaurer en fait, une régularité à, à ces niveaux-là, genre à quelle heure tu manges, à quelle heure tu t'exposes au soleil, à quelle heure tu te couches, etc., pour, mmh. te, pour te reset aussi, aussi rapidement que possible. Et en fait, c'est important d'être assez régulier par rapport à ça parce que tu as plein de processus qui s'activent, euh, euh, qui, 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 qui en fait, euh, que ça soit... Euh, euh, ta sécrétion de mélatonine le soir, euh, tu vois, pour, pour t'aider à, à t'endormir, euh, tous les processus, tu vois, genre, euh, potentiellement ton organisme, il attend une prise alimentaire quand il est habitué à avoir une prise alimentaire à un certain moment et tout. Mm -hmm. Donc, euh, la régularité, c'est important, vrai, ouais, quand on peut. Ouais, je montre à l'écran un peu là le, le Manta masque, Manta Sleep Mask <coughs> que ouais. tu utilises, et celui-là, euh, celui-là, il est bien alors. Ouais, vraiment top. Vraiment top. C'est okay. pas donné, mais franchement, ouais. euh, tu vois, ça tient et et ça marche bien bon d'autres tips un petit peu pour le la récupération euh, peut-être en dehors du sommeil je, bon je renvoie vraiment à, à lire à tous ceux qui sont qui ont envie de d'étudier le sommeil le, le bouquin pour que nous dormons ?» il est rentre très bien je pense qu'il y en a d'autres ah ouais. hein. euh, à part le sommeil comment on récupère selon toi de l'entraînement comment que dit la science sur la récupération bah en vrai, le la récupération active, donc le move tu, tu récupères en ayant euh, potentiellement un, un flux sanguin euh, sur la zone en fait. Donc euh, donc euh, tu vois genre, les rappels. Euh, J'aime pas ce terme, mais oui. <laughs> euh, Gundil qui fait beaucoup de ra de rappels aussi. Ouais, mais tu vois, je, ça, ça m'embête ce terme de rappel parce qu'en fait rappel, c'est juste avoir un volume supplémentaire euh, sur euh, sur une partie, tu vois. C'est genre. Comment t'appellerais ça? Hein? Genre, ah bah, moi, j'ai une fréquence d'entraînement de. Non, je fais euh, chaque groupe musculaire 1, mais par contre, je fais un rappel. Bah, en fait, t'as une fréquence de 2. Oui, mais petite, l'autre. Petite. Qui, mais... est pas, qui est pas là pour. <laughs> c'est une simulation. Quand tu sais, on parlait du volume nécessaire pour conserver sa masse musculaire. Ouais. Bah, un neuvième euh, suffit pour euh, maintenir euh, la plupart de, 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 tes, de ta masse musculaire. Donc, même si t'as un petit rappel, c'est quand même une fréquence de deux, tu vois. T'as une restimulation stimulation Ok, okay t'aimes pas le terme, mais c'est une, une, une re quoi. Une fréquence de deux. <laughs> ah, il veut garder le. Ok, d'accord, c'est bon, ça me va, ça me va. Euh... Ça me va. Fréquence de 2, Ok. Euh... Donc oui, le fait d'amener ramener, amener du, 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 du sang dans la zone, ça ouais. améliore considérablement. Ouais, c'est pour la, ça récupération. Que la récupération active, c'est intéressant. Tu vois, genre euh, 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 comme. Euh... Je sais pas, genre tu, tu, tu vas marcher, tu, vas, tu viens bouger la zone en question, ça va potentiellement avoir un, un flux sanguin et améliorer ta récupération. Ouais. Même okay. chose pour une blessure en fait, d'une certaine manière. Ouais. Et puis en plus, toi t'en es sorti d'une blessure parce que t'avais un souci à l'épaule. Ouais. Dû à un accident coup, de parachute, ouais. euh, c'est ça C'est ouais. ouais. Qu ce que j'ai appris. J'ai appris. T'es tombé. Qu'est-ce que tu t'étais fait à l'épaule Officiellement. Bah, j'ai une. <coughs> j'ai une luxation de l'épaule et. Euh, et ah, eu... c'était luxé elle ouais. était remise en suivant Comment Est-ce elle s'était remise en suivant ou il a, il a, il a fallu ouais, est, ouais. un, pro, un professionnel Sub, qui te la re replacé Non, non, sublux. Sublux ouais, alors. Ouais. Okay. Et, euh, et j'ai une hernie, enfin euh, double hernie des cervicales aussi. Euh. Ouais. Putain, pas wow. ouf. Non, pas ouf. Tu, tu, tu reprends aujourd'hui bien l'entraînement T'es capable de, de faire à peu près tout ce que tu pouvais Je suis à 110%. Ah oui, donc t'es bien. Ouais. T'as tout, euh, tout récupéré. Ouais. Ça m'a pris du temps. Combien de temps quand j'ai eu l'accident, euh, alors la première partie était, euh, c'est vraiment une partie sombre de ma vie, tu vois. Genre, euh, si t'as pas envie d'en parler, euh, non, 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 pas, non, 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 c'est pas que j'ai pas envie d'en parler, c'est juste pour t'expliquer un peu le, le mindset et, et le parcours. Euh, c'est vraiment une période. Genre, quand j'y pense, j'ai l'impression que tout devient euh, sombre autour de moi, tu vois. Genre, c'est, genre, j'étais vraiment, euh... j'étais. En... en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est arrivé à peu près un an après avoir euh, lancé Bayesian, euh et je pouvais rien faire. Genre, je pouvais pas m'asseoir, euh, je pouvais pas dormir parce que j'avais trop mal, euh, je pouvais rien faire. Physiquement, je pouvais rien faire. J'avais l'impression d'être vraiment cassé. Tu peux rappeler juste quand même le, le, con, le contexte de l'accident, comment ça s'est passé euh, ça, Simplement. Hein, mais... Ouais, ouais. Euh, en fait, euh, euh, mon parachute principal ne s'est pas ouvert du tout. Il n'est pas sorti du sac, rien du tout. Oh, la Malfonction totale. Donc, j'ai ouvert le, le, le parachute de secours. Sauf que le parachute de secours, en fait, il. Généralement, il prend compte qu'il y a déjà une première voile qui t'a ralenti. Donc moi, j'étais pas ralenti du tout. J'ai aussi piqué en fait. J'ai perdu ma position et je, je suis allé tête la première euh, vers le sol. Et du coup, j'ai vachement accéléré. Et du coup, en fait, le choc de l'ouverture du parachute de seconde secondes m'a vraiment éclaté. Tu vois, genre comme un pantin au bout de, au bout du. du... Ouais. Des, des 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 lignes. Ouais, ça t'arrête d'un coup. Bah c'est c'est comme si tu te prenais un mur d'un coup quoi. Ouais, c'est ça. Et tu passes de 300 km/h à 20 km en une demi-seconde en fait, tu vois. Donc tu te fais éclater. Euh, bah en fait, ma tête elle a tapé mon sternum, tu vois. Donc euh, essaye de le faire, tu vas voir, c'est pas c'est pas évident. Non non, il y en a un qui essayé de le faire à Bali, il a eu des problèmes. <laughs> ouais. Ouais, c'est ça, exactement. y a fait... mais euh... Non non non, rigole pas évidemment, mais euh, oui, on voit ce que ça peut donner. Donc euh, donc euh, ouais. Euh et euh, ouais ça m'a vraiment handicapé t'es tombé dans le les pommes comment on dit là sur le moment ou pas ouais j'ai perdu conscience euh, j'ai perdu un peu conscience j'avais tu sais genre dans les oreilles genre des acouphènes, genre pi genre j'avais pas trop où j'étais et après j'ai vu le, le sol et je me suis je me suis posé donc j'ai eu de la chance parce que je me suis posé euh, sur un endroit où je pouvais me poser mais je serais arrivé dans une piscine c'était pareil tu vois genre j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit quoi à quoi tu penses au moment où ton premier parachute ne se déclenche pas euh, Quand on n'est pas dans le, le moment comme ça, on se dit que ta vie défile, on se dit que tu as plein de pensées philosophiques, que tu dis que c'est le dernier moment. Euh, et puis souvent, ceux qui vivent des, des, des moments comme ça, ils disent, en fait, tu ne penses strictement à rien, euh, si ce n'est qu'un l'instant T, décide de faire ah, quelque ouais. chose. Comment ça s'est passé pour toi Non, c'est vrai, être totalement dans le moment. Oh, je n'étais pas en train de faire un. Non, pas une tout. prière. Bah, en, vrai, en vrai, ça va vite. On t'a formé pour justement répondre à ce genre de problématiques. Moi j'étais focus sur ok, là là, c'est la vraie vie. Il faut que j'ouvre mon parachute de secours, sinon je vais me scratcher. Et en vrai, tu te dis pas un seul instant, y a 10 secondes du sol. Tu te le dis, tu te dis, tiens, si jamais ça ouvre pas, c'est fini. Est-ce que ça passe dans ta tête ça Non, t'es focalisé sur le, tu dois le faire là. Genre, tu te poses non, pas Non, mais sans créer une option. Non, hein, non mais, euh, mais tu, non, non, tu, tu penses pas du tout. Euh... Es okay. Est-ce que c'est fini Ça, tu penses pas. Non, quoi. non, tu, tu dis OK, euh, là, c'est ce que je dois faire, il faut que je fasse. Euh... Genre, tu t'es tu, tu concentré, tu es focus de ouf, en fait. Ouais, survie absolue, quoi. Ouais, c'est ça, je pense. Après, ça dépend peut-être d'une personne à l'autre, tu vois. Mais moi, c'était ça. Genre, j'ai pas pensé à une seule seconde, genre euh, putain, je panique, je vais peut-être mourir. Non, j'étais genre ça OK, genre, direct, il faut que je fasse ça et tout, parce que sinon. Et alors, tu déclenches le secours Ouais. Il sort, ouais. il te, bah, tu, prends, tu prends le choc ouais. de, le, le, du différentiel de vitesse. Choc de ma vie. Et en, ouais, ouais, vraiment, c'est. Euh, ok, et ensuite tu te poses, et puis tu as faire une, une subluxation en te, en te posant, c'est ça Ah non, non, sur l'ouverture en fait. Ah, c'est sous l'ouverture. Ok, je pensais que tu étais tombé dans le trait et que c'était euh, à l'arrivée ah la, que, que tu t'étais niqué. En fait, vol. le choc est tellement violent, euh, ma tête elle a tapé, j'ai senti. Euh, mon épaule en fait, elle, elle est sortie. Et euh... Comment comment elle sort C'est parce que c'est le harnais qui te. Ouais c'est ça. C'est le harnais en fait qui tirait là et, et en fait moi j'essayais de tirer donc en fait ça l'a ça l'a déboîté comme ça. Ah ouais donc sacrée violence quoi. Et après quand j'ai quand j'ai senti qu'il y avait un truc bizarre tu vois j'ai fait ça et pouf ça s'est remis en fait tu vois. Et tu l'as senti Ah ouais dire. Tu l'entends en plus. <laughs> et comment tu te poses alors euh... Ah bah là euh, normalement tu dois tirer sur les manettes etc mais là j'étais je te dis j'étais. T'arrives à comprendre. Pas de... à toutes mes mes bah, tu prends un choc, mais ça va, tu vois. Genre, c'est fait pour, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est pas ça le pire. Ouais. Ok. Putain, c'est assez, assez ouf quand même. Accident de parachute, quoi. Il y en a beaucoup qui euh, à qui ça arrive Non, pas trop, non. Non, c'est en vrai, euh, c'est assez rare. Après, des, des, des malfonctionnements de ton parachute principal, ça arrive de temps en temps. On dit que la moyenne, c'est une par 100 sauts, je crois, que tu as une malfonction qui te nécessite d'ouvrir le parachute de secours. Euh, mais t'as des gens qui sautent 400 fois sans avoir besoin d'ouvrir le, mmh. le parachute de saut. Oui, c'est des stats après. Même 1000. <coughs> euh... Ah non, c'est peut-être 1000. C'est peut-être 1 pour 1000. Peut-être, ouais. Est-ce que euh, c'est déjà arrivé euh, que le parachute principal ne s'ouvre pas et qu'il y ait également une malfonction sur le parachute secondaire le... ah Oui, bien sûr. Bah, et que fait... là, pour le coup, bah, c'est. Allez, terminé, bonsoir. Ouais, bah en fait, euh, c'est marrant. Ah, t'as pas de chance. Là, hein. Sur la zone où je sautais, euh, quelques mois auparavant, il y avait. Euh, il euh, y a eu un accident, malheureusement, qui est, qui est super rare, qui n'était pas arrivé en 20 ans, mais il y, 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 y a un jeune qui, malheureusement, s'est tué avec double malfonction, mal en fait. Donc, en fait, sa Il n'y a plus rien à ouvrir, quoi. Bah ouais, sa voile secondaire, en fait, s'est emmêlée avec sa voile euh, primaire, et, et ouais, malheureusement, il s'est écrasé trop vite sur le sol et il n'a pas survécu, donc. Euh, euh, putain. Ça doit, ça, ça, doit, ça doit être vilain, bord, hein, au sol. Ouais. Le, le, le truc, c'est que ça, par contre, ça a été très problématique pour moi. C'est euh, genre le, le côté euh, euh, post-traumatique, en fait. j'ai va y repartir. Hein, ouais, ouais j'ai pas eu peur. Bah, j'ai pas ressauté depuis. Ah, t'as pas ressauté Non, j'ai pas ressauté Et c'était en hein, 2000 2018. Ah, et là, tu ressauteras plus. Hein. Si, j'aimerais bien ressauter. C'est juste que, bah, physiquement, je pouvais pas. Et puis ensuite, il y a eu Covid. Euh, en plus, j'étais à l'étranger, j'ai pas eu l'occasion de le faire dans les bonnes conditions. J'aimerais bien le refaire, mais c'est juste que c'est pas en... l'occasion, s'est pas encore présentée mmh. Mais je le ferai, je le ferai. Euh, mais tu, mais tu vois, par contre, les jours d'après, ça a été très difficile. Euh, même les semaines d'après, euh, par rapport à ça, genre, je faisais des cauchemars, je revivais le truc et, et ah ouais, justement... donc syndrome post-traumatique. Ouais, mais justement, Vraiment. tu vois, je je commençais à réanalyser tout ça en fait sur. Putain, euh, j'ai, en fait, j'ai eu trop de chance parce que j'aurais pu avoir une double malfonction et genre, euh, en fait, c'est euh, quand tu sautes et que tu as toujours une vie, il te reste une vie et tout, et bah, comme quand tu joues à un jeu vidéo, tu sais, quand t'as une vie qui te reste et tout, t'es tranquille et tout, mais quand t'as zéro vie qui te reste, bah. bah ça prend une importance, ouais. ouais c'est ça. Et bah, en fait, euh, avec le parachute, c'est ça, quand t'es sur ton parachute de secours, c'est, c'est ta dernière vie, en fait, tu vois il y a, y a pas il y a pas une troisième chance ah si celle-là ne marche pas t'as ouais, plus es, rien derrière t'es niqué et en fait quand tu y repenses tu dis putain mais il y aurait plein de trucs qui auraient pu euh, se passer etc alors évidemment c'est étudié pour enfin ils font des tests et tout mais mais ça je t'assure que ça te passe à l'esprit et le et la nuit ça t'empêche de dormir quoi ah oui ça t'a marqué quoi bah, dehors physiquement psychologiquement bah tu m'étonnes ouais de ouais, ouf, ouais, ouf c'est ouais. Ouais. fou c'est fou bon t'as bien récupéré euh, tant mieux hein. Ouais. Et tu pourrais peut-être sauter à Bali. Si... Ils font pas de, ils font pas de saut de... Ils ah pas de sauts en, je ils font que des tandems en fait. Ah oui, et puis toi maintenant tu tu sautes tu sautes en solo. Ouais. Euh, tu as le certificat, enfin le certificat, ouais, ouais. Qu on appelle ça. Ouais. Ouais. Ok, bon ben, euh, on a fait un bon tour, hein. on a fait un bon tour. Une dernière petite chose quand même. Je me suis posé la question, en titre perso, je me, je me disais que j'allais te demander, euh, j'allais profiter du moment. Euh, vous avez décidé de vous séparer euh, physiquement avec Antoine parce que toi et Antoine Fombo donc vous êtes associés sur sur Bayesian France. Ouais. C'est vous qui avez traduit toute la formation de, de Medo. Bon, t'en ouais. parles, t'en as parlé beaucoup, donc je ah, pense ouais, que les gens ouais. ils savent de toute façon. Euh, et vous avez toujours été ensemble, vous avez voyagé en Asie, en Thaïlande, tout ça. Euh, yes. Qu'est-ce qu qu qui fait C'est peut-être une question trop perso, mais bon. qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous vous séparez physiquement euh, et, et ça remet en cause le business aussi, j'imagine, parce que c'est une autre façon de travailler. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, c'est, ça complique euh, pas mal les choses quand, quand t'es à distance. Euh, bah, en fait, ça s'est fait un peu naturellement. C'est-à-dire que euh, moi, j'étais en couple euh, et, <coughs> et ma copine de l'époque euh, euh, voulait aller en Australie pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour son parcours et euh, bah moi j'étais chaud parce que j'étais déjà allé en Australie j'avais vraiment kiffé. Ça, ouais. ouais donc j'ai fait bah vas-y euh, on y va donc ça ça a été le premier truc mais à la base euh, je devais faire des allers-retours assez fréquents sauf que ça c'était euh, février 2020 <laughs> et on sait ah, ce qui s'est ouais. passé en février 2020 donc euh, là on a été séparés euh, et en fait euh, moi je devais revenir tu vois genre euh, je crois deux ou trois mois après juste pour le salon du fitness mm -hmm. euh, bah qui n'a pas eu lieu après on a été bloqué là bas etc et, euh, et du coup, ça, ça a créé cette cette rupture, entre guillemets, physique. Et lui, de son côté, a trouvé... Enfin, euh, s'est mis avec sa copine. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, lui, il est avec Blandine. Donc, euh, on pouvait plus faire comme avant, tu vois. C'est normal. Ah, les, les... les gronzesses. Hein, ça, ça sépare les, les associés, quoi. Euh, non, mais c'est juste que... C'est vrai qu'on avait un système de fonctionnement où on était tout le temps ensemble, où on pouvait vivre ensemble, où on pouvait voyager ensemble. Fait tu vois, contenu. genre... Ouais, carrément. Et euh, bah oui, forcément, tout ça, c'est un peu... Plus compliqué, il faut, faut fonctionner différemment, il faut trouver des solutions à ça, etc. Euh, ça a été euh, des challenges, hein, clairement, euh, pour nous. Euh... Est-ce qu'à un moment donné, ça a été une bonne chose aussi, vous l'avez dit C'est peut-être pas plus mal qu'on qu soit séparés, euh, parce que ça permet aussi de prendre un peu d'air, de ne pas se sentir trop redevable l'un envers l'autre tout le temps. Euh... Ou Je ne sais pas, moi j'ai pas. Moi j'aime bien passer du temps avec Antoine, tu vois, genre j'ai pas. Même à 24 Ouais, franchement, ouais. Il est super facile à vivre. Je pense qu'il est beaucoup plus facile à vivre que moi, tu vois. Oui, c'est ce que j'ai ouï dire. <laughs> c'est ce qu'on t'a dit Non, même pas. Je l'ai entendu sur vos discussions. Ah ok, d accord. D accord. <laughs> Non, non, il est. Enfin, tu vois, genre, on s'est toujours entendu super bien entendu. Euh... Franchement, c'est très rarement engueulé. Et quand on s'est engueulé, c'était jamais. Euh... Tu vois, c'est juste, euh, on n'était pas d'accord sur un truc et. Euh... Non, non, peut-être, peut-être des problèmes de fond, mais mais jamais, euh, jamais de violence ou un truc comme ça. Vous genre. avez envisagé de re, de ouais. vous dans la même ville euh... ouais. Ouais, ouais, plusieurs fois, ouais. Ici euh... Non, toi, tu m'as dit que tu n'étais pas un grand, un grand grand fan de Bali, enfin, que tu aimais bien Bali, mais que ce n'était pas ton, ton endroit en Asie préféré. Ouais, j'aime beaucoup Bali, enfin, tu vois, je ne vais pas critiquer parce que les gens, ils vont m'écouter, mais, mais c'est quoi ce mec <laughs> Oh, ça va. <laughs> euh, mais c'est vrai qu'en Asie, euh, je préfère la Thaïlande, euh, par exemple, euh, pour plein de raisons différentes. Mais, euh, mais ouais, Antoine, il pense à sans doute... Euh, potentiellement bouger et, et passer un petit peu de temps ici donc ça ça serait ah ouais. pas mal euh, okay. pour, pour créer du contenu pour, pour vous, vous retrouver travailler enfin. un peu en face to face mm. c'est pas pas en distanciel parce que le distanciel c'est pas évident puis à le distanciel il y a aussi le côté euh, décalage horaire qui est pour moi très c'est le plus gros challenge en fait c'est plus c'est mieux à Bali va hein. bah, voir bah, bah, en Australie et tu vas tu vas kiffer hein parce que 10 à 11 heures de décalage horaire, je t'assure que c'est c'est l'enfer. C'est tu travailles de 6h le matin à 9h, après tu fais rien et tu recommences à 18h jusqu'à 22h, c'est c'est Ah vraiment... oui, parce que vous faites énormément de cours en en, en direct, de live, de choses comme ouais, ça. Ouais ouais, par exemple. Ouais. qu'il faut être présent pour ça, ouais, c'est vraiment compliqué, ouais. 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 ouais, Mais même ici en vrai parce que 6 heures de décalage par rapport à Paris, si tu vas faire en live euh, le soir, c'est dur. Ben bah c'est quoi c'est entre minuit, 2, 3h du mat. Ouais. Pour que ça soit en Ouais, c'est vraiment compliqué. Le soir en France, ouais. donc c'est c'est un peu compliqué. Effectivement, c'est mieux les États-Unis. Et, et je crois que le pire, c'est vraiment si tu as un business aux États-Unis et que tu vis en Asie. Là, c'est bah, 12 heures, quoi. Il et me semble. C'est peut-être une connerie, mais euh, j'avais entendu ça. Très bien. Très, il très, bien, très est bien. au bout de tes questions. Très là. bien, très bien. Non, non. Il, pourrait, il pourrait y en avoir plein, il pourrait y avoir plein de choses, mais je pense qu'on a, on a fait un bon tour. Allez. Euh, je vais te poser mes, épisode mes, 2. Petites, mes petites questions. Bah, peut-être, écoute. En plus, si tu restes là, moi, je, je, pour l'instant, je n'ai pas l'intention de bouger dans les prochains mois. Euh, les petites questions de fin que j'aime bien poser. Euh, ah oui. La première, si on revenait 10 ans en arrière, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre À l'âge de, de, de 25 ans. Je t'imaginais plus jeune. Merci. Euh... Et c'est là où je me rends compte que j'ai oublié de te, te, te poser la question sur les compléments alimentaires et ce qu'en dit la science. Trop tard. <laughs> la suite chez Bayesian, c'est ça <laughs> Attention, je vais te demander un code promo. Vous faites pas de code promo Non, jamais. Pour biomé biomécanique. Euh... Je fais pas de code promo sur des produits de qualité. T'as des promos chez Dior? Oui, mais j'ai 10% chez Dior. Je suis le seul à l'avoir. Euh, euh, qu'est-ce que. 10 ans euh, en arrière, ouais. ouais. Le meilleur conseil. Je. Bon, alors, ça, c'est perso, mais euh, ça aurait été, euh, fais-toi plus confiance, en fait. Tu vois, genre, euh, j'avais, j'avais un manque de confiance en moi sur, euh, euh, sur les trucs, euh, sur mes capacités, sur ce que je voulais faire, tu vois, je, je remettais pas mal de trucs en question et si je m'étais fait confiance un peu plus vite, j'aurais avancé plus vite, tu vois. Donc ça, c'est un truc que j'aurais apprécié. Mm -hmm. euh... Et peut-être aussi euh, apprendre à me détacher plutôt de de la vie des autres. C'est bon, ça, c'est un, peu un cliché, combat permanent. Mais... Hein. Ouais, ouais, carrément. Mais ça t'empêche te... d'avancer de ouf en fait. Tu vois, genre quand j'ai fait ma quand j'ai fait ma transition de ingénieur à bah, mec qui veut se lancer dans le, dans le fitness c'était difficile tu vois c'était difficile euh... genre j'avais des gens qui étaient entre guillemets euh, des, des amis de l'époque euh, qui étaient genre euh... ouais mais tu... tu déconnes tu vois genre euh... genre t'es ingénieur tu vas pas faire ça c'est de la merde etc tu vois que... t'es toujours en contact avec eux aujourd'hui non plus du tout non. C'est une non. question de valeur, non, ou non. juste le temps a fait que... Ouais, le temps a fait que, en fait. Mais en Je fait, fait, fait tu, tu, tu te rends compte aussi que, bah, si c'est des gens qui sont... Ouais. Ouais. Alors, j'ai, 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 j'ai plein d'amis. J'ai, j'ai, j'ai de la chance d'avoir des amis de très long terme, tu vois. Des, des gens avec qui j'ai grandi, etc. Euh, qui eux, tu vois, euh, m'ont vu évoluer et... et... C'est pas un peu difficile aussi parce que t'as beaucoup voyagé, t'as été en Australie, maintenant t'es à, à Bali. Euh, toujours ce nouveau système de devoir refaire des, des, des contacts, des amis. Et, euh, et souvent, les amis les plus anciens sont ceux que tu vois de moins en moins parce que tu voyages. Et on sait très bien que euh, loin, enfin, loin des yeux, loin du cœur, c'est pas exactement ça. C'est que ouais, bah, vrai, des difficile. gens avec qui on est, on est vraiment proche, tu les retrouves un temps après, t'as toujours cette même proximité. Il y a pas de souci. Mais il y a quand même ce truc où euh, le, le contact s'érode, l'habitude le, 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 de, 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 de de discuter s'érodent un petit peu et c'est un c'est un travail à refaire à chaque fois si c'est clairement difficile et les amis de long terme que j'ai euh, c'est des amis qui comprennent que qu'on va pas forcément avoir des contacts euh, très fréquents et, et c'est quelque chose que qu'ils acceptent en fait et si c'est des gens qui l'acceptent pas malheureusement euh, euh, c'est ma nature je suis quelqu'un d'assez solitaire euh, euh. mais par contre c'est des gens euh, ils m'appellent ils ont besoin d'un truc ils savent que je serai là euh... Quoi qu'il arrive, tu vois, genre ils ont un problème ou un truc, ils savent qu'ils peuvent ils peuvent faire appel à moi et que et que et je sais que ça sera la même chose en retour, tu vois. Et pour moi, ça c'est mes vrais amis. Euh, mais je sais que je suis pas très bon par rapport à ça, tu vois. Je sais que je suis pas très bon pour donner des nouvelles, que ça soit à mes amis proches, à ma famille et tout. Et et soit ils l'acceptent parce que c'est un peu comme ça que je suis. Même si j'essaye de, de faire mieux, tu vois, genre c'est pas, tu vois, j'en je, je, suis conscient. Mais euh, mais je fais du mieux que je peux aussi, quoi, tu vois. Ok. Bon, collagène, c'est des conneries ou pas euh, <laughs> La question qui s'intercale. Hein. <laughs> il les veut, c'est complètement alimentaire. Il, il veut savoir quoi non, acheter. Non, après ju le podcast. Ju juste, bref, même pas, parce qu'ici, j'en consomme pas du tout. Euh, bah, collagène, en fait. Euh... Juste ça, allez, parce que c'est vraiment. Euh, bah, ça, ça fait parler. En fait, dans les recherches, on n'a pas beaucoup de, de trucs qui montent un vrai avantage à consommer du collagène. Euh, après ça va dépendre aussi de l'alimentation de la personne, Tu vois, si c'est une alimentation qui manque euh, énorme. Alors, collagène, c'est un certain type de protéines. Okay ouais. C'est des protéines qui sont riches, euh, en particulier en glycine. Okay Mais si, par exemple, euh, tu as déjà pas mal de ces aminés. Alors, les protéines, c'est des chaînes d'acides de, aminés. Okay euh, et le collagène, c'est une, euh, une certaine chaîne de ces acides aminés. Et, et dont un acide aminé qui est la glycine, qui est plus... Euh, qui est bah un précurseur du, du collagène euh, et en gros si tu as une alimentation qui est déjà riche tu vois genre en tissu conjonctif euh, donc euh, tu vois genre euh, je sais pas tu manges des bouillons de poulet ou des bouillons de carcasse euh, tout le temps etc bah potentiellement consommer du collagène ne sera pas forcément une, une importance euh, capitale capitale de la même manière si tu consommes suffisamment de protéines euh, que du coup tu as suffisamment de glycine dans ton alimentation et que tu as suffisamment de vitamine C, qui sont euh, les deux pr euh, précurseurs du collagène, potentiellement t'as pas besoin de te supplémenter en collagène, ok Parce que tu, parce que ton corps peut métaboliser du collagène à partir de des substrats euh, dont il a besoin en fait. Mmh, tu vois? Mmh. Euh, mais à l'inverse, si quelqu'un a une alimentation qui est pauvre euh, en protéines, qui est pauvre en glycine, euh, qui est pauvre en vitamine C, bah potentiellement auras un un impact significatif d'une consommation de collagène en fait tu vois en poudre c'est ça c'est ça et souvent ce qui est, ce qui est intéressant c'est que euh, tu as plein de compliments alimentaires genre ouais pour avoir des plus beaux cheveux des une plus belle peau ouais, etc., ouais, qui sont à base de collagène et bah ouais si tu prends une population standard qui consomme pas suffisamment de protéines tu leur donnes euh, une, une, des compléments alimentaires à base de, de collagène ça va vraiment faire une différence à ces niveaux là tu vois Genre, ah ouais bah c'est incroyable ouais ah, okay. ok mais parce que à la base ton alimentation elle est pas idéale quoi. Je 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 je, je pense me considérer comme quelqu'un qui 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 mange assez bien je pense que je, assez de, de viande euh, et tu vois quand je prends du collagène j'ai l'impression quand même que j'ai des, des ongles qui poussent bien plus vite. Et je suis pas certain d'être carencé à la base mais peut-être que finalement je le suis je le sais pas tu vois. Bah, le, le Il y a que, vraiment, je, je vois l'impact. Alors pas tant sur les cheveux, bah, tu, tu me diras c'est difficile, <laughs> difficile de voir une différence puisque sur des, sur des cheveux longs, mais euh, bah, si sur tu, les ongles je vois vraiment la différence. Quoi. Si tu manges beaucoup de viande mais que tu manges que du tissu musculaire, potentiellement tu n'auras pas une alimentation qui est riche en glycine. Je, je mange tout en général. Mais, mais tout c'est quoi Parce que si tu manges que des steaks et du blanc de poulet et des trucs comme ça, euh... non, des demi-poulets, des choses. Ah bah ils font des demi-poulets, c'est sympa. Ok. Tu manges la peau. Ouais. Ok. Donc Potentiellement. Après, ce qui serait intéressant, c'est de voir si tu as les, les mêmes sensations si tu, tu supplémentes juste en glycine, par exemple. Mmh. Bon, intéressant, intéressant. Euh, je vais pas pousser. Hein. Tu, tu es en contact avec Michael Gendil parce que j'ai l'impression que vous faites un travail qui, qui est un peu similaire. Il passe son temps dans les études, à regarder ce qui se fait. Euh, sauf que c'est un indépendant. Oh, toi aussi, t'es un indépendant, mais. Euh... Euh aïe aïe aïe, aïe, aïe. j'ai do... mis le doigt non. sur quelque non, chose. Non. <Seattle> non non pas du tout euh je j'ai 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 commencé avec le travail de Gundil je je l'écoutais sur les premiers podcasts sur super physique tu sais avec Ludic Voyer mm -hmm. euh, je pense qu'il a beaucoup fait pour pour la musculation en France et tout, tu vois, donc euh, non non j'ai 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 pas de problème. Après je pense que euh c'est quelqu'un qui est... Bon, vu qu'il est peut-être d'un certain âge, il est un petit peu fermé. Vu que ça fait longtemps qu'il est dans le truc, à chaque fois qu'il y, y a quelque chose de nouveau qui apparaît, bah, il est toujours un petit peu euh, réfractaire, tu vois. genre ouais, des pincettes. Bon. Ouais, donc euh, donc euh, je sais pas. Euh, moi, j'aimerais beaucoup avoir une discussion avec as lui. Tu n'as jamais eu l'occasion de parler avec lui Même en, en privé, hein, par exemple euh, Alors, on, on a discuté il y a très longtemps, mais je te dis ça, il y a sans doute plus de dix ans euh, sur Facebook. Euh, on échangeait un petit peu sur certains trucs, etc., euh, après, j'étais pas, j'avais pas les connaissances que j'ai maintenant, euh, donc euh, donc euh, lui était déjà largement en avance sur moi à l'époque. Mais depuis, non, on n'a jamais eu la chance d'échanger. Euh, je sais même pas si c'est qui je suis, <laughs> tu vois. Donc, oh, euh, je, je pense que je pense qu'il se tient au courant. Hein. Je, je sais pas. Je pense qu'il. Je, je sais pas. Je sais qu'il a travaillé avec pas mal de gens autour de moi, euh, mais euh, non, j'ai échangé aussi pas mal avec euh, avec De Alors De je l'ai rencontré plusieurs fois. Euh, euh, des salons Ouais, on a des, on a, on a dîné ensemble aussi, mais... Euh, euh, ouais, Gundil bah, il, il, il est moins social aussi, <laughs> euh, Un peu plus renfrogné. <laughs> mais euh, non, non, je, moi je trouve qu'il que a fait beaucoup et c'est bien. Je, euh, ça, ça serait cool d'échanger avec lui. Ouais. Bon, très bien. Allez, j'en reviens à mes deux dernières questions, on va, on va terminer. Est-ce que tu as, as un modèle ou un mentor à qui tu envie de rendre hommage bah, Meno clairement. Euh, c'est quelqu'un ouais, va... C'est un peu convenu, je m'y attendais parce que je sais que vous. vous, vous... Ouais, mais c'est mon vrai mentor en vrai. Tu vois, genre, genre je lui dois tellement sur, sur le fait d'être là aujourd'hui, dans, dans le sens où il m'a montré la voie, euh, c'est devenu un ami. Euh, euh, J'ai appris qu'il euh, qu utilise des produits dopants. Hein. Mais non. Oui, il y a un article qui est sorti là hier. Hein. <laughs> N importe <laughs> c je Tu je le mi-trend. Non, le mais même, même s'il si hein. même, même, <laughs> si, si prenait des produits d'opens, ça changerait. C'est pas vrai, je à déconne. Mon, hein, je à, déconne. Mon, à mon rapport ou à, à mon expérience avec. Euh, je pense que ça a été mon. Bah, sans doute, en vrai, mon seul mentor euh, véritable, en fait, tu vois. Ok, ouais, ok. Bon, est-ce que t'as un bouquin maintenant à me conseiller wow, j'en ai une. Euh... Bah, ah, alors, ai une regarde, planombre. moi j'aime bien faire simple c'est euh, soit quelque chose que, que, que t'as lu euh, et qui t'a vraiment marqué tu vois euh, quelque chose un des meilleurs livres ou alors tout simplement on est encore on est en fin, fin 2023 quelque chose que tu as lu dans les six derniers mois euh, et euh, que tu as envie de partager et, et c'est oublions, oublions un peu le côté entraînement si tu as envie aussi hein. c'est parce ouais. que des fois on a ça fait deux heures et demie qu'on discute d'entraînement de science de ceci, ci donc deux un peu plus que ça euh, ouais, ouais ça passe vite ça ah ouais, et je te l'ai dit tout à l'heure je, je le dis à son invité c'est c'est bon voilà ça passe ça passe vite euh, donc ça fait ça fait deux ans et qu'on discute de tout ça donc en premier tu te dis tiens qu'est-ce que je pourrais dire mais ça peut être un roman hein, ou quelque chose qui n'a rien à voir hein. des fois on me recommande des trucs euh, qui n'ont rien à voir avec le schmilblick alors peut-être que tu l'as déjà entendu mais mon, mon livre de référence à mon avis pour tout le monde c'est Atomic Habits qui est, qui est là-haut ok qui est, qui est pour moi exceptionnel et pour moi c'est dans mon top 5 des livres de tous les temps euh... je l'ai pas encore lu non j'ai entendu beaucoup. Je commence <laughs> de, de me défendre. J'ai entendu beaucoup de choses. Je pense que j'applique euh, la plupart des, des, des préceptes que j'ai appliqués ou que, appliqué, je ou relis que je chaque année. Connais, mais euh, je ne l'ai pas lu. Je euh, le relis chaque année. Okay. Il, ouais. est, il est à ce point. Atomic Habits. Ouais, J'avais est... beaucoup aimé l'effet cumulé d'Ariane de, de euh, voilà. ouais, les derniers pas mois aussi. Il y a Le pouvoir des habitudes aussi de Charles Duhigg. Ouais. Atomic Habits n'a pas été traduit par euh, un titre à la con en français. Il a été traduit en français. Et le deuxième livre que chercher. je vous recommande, bah, c'est la traduction par votre humble serviteur euh, ici présent euh, du livre de Méno que je vais sortir euh, le mois prochain. C'est quoi le nom Le nom euh, La science du self control La science du self control Le mois prochain. Bah, alors, il sera très probablement sorti au moment où cet épisode sortira, parce que j'ai quand même ouais. pas mal d'avance et j'ai toujours un, un planning ouais. un peu un peu délai de avec délai. Donc, ça m'a mis deux ans pour le traduire, donc vous avez intérêt. Ah à ouais. <laughs> Faudra tu l'avoir, Antoine. Que, ou, alors, ou alors tu vas te venger, tu vas pas lui C'est que toi qui as traduit ou c'est euh, toi et Antoine qui l'ont tra traduit euh, Moi, mon ex et on a un éditeur. D'accord. Bon. Atomic Habits en français a été traduit par Un rien peut tout changer. Ok, d'accord. Tout naze le titre. Bah, je sais pas. Normalement, c'est censé être des pros dans des réunions qui font des titres bien marketing pour que ça marche. Bah, moi, ça Donc, marche. ça se trouve, ça marche. Et en fait, on, on bah, se dit c'est nul, mais ça marche. Hein. C'est une, une idée intéressante c'est que dans le livre, j'utilise euh, la science de la maîtrise de soi, okay, qui est le self-control. Mais pour le titre, j'ai voulu garder l'anglicisme self-control parce que je pense que tout le ça monde parle comprend. C'est plus stylé. Et euh, ouais. Ça parle à tout le monde. T'es d'accord avec mon choix Tu valides Oui, je, je valide. T'auras pas une petite réduction pour les auditeurs hein, quand il sortira ah, J'espère ah, je, je, une petite réduction pour le pour mécanique bioméca, bioméca, biomécanique. On va voir ça. On va voir ça. ça. ça bon, j'essaierai je, de vous faire quelque chose au moment où ça sort. Regardez dans la description de, de l'épisode que vous soyez sur YouTube, euh, Spotify, Apple ou peu importe l'endroit. Il y a toujours une description, des notes sous le sous le, le fichier audio, quoi. Euh, Lâchez 5 étoiles à Jérôme pour son travail, euh, voilà. ça, ça demande du temps, vous ne vous rendez pas compte. Merci, 2h30 eh ben, là déjà de discussion, mais ça sans demande du temps. Sans compter la si préparation, tu... sans le montage, etc. J'ai l'avantage d'avoir un format qui nécessite quasiment que très peu de montage, puisque là il n'y aura rien de coupé, même les, ouais. les, les conneries qu'on a dit, je laisserai tout euh, tel quel. Euh, je fais uniquement des petits montages ou des arrangements lorsqu'il y a des problèmes techniques, je, je le répète, mais en ce qui concerne le fond, je ne coupe jamais rien, il n'y a pas de e, j'enlève pas les approximations, j'enlève pas les. les... C'est ce qui fait que le podcast, il est comme ça, en tout cas le, le mien, il, il est comme ça et puis il restera comme ça. Euh, et que, bah, il est aussi long des fois, mais euh, voilà, c'est un, c'est un chemin euh, vallonné. Des fois, on s'amuse sur une thématique et puis on s'en écarte et on revient et, et, et je pense que les auditeurs euh, prennent du plaisir à entendre des fois des, des sujets et puis ensuite il y a un peu un ventre mou. je dis, ça ça m'intéresse un peu moins, mais j'attends un petit peu, ça passe et ça reviendra sur quelque chose qui m'intéresse. Euh, voilà, c'est comme ça que j'aime les faire. C'est comme ça que je pense que les, les gens aiment l'écouter aussi. En tout, cas, euh, en tout cas, cette émission. Donc, euh, merci pour votre écoute. Merci, euh, Névin Merci à toi, Jérôme, de ton nom euh, très anglophone. là, c'est stylé pour le, le, le fitness. C'est ton vrai nom <laughs> ouais, 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 carrément. Ouais. Bon, c'était un plaisir. Est-ce que tu as une, une dernière chose à, à ajouter euh, avant qu'on clôture officiellement Non, je pense que qu'on a tout dit. Tout a été dit et euh, tout pourra être redit plus tard dans un, dans un futur épisode si on absolument se, si on se retrouve. Si vous voulez retrouver de mon contenu, bah, je pense que tu mettras dans la oh. description ou quoi que ce soit. Mais site web, ouais. Qu'est-ce que Instagram? Euh, nevingl Gl, euh, Nevin Fitness Logique sur euh, sur YouTube et le podcast c'est euh, Fitness Logique Radio. Fitness Logique Radio. qui qui, euh, qui à mon sens euh, gagnerait à être plus fréquent. Mais je sais, ouais, ouais. Je sais. Comment mais je suis ça. comme toi là, j'ai j'ai six épisodes là, qui, sont, qui sont faits donc euh, ça va ça va bombarder là. ça va débiller. bon parfait merci à tous mettez 5 étoiles abonnez-vous au podcast sur les applications sur Youtube peu importe partagez-le euh, quelque chose que je dis moins mais qui marchait bien parce que les gens ça permettait euh, d'avoir un bouche à oreille numérique qui fonctionnait bien c'était euh, de le mettre en story Instagram pour tous ceux qui ont apprécié l'épisode Faites une story avec le bah, le cover quoi ou même avec Spotify on peut, peut aller sur partager euh, partager en story vous identifiez le compte BioMécanique Podcast vous identifiez euh, celui de Nevin, euh, qui sera en description si jamais mais de toute façon vous le retrouverez facilement et comme ça nous on repartage euh, et comme ça bah, vos, vos contacts peuvent voir ce que vous écoutez ce que vous recommandez et puis si ce sont des sujets qui les qui les touchent entre l'entraînement la science la nutrition la récup un petit peu le, la compréhension de soi ben, ils écoutent et puis on gagne, en, on gagne en, en audience, on gagne un auditeur, on gagne un impact. Et ça fait quoi ben, Ça fait qu'on peut avoir des invités de plus en plus, euh, des fois, difficiles à aller chercher, euh, qu'on a accès à d'autres catégories d'invités, qu'on peut aller chercher sur d'autres sujets aussi. Euh, et voilà, et comme ça, tout le monde s'y retrouve. Voilà. Merci à tous, faites pas trop les cons, prenez soin de vous, et puis à lundi prochain 8h. Ciao, ciao.